Salut les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau live. Je suis pas tout seul, je suis avec du coup Germain. Salut Germain. Ouais yo, salut tout le monde, ça va Bastien? Bah mec, ça va carrément bien, on est chaud parce que ce soir, gros changement, vraiment c'est un gros live. Et je suis accompagné de Zero, salut Zero. Salut à toi, salut tout le monde. Pareil, ça va? Eh bah nickel, et toi? Eh bah écoute, moi ça va carrément bien. Attendez, est-ce que moi aussi j'ai bon? Oui nickel, ok. Bon bah du coup, yo le chat, salut Raphaël, salut Christine, salut Fanny, salut LCS, salut Antonin. Yo, retard, y'a pas de retard les gars, ça tout va bien. Salut ça chatouille d'accord. Salut ST, salut tout le monde. Bon du coup, alors ouais, ceux qui ont suivi la vidéo de ce matin, déjà j'espère que vous l'avez vu, parce que ceux qui l'ont pas vu, sinon c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui... Enfin, en gros c'était le dernier épisode sur la map de base, et à partir de ce soir, on passe du coup sur une nouvelle map. Ça va être, voilà, une nouvelle map les gars, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce qu'on a mis très longtemps à refaire toutes les fermes et il y a eu des nouveautés qui sont arrivées, et du coup bah, des choses qui vont être très sympas. Donc qui c'est qui est sur le serveur là? Vous êtes sur le serveur ou pas? Ouais. Moi, et tout le monde, moi Germain, et après on verra. Oh, merci beaucoup Space Dirt pour ton sub, merci beaucoup mec. Ok, let's go. Je lance mon jeu. Je sais pas si je suis la partie, sinon je sais pas si je suis la partie. Si j'y suis. Ouais, si tu es. Ok, j'y suis. Ok, alors regardez les gars, on va sur la scène du jeu et regardez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Là on y est, attendez ma caméra, c'est bon, je suis bien réglé, ça a l'air. Donc Germain est là, attendez, je vais juste mettre le système là, let's go, bam, bam, bam. Donc du coup on a changé de map, et on est dès à présent sur la map Les Plaines Françaises, qui est une map tellement bien, les amis, pour jouer aux 3 farms, parce que c'est clairement les gars, une map qui va pouvoir tellement être beaucoup mieux pour durer dans le temps, parce que le problème de la map de base, c'est que bah voilà, c'était la map de base, et on arrivait vite avec les champs, c'était un peu la galère. Enfin, c'est vrai que c'était un peu la galère, les gars, non? Ouais, un peu là, mais c'est bien, parce que moi, c'est une map que on l'avait vu et revu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça les gars, bienvenue aux 2200 personnes les gars, salut, comment ça va? Donc bien évidemment la map, vous la retrouvez sur le site hein, si vous voulez la map. Et du coup regardez, nous on est, donc Nico sera ici, toujours un peu pareil, un peu séparé de nous. Donc les parcelles ont été, sont exactement pareilles, hein. Les hectares qu'on avait exactement sont tous reproduits à quelques arts près, mais 0,80 hectares, enfin là c'est vraiment très peu. Zero sera ici, on a déjà construit sa petite ferme, on ira voir sa ferme et nous on est là. Donc voilà, du coup un peu qu'est-ce que ça ressemble, on a donc 57 000 €, waouh. Et Space Dirt qui donne déjà 50 balles. Merci beaucoup, mec. Merci énormément, ouais, pour tes 50 francs suisses, je crois. Il me semble que c'est ça. Yo, j'ai 230 heures sur farming à cause de toi. Ah, ok, super. Bienvenue à tous, les gars. La map sera sur console, je sais pas. Salut, Emeline. Ouais, nickel. Le pen français, c'est ça, ouais. Donc, regardez du coup la ferme. On l'a refait. Ici, le bâtiment, c'est le même. Le jardin, on a essayé de le refaire un petit peu, mais différent. Et ce qui est bien, c'est regardez que ce n'est plus plat. Genre, la ferme n'est vraiment plus plate. Elle est vraiment en dénivelé un petit peu et c'est grave bien. Là, on a remis les mêmes trucs pareils. Et regardez, on a beaucoup plus d'herbe. L'herbe est beaucoup plus stylée. Genre, en fait, on peut mettre de l'herbe. Du coup des coquelicots, enfin je sais pas quoi, des arbres de toutes les couleurs. Il y a plusieurs textures disponibles, quoi. Donc c'est pour ça, merci beaucoup Dani pour tes 1 €, merci énormément. Et merci aussi Aubert Ange pour tes 2 €, merci beaucoup. Moi je vais continuer à virer les arbres. Ok, let's go. Alors oui, du coup, reprenons. Il faut qu'on ait une tronçonneuse. Ouais, bah go acheter la tronçonneuse. Donc du coup, voilà un petit peu pour notre carte. Le poulailler est toujours présent. Il faudra juste qu'on renourrit les animaux. Là, c'est pareil. On a du coup le plateau. Enfin, tout est pareil. Hein. Vraiment, tout, rien n'a changé. Et en gros, la nouveauté qui fait que ça va changer par rapport à la saison, du coup, numéro... Enfin, à la fin de la saison 1, c'est la saison 3, mais la partie d'avant. C'est qu'avant, vous rappelez-vous, ici, on avait un chemin. Ça faisait comme ça. Hop, ça partait ici. Et hop, il y avait un chemin. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a délimité le champ en deux. Donc le champ 69, il y a une partie herbe, en gros, et une partie qui sera culture, donc où c'est qu'il y a le maïs, etc. Et en gros, voilà, au lieu d'avoir, parce que regardez, le champ, c'est incroyable ici, c'est tout pentu. Et Germain, viens voir, parce que je pense que t'as pas vu, mais moi j'ai vu, ceux qui connaissent le map, les gars, vous avez vu, ouais, et ça va être insane. Là, t'avances, et en fait, je sais pas où t'as un chemin, et en gros, on peut s'acheter cette parcelle-là, la parcelle qui est sur le lac. Regardez, en fait, on peut s'acheter, donc là c'est le lac, on peut s'acheter la parcelle numéro 1. Donc si on veut, on peut construire carrément, les gars, un champ, même des bâtiments, mettre des animaux, faire un deuxième corps de ferme ou quoi. Bon, je galère un peu dans l'eau. Allez, allez, allez. Ok. Et en gros, ce qui est bien, c'est pour remplir notre cuve à eau aussi. Ouais. Ça va être nickel. Et du coup, on a un petit ponton ici où on peut passer et on peut faire un deuxième champ, genre là. Enfin, c'est fou, hein, ça peut être trop drôle, les gars. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la map est incroyable. Mais ouais, franchement, merci en tout cas au modeur qui a fait ça et qui a fait du bon taf, parce que c'est vrai que elle est quand même grave. Ah oui, si, il y a un chemin là. Ok. Donc voilà un peu pour la ferme. Et regardez du coup les moutons, parce que les moutons sont quand même là. Hein. Je sais pas si on les avait rachetés d'ailleurs, Germain.
Les moutons, bah si tu ne l'as pas fait quand je l'ai dit, non. C'est ouais. Et en gros, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit qu'on allait faire un petit chemin. Donc au final, on va passer par ici. Il y a un petit chemin par là. Hop, 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 on passe. Les pommiers sont toujours présents. Voilà, la déco est faite. Et en gros, voilà, on a remis le même bâtiment là, ici, avec du coup les stocks d'herbe normalement, enfin de foin. Et ici les moutons, mais du coup, on va racheter. Mais je pense qu'on va se les offrir parce que. Parce qu'en fait, on avait acheté quoi comme mouton ? On avait blindé l'enclos, il me semble, Germain. Ouais, c'est ça, on en avait au max, et c'était des noirs qu'on avait pris. Ah ouais, ok. Bah du coup, est-ce qu'on changerait pas pour prendre des blancs ? Bah, comme tu veux. Je sais pas, les gars, vous préférez noir ou blanc pour les moutons ? Dites-moi, c'est les mêmes prix, enfin, la production est la même. Par contre, il faut que tu m'envoies 8000 euros, Germain, si tu peux. Ok, ouais, bah je vais t'envoyer ça. Dès que c'est good, envoie 8000 balles, comme ça, ça nous rembourse directement ça. Le seul problème, c'est les ouvriers. Non, les ouvriers fonctionnent normalement. Merci beaucoup, Nino, pour ton sel, merci pour tous vos dons. Il y a des dons qui apparaissent pas à l'écran, mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, le chat, noir, blanc, noir, noir, noir. Et que, oui, ok, bon, bah c'est noir, je crois. Ok, bon, noir. Ok, bon, bah on prend les moutons noirs. Attendez, on se remet sur la zone. On se prend les moutons. Et là, du coup, 8000 balles. Let's go. Alors, le prêt à la banque. Normalement, j'ai regardé, je me suis pas trompé. On avait environ 30 000 euros de prêt. On avait remboursé le maximum. Dites-moi si je me trompe. Hein. Alors, peut-être que je me trompe. Mais normalement, non. Donc, du coup, voilà pour ma ferme. Zero, t'es là? Ouais. Ouais, celui-là, moi je moissonne le soja tranquillement. J'attends Hugo. Ok. Qui va arriver bientôt. Et donc, du coup, on a. Donc, regardez. En gros, on a donc. Pardon, la parcelle numéro 69 qui sera délimitée une en soja, enfin en culture et autre en pré. Et on a aussi acheté la parcelle 67 qui nous faisait qu'en fait qu'on avait exactement 4 hectares 80 je crois à peu près. Là on a 4 hectares 20 plus 0,75, ça arrondit un petit peu. Bon on a à peu près un peu plus de 5 hectares je crois. Mais en vrai c'est pas, on a quand même 5 hectares, c'est à peu près le bon truc. Et là du coup, donc je propose qu'on prenne la voiture. Où sont les voitures d'ailleurs? Comme ça on va vous montrer un peu le concessionnaire et tout. Elles ont été rachetées ou pas les voitures? Je crois pas. Je sais pas, ouais, je pense pas. Mais c'est quand que tu viens voir du coup les fermes du coup? Alors, bah maintenant, je prends la voiture et j'arrive gros. Ok, bah viens dans la ville si tu veux. Est-ce que je prends la Uberster? Vas-y, nice. Je prends la Uberster, les gars. J'en prends deux, comme ça, Germain, t'en prends une. Vas-y. Ou on prend une voiture normale aussi. Une Uberster et une voiture normale, comme ça, c'est mon gros fort. Hein, il paraît que t'avais 100 000 euros de prêt, il paraît. Mais non, j'avais remboursé dans le live, il me semble. Ça, ils disent que t'as 100 000 euros de prêt. T'as deux plateaux? Ah, attends, j'ai fait le con. On a deux plateaux? Non. Je crois qu'il y en a un en haut et en bas, peut-être. Il y en a un là. Ah, j'ai fait le con. Bah, où c'est qui? De toute manière, il faudra juste aller regarder dans. Ah, oui, il y en a deux plateaux. Ah, oui, merde, il faut le vendre. Bah, au pire, on vend le plateau et on se rembourse pas les moutons, au pire. Vas-y, ok. Niveau des occasions, il faut quand même qu'on perde pas le nord, les gars. Oh, mec, mais niveau des occasions, c'est fou les occasions par contre qu'il va y avoir. Salut Nicolas, salut, salut. Oh, cette benne, elle est en mode, ouais, les gars. Donc, ouais, ceux qui veulent la map, hein, c'est sur starmode.com, les gars, si vous la voulez. D'ailleurs, on vous prépare du lourd très bientôt, vraiment, vous êtes pas prêts. Mais là. Je t'avoue que nous on est très contents parce que le site va être vraiment carrément plus stylé. Bon, on a mis quelques décorations devant aussi, on s'était dit ça pourrait être sympa. Les arbres, j'aime bien les coupes aussi. Et je vais récupérer eux. Qui c'est qui a acheté cette voiture? Ah mais c'est la voiture de Nico ça. Ah oui, et ça c'est notre Summer Maze qu'il faut récupérer. Et regardez un peu, il y a les décorations de la... Donc là c'est le concessionnaire, hein. C'est Rust Farming qui a fait la map. Bah attends mais où est la voiture? Je suis pas admin peut-être. Putain, René, salut salut. Attendez, et d'ailleurs Zero, est-ce que tu as des news de All Stream Maps? Alors, elle est en test console, au maximum mercredi, elle devrait être là s'il n'y a pas de problème, voilà, s'il n'y a pas d'erreur. Donc sur PC et console le stream app. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, bah carré, les gars, carré, carré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne StarMode, ça va... D'ailleurs, le contenu arrive. En map console, il n'y en a pas là en ce moment, non? Ouais, il y a que dalle. Si, il y en a une qui est bien d'Oxygène David, mais sinon il n'y a rien, ouais. Envoyer, gérant de ferme, il y a R, ouais. Ok, bon, on prend la Uberster. Attends, viens, on prend une voiture pourrie. Attends, on prend cette voiture. Notre ferme, c'est quelle couleur? C'est du bleu, hein? Non. Bah, anciennement, oui. Après, je sais pas si. Bon, on prend du bleu et on prend la Uberster. Bon, bah, du coup, on peut pas la prendre bleue, on va la prendre normale. Ok, let's go. Bon, du coup, nous voilà sur la carte. On est parti. Merci en tout cas, les gars, d'être là. Ça fait grave plaisir parce que vraiment. Alors, non, les 2 millions d'euros, vous inquiétez pas. Hein. On est sous-traitant de la ferme, donc. Enfin, j'espère. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Ouais, bonsoir, yo, Brom. Comment ça va, Brom? Bien et vous? Mais carrément bien, bon. Carrément bien. Donc en gros voilà, le concessionnaire il est juste ici. Mais Borom vient de spawn, il est là. Bonjour Borom. Ouais. Attends, il est là. Yo, yo, il est monté dans ma Uberster. Oh, il est génial. T'as vu, c'est stylé. Hop. Livraison de mode et de live à plein temps. Bon, les voitures elles vont tellement vite. Bon, je vais montrer les fermes. Donc on a montré le mode ferme. Bah Borom, si t'es chaud, on vient voir ta ferme après. Comme ça on va la présente pour le live. Ouais, mais faut attendre Nico. Ok, bah ma petite Nico est là. Si mais sinon, ça. Ouais. Ok, vas-y, let's go. Nous, on va la présenter de toute façon sur mon live. Voilà, mais Borom sera en live à partir de quelle heure?
Dans 5 minutes là, okay. Enfin, 40 moins qu'à. Bah voilà, n'hésitez pas à aller checker. Merci Arnaud Jousse, salut, ça serait cool que tu visites les fermes des abonnés de, et jouer un peu avec eux, ça pourrait faire de nouvelles vidéos. Je vous adore la team, merci beaucoup. Bah ouais, c'est vrai, merci que pourquoi pas. Et merci Ange qui a écrit 23h. Hey, bonsoir. Comment bonsoir, ça va Nico? Ça va. Impeccable hein. Bah du coup je vais voir la ferme de Zero là. Donc regardez, nous en gros on est là. On est en face les amis. On est juste en face par rapport au concessionnaire, donc on est vraiment pas loin. Mec, elle me rattrape la voiture. Vous avez été voir notre juste, ferme, juste ma ferme. Et là on va voir celle de Zero. Donc Zero, je te laisse nous la présenter. Bah vas-y, du côté là. Voilà. Et là on a un chien. Le chien à droite là, il est à nous les gars. Donc on a donc deux champs et quelques. D'ailleurs jamais, faut qu'on mette un tracteur à semer je pense dans le champ. Moi je me fous. Et là regardez, on arrive. Donc là c'est chez Zero. Bah Zero, je te laisse nous présenter hein. Vas-y. J'arrive, puis dans le champ à côté. Donc en fait t'as tout, mais t'as tout le domaine toi en fait t'as... Alors du coup, alors t'es où? J'arrive pas à te voir. Mec c'est fou, tout a changé les amis. Là je suis devant la TX. D'accord. Ah okay, ouais d'accord. Viens, ouais là viens là, voyez. Donc regardez la ferme de Zero. Non mais du coup t'as combien de parcelles là? T'as 12 millions de parcelles. Alors tu sais que je sais, on a quand même pas mal de parcelles. Attends, on a un synchro. Je sais pas on a combien mais on a, les gars, on a tous les hectares en fait qu'on avait sur, ouais, sur Obélion. Les amis, tous ceux qui sont sur le live, vous êtes pratiquement 5000. Si vous n'avez pas liké, je vous invite vraiment à le faire, ça nous fera juste trop plaisir parce que vous savez pas le temps que ça nous a pris à refaire les fermes à l'identique et on est trop contents. Vas-y Zero, donc je te laisse présenter tout ça. Alors, du coup ici l'entrée, ça a changé un peu comparé à celle de base. T'es habillé en salopette. Ça a changé un peu, ouais j'ai une salopette. Ouais. Question, Brom il va démarrer son live dans 5 minutes, du coup moi je propose c'est que dans 7-8 minutes vous venez à la ferme et puis moi je vous fais la présentation de ce que j'ai reproduit comme Borom était pas là. Ok, vas-y. Bah tu nous... Fait live la même présentation, ça sert à rien de le faire deux fois. Ouais tu ouais vois. Carrément. On donne du temps. Vas-y ok. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Chercher. T'inquiète. Ok, donc voilà du coup la ferme de Zero. Donc du coup t'as repris un petit peu. Ouais. Elle a un peu changé, c'est ça. Donc ça c'est l'essai qui l'a refait. Hein. C'est pas moi vraiment. Donc on a remis les pommiers qu'on avait de base. GG à l'essai. Voilà, vas-y. Merci l'essai. On a mis le poulailler ici. Alors pour le moment, bah, les poules sont pas là. Je sais pas pourquoi, mais elles ne sont pas encore là. Ok ouais. Elles vont arriver dans le live. On a mis les cerfs qu'on avait. Donc on avait deux cerfs comme ça. Ok, de la déco là aussi je vois. Ça vole un peu, mais c'est pas grave. On va modifier ça avec les essais dans le live. Ouais. Un peu de décoration, voilà. Ici on a remis le cachet, etc. Et le gros bâtiment principal qu'on avait ici. Ok. Donc là ouais c'est pareil, il y a un peu plus d'espace là je vois. Un peu plus, ouais il y en a un peu, ouais c'est grave. Ouais, il y a un peu plus d'espace chemin, c'était vraiment compliqué. Le bâtiment ici, les serres là. Et c'est que on va modifier ça, puis c'est les parcelles ici, donc celle-là. Ouais. Je pense qu'on va améliorer ici la ferme parce que c'est à nous ce terrain là. Bah c'est à vous, ouais. Attends mais du coup vous avez quoi au niveau de terrain pour vous expliquer? Donc en gros on a 1, 2, 3, 4, on a 5 parcelles en tout. Donc là vous êtes installé là et vous avez ça. Quoi? Mais vous avez, attends mais du coup donc tout ça est à vous là jusqu'en bas? Ouais, on a en fait aussi 6 parcelles, je viens de voir que ici on avait aussi un champ de colza, mais on a pas mal de parcelles. Il y a du soja partout, mais c'est du coup qu'à semer ? Ouais, je pense, ouais, parce qu'on avait du colza qu'on est en train de semer, du soja aussi. Ah du ouais, coup, bah, c'est insane. Il a tout refait. C'est vraiment carrément bien. Et du coup, regardez, ce qui est fou, c'est ça, c'est que regardez, enfin, je veux dire, c'est la map est incroyable. La map est folle, donc on est ceux qui veulent savoir. Ouais, mais c'est fou, moi je suis trop content. Vraiment, merci les gars d'être là, bienvenue à tous. Elle est au milieu de la ferme de Zero. Bah, en vrai, pratiquement. Nous on est à peu près ouais, là et Nico sont là, mais vous allez vraiment halluciner. La ferme de Nico, elle est... Moi je pense clairement que c'est une des plus belles. Là un peu de déco par-ci par-là. Et attends, du coup t'as un champ, tu dis. Attends, il disait on où a pas mal de champs, mais viens voir. Attends, parce que je vois sur le PDA. Alors, en fait, ici, juste ici là, voilà. Juste là, ça c'est à vous là, ça. Là c'est le nôtre. Là c'est le nôtre. D'accord. Ouais. Et je me dis en colza, même en soja, celui-là il a tellement rapporté. Bah ouais, de fou. Non mais vraiment, c'est vrai, c'est fou. Ouais. Ok. Bah propre de fou, bah vas-y. Donc là tu moissonnes là, Hugo n'est pas là, du coup tu moissonnes. Bah du coup je sais pas ce qu'il fait, l'essai me répond pas, donc je vais essayer de l'appeler, je vais voir. Bah du coup j'ai à l'essai parce que c'est lui qui a refait la ferme de Zero. Ouais. On se spoil refait, pas la ferme. Ok donc Germain, nous voilà, je suis ici. C'est ça. Bah attends, déjà je pense que le plateau on va le dégager, celui qui est en trop. Fais gaffe de pas vendre le. Mais je pense que je peux le faire en faisant N là, on a pas le mode sur cette partie. Comment on sait lequel on vend? Attendez. Bah sinon amène-le à la concession. Ah ouais mais pff, ouais. Ah non je sais ce que... Attends. On va aller dans le chargeur de balle. 20 000 euros 85. Il y en a un qui est abîmé à 1%. Donc je suppose que c'est celui que t'as, vu que c'est celui que t'as accroché. On tente. Ah bah bah il y a intérêt que ce soit lui hein. Il est vendu que... Ouais bah ouais. Je vais le chercher. Attends, je vais le chercher.
Remets-moi ça plus vite que ça là. C'est bon, ça fait stylé. Non, c'est stylé d'ailleurs, on a fait. Non, mais niveau déco, regardez-moi ça. En plus, c'est trop bien parce que du coup, sur cette map, les gars, ce qui est par rapport. Beaucoup mieux par rapport à l'ancienne map, c'est qu'en gros, dans l'outil paysagisme. Alors, la map est un peu modifiée parce qu'on a modifié juste la texture du sol. On a remercié en tout cas à Noah, je crois, de l'équipe d'Hugo, donc de LSE qui fait des mods, qui nous a modifié un peu la map pour avoir les textures beaucoup mieux. Mais en gros, dans plantes, on a tout ça. Donc, on a la plante, donc ça, c'est l'herbe qu'il y a sur la map Ellergrat, donc du DLC Alpine. Ça, c'est l'herbe qu'on a actuellement, qu'on met. Mais on peut avoir de l'herbe comme ça, de l'herbe comme ça, de l'herbe comme ça, de l'herbe comme ça. Je crois que c'est un peu la même. On a des buissons de base du jeu, donc ça, c'est les buissons que vous connaissez. Mais ensuite, on peut avoir de l'herbe coupée. Ah non, c'est ça l'herbe. Ouais, c'est l'herbe de l'herbe coupée. Et des buissons, encore, c'est des autres buissons, c'est des buissons modés qui sont carrément beaux. Et je trouve ça, bah voilà, juste beaucoup trop beau. Voilà, vraiment, franchement, j'adore. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, les gars. Du coup, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, on a changé de map et on est trop contents parce que c'est fou. Les trois femmes vont. Voilà, ça va être trop bien. Bon, reprenons. Du coup, je t'amène le plateau parce que, du coup, les serres sont pas en terre. Je pense qu'on va mettre le casasmé, Germain. Bah, vas-y. On va mettre le casasmé là-bas et on a un champ. D'ailleurs, je sais pas s'il faut qu'on refasse des stocks de chaux ou épandre de la chaux, mais à mon avis, il y aura besoin de faire ça. Je crois qu'on avait un épandeur à chaud complet. Hein. Ouais, on avait tout ce qu'il fallait. Hein, donc, attends, non, on avait lequel. Oh merde, attends, ça m'a récupéré. Ou à engrais, si c'était. Bah, soit c'était engrais ou. Ah ouais, attends, je vais juste reposer. Et Bastien, t'as repris les machines qu'on avait en copropriété, machines à pierre, mais etc. Mais je crois que Hugo, est-ce qu'il a acheté la machine à pierre? Tu l'as pas acheté, mais tu l'achètes. Je sais pas, mais déjà, on a 400 000 euros sur le compte, donc je sais pas pourquoi. Non, déjà, mais mettez-vous le vrai argent, ouais. Remets l'argent que t'avais dans. Ah. Bah, regarde le rush. Regarde le rush, tu sais, à la fin, quand on prend quand je mets ta cam, tu regardes. Mais bon, t'avais pas non plus. Je crois que t'avais genre 150, 110 000 euros peut-être. Oui, je crois. On avait 140 000, je crois. Ouais. Alors j'arrive. Mais du coup, les gars, déjà, j'aimerais quand même bien savoir aussi, les gars, si vous kiffez surtout. Parce que le changement, peut-être qu'il y en a qui aiment pas. Hein, peut-être qu'ils trouvent ça, vous trouvez ça moche ou quoi. Mais personnellement, enfin, moi, j'aime beaucoup. Tu vois, là, les vallonnés, c'est vraiment beau et tout. Donc je rappelle, je vous mets la map. Hein. Il y a le lien dans la description, les gars. Déjà, ah, et le Renault. Le chat. Le Renault qui est sorti. Chat, voilà. Mais en gros, vous marquez, vous allez sur mon profil, donc Starview, quoi. Et ici, vous avez la playlist de la série. Donc, vous cliquez, il y a 57 mods et il y a tous les mods qu'on utilise, dont la map qui est du coup. La map, elle est où? Celle-là, c'est la plaine française, elle est juste ici, pratiquement. Quoi 10 000 pratiquement vues déjà sur le. Ah ouais, d'accord. Et en gros, c'est celle-là. Voilà, donc voilà, s'il y en a qui veulent la map, c'est celle-là, c'est la plaine française. Mettez le lien ou mettez le truc si vous voulez la voir. Merci Rémi, il faudrait que tu achètes le champ 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le champ 7, c'est lequel? Parce que champ 7, je pense pas. Champ 7, tu parles? 1, 2, 3. J'avais 147 000, les gars, ok, bah c'est bon, nickel. Je pense, tu parles pas du champ 7, Nicolas. Parce que là, il y a actuellement plus de 220, 240 champs. Il y a plus de 241 champs, je crois, sur la partie. Donc, niveau champ, ça va quoi. Donc, pour l'instant, les gars, on va pas faire trop d'achats non plus. Hein. Merci beaucoup, Rémi, en tout cas, pour ton don. Vas-y, je vais t'aider à charger, Germain. Comme ça, au moins. Attends, par contre, le bois, la grande question, c'est on le vend où, par contre? Ah ouais, j'avoue. Attends, est-ce qu'il est autoload ce plateau? Oh non, Germain. Je l'ai enlevé. Mais non, je peux pas mettre. Ah non, oh là là, fais. Oh, ça y est, c'était dans l'autre que j'avais enlevé. Elle me baigne pas tout, hein. Mais je baigne pas, moi. Oh là là. Si je baigne, gros. Je te dois un McFlurry. Ah, moi, ouais, super. Attends. Non, les gars, hey, je vous ai pas dit, hein, mais rendez-vous tous le 26-27, c'est en agriculture. Hein. Toute la team y est, les gars. Oh ah, hop là, McFlurry, bon, c'est déjà ça. Hein. J'essaie de gagner. Attends. Hop là. Hop, ponge, réparer, configurer, autoload, non, oui. Et là, si je fais ça, que je fais A. L, voilà mon gars, là on est bon. Allez, mets donc une marche arrière. Là. Vas-y. Du coup les gars, vous kiffez ou pas sur dans le chat? Dites-moi oui ou non ou voilà. Bah, dites quelque chose quoi. Bonjour, salut. Le champ 70, n'a qui dit. Attends, on va regarder le champ 70. Ah bah c'est celui en face en fait. Attendez. Ouais bah ça c'est prévu les gars. Le champ 70, bah je pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs moi ce que j'ai envie de faire, 66, c'est faire un chemin, c'est... Germain. En gros tu vois, il y a la route principale là-haut. Et en gros, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on achète du coup. Donc ce champ qui doit être... Ouais, donc là, le champ 70, et faire un chemin qui descend là tout le long. Un joli chemin, un chemin fleuri. Oui, de toute beauté. Oui. Ah, nickel, les gars. Merci, Ameline, de mettre le lien. Et voilà. Voilà, en gros, tout ça. Je te laisse charger, Germain. Je vais aller mettre en route le smoir. Allô. Ouais, Nico. Vous voulez qu'on plante la ferme? Allez, on arrive. Attends, mais je viens en voiture. Comme ça, ça...
Ah si tu veux, parce que nous on est en voiture, on est garé juste avant la ferme. Ouais. Bah tiens, on est devant la ferme. Tu viens Germain, on a acheté la vase comme, ouais, comme vous. Ah ouais, nous on a acheté deux voitures vertes mais différentes, comme ça ça fait sympa, ouais, quoi, c'est pas les mêmes machines de base. Vas-y, elle attends. Est où l'autre, par contre, l'autre voiture. Ta voiture elle fait pas de bruit. Bah j'ai plus de bruit non plus. Ah, sur le son. Ah non, il a mangé le bruit, t'es bon. Vas-y, ah, j'arrive. C'est bon, non, c'est juste ta voiture qui a pas de bruit, Nico. J'arrive. Bah, elle avait du bruit tout à l'heure, non? Mais c'est pas. Ici en tout cas elle. Elle avait du bruit. Plus de bruit. Ici, en tout cas. Bah non, ma voiture elle fait plus de bruit. Zéro, tu viens ou pas ou tu moissonnes? On est en orange. Je finis, j'arrive. On est en orange Aster maintenant. Non, on est en bleu, mais on est en bleu ciel un peu sur la carte. Ok. Zéro. Vous êtes où alors? Moi j'arrive, je vais au concessionnaire. Vous êtes au concessionnaire ou pas? Non, on est devant notre ferme. Moi, non, nous on est à la ferme. Vas-y Germain, partout droit et tu me rejoins. Non, moi je me vois en bleu. T'es pas dans la bonne ferme alors. Parce que sinon. Ah ouais, c'est moi orange Germain. Bah on vous attend les gars. Là Germain, je suis là, j'arrive. Salut, c'est moi. Vas-y, tu me suis. Donc là les gars, on va dans la ferme de Nico. Donc regardez la route qu'il y a. Juste, j'ai mis 10 heures à refaire la ferme. Retenez bien cette information parce que. Parce qu'il y a un peu de trucs qui ont changé. Mais sinon c'est grosso modo la même base. Ok, on arrive. Regardez, mais tous les champs à droite, à gauche. 80 et ça va pas vite, on dirait. Ouah, la map elle est géante. Ah oui, t'es loin. Mais non, mais mec, c'est fou, la map elle est tellement grande. Ça va être tellement bien, mec, on pourra faire de ces trucs. Non, ok, on arrive. Ok, je la vois, je prends ta ferme. Ah non, c'est pas toi ça. Non. C'est la bonne route au moins que je prends? Oh, cool, hein. Ouais, attends. Ouais, c'est non, bon. On arrive. Nanana. Ah ouais, il y a une voiture rouge là. Ok. Nous on est garé, vous garez derrière nous. Elle est là. Attends, j'attends Germain. Ça va... Là, les gars, quoi. Mais moi aussi, c'est fou, je suis trop content. Par contre, la montée, gros, quand on va voir. Quand même, ça change. Hein. Wow. Quand on va devoir récupérer le rouleau cambride, je vais en mettre une heure à monter. Vas-y, la côte. Je bloque là. Tout le monde là. Demain, Dave Dix. Ouais, j'aime bien ce sorbonne. Ah. 10h. Merci, ouais. Les gars, vous êtes 5200. Merci beaucoup d'être là, ça fait grave plaisir. Oh, loot, il arrive à une vitesse dans la voiture blanche. Vas-y. Ok, bonjour. Elle s'est annoncée. C'est qui dans la voiture bleue? Ah non, mais c'est Nia, ok. Voilà. Alors, c'est top. Bonjour à tous, on vous laisse présenter. Bienvenue. Alors, bah, du coup, quand on arrive ici, vous souvenez du triangle à l'entrée de la ferme. Ça, c'est une chose donc, qui n'a pas changé. Ouais. Et la ferme est foutue pareil. Hein. Donc là, quand tu traverses, tu rentres. Juste pour info. T'as toujours les moutons à droite. Juste pour info, c'était un champ. Voilà, il n'y avait rien. Donc, ouais, il y avait un champ, voilà. C'est ça. Donc là à gauche toujours le même bâtiment qu'on a depuis le début. Alors je me suis juste permis de mettre des racks dessous avec des pneus là. Ça fait plus sympa, ça habille un peu plus. Ouais, c'est plus joli. Avec les mêmes véhicules, tout est pareil. Et là j'ai fait une butte au bout du hangar parce que bah ça fait une colline et ça fait plus sympa je trouve. Ouais, ça fait beau, ça fait joli. Ça fait vraiment joli. Ouais. Derrière ce hangar aussi j'ai fait un peu t'as bien raplati. Merci beaucoup bah ouais, c'est ça. La cochonne bah, puis super, là du coup beaucoup. Derrière on a un petit. Bah j'ai pensé à la vidéo de David qui est sortie il y a pas longtemps là où il montre un peu tu sais son matériel. Ouais, ouais, ouais. Le coin un peu ferraille. Et du coup oui, j'ai fait un petit coin un peu ferraille derrière. Un peu débris, quoi. Non mais vraiment niveau déco. Nous aussi on va faire de la déco, vous inquiétez pas. Mais en tout cas ta ferme a bien changé. Enfin en tout cas et là c'est que bah, le... Ouais après l'intérieur des maisons tout ça ça a pas trop changé. Il y a que le jardin que j'ai changé un petit peu. J'ai un peu rempli quoi. Il est plus joli. Il est plus joli. Il est mieux quand même. Et j'ai fait mon derrière de maison aussi également. J'ai fait avec, je sais pas si tu vois les haies, mais les haies sont plutôt bien, je trouve. Ah ouais, la déco. Et puis la petite roue là. La petite roue, c'est de la déco. Même ça, regarde, pas trop de déco, mais c'est con. Mais regarde, le sol pleureur, ça fait grave joli avec des petites fleurs. C'est de la déco. Tu vois, c'est trop beau, tu vois, les gars. Ouais, c'est sympa. L'élection de la plus belle ferme va être folle. Mais efficace. Après, là, il y a des voitures. C'est les voitures de nos petites femmes avec Brom. Une Dacia. Voilà. Non. Après du coup quand tu vas dans la ferme tu vas dans la ferme à droite. Bah là t'as toujours le même bâtiment du coup. Attends j'arrive. T'as zéro ta démarche comment tu cours. Ouais. Je montre en même temps aussi. On a toujours le même bâtiment. Et ouais, ensuite beau, derrière t'as les moutons. Alors juste il y a un enclos de moutons qui est un peu plus petit que les autres. Parce que bah il y a la route. La route est pas dans le même sens. Tu vois d'ailleurs sur la route j'ai mis des panneaux là pour faire attention au virage. Ouais ça c'est plaçable hein. Ces panneaux là les trois. Ah c'est plaçable ouais. Ça ouais carrément. Ouais c'est plaçable ouais. C'est moi qui ai placé ça. Et là tu vois j'ai mis un petit bâtiment avec une deux chevaux abandonnés dans le fond. Et puis bah histoire que ça fasse un peu plus d'habillage quoi. Mais c'est fou mec. Ah t'as mis les stocks dans l'enclos du coup. J'ai mis stock dans l'enclos. Du coup, bah quand c'est vide, après, bah je remplis. Du coup, quand tu rentres, t'écrases des moutons, quoi. Ouais, c'est la fête, quoi. Après, bon, t'as déjà le kebab de près, quoi. Après, derrière, du coup, t'as le champ d'herbe. Et puis, tu vois, j'ai fait un petit peu de déco. Genre, j'ai fait un îlot là avec un rocher et tout. J'ai fait un truc super sympa. Chauffé, hein. Non, mais vraiment. Ah ouais, non, vraiment. Et puis, bah après, bah en fait, vu que c'était une parcelle qui est, enfin, quatre parcelles alignées, bah j'ai été partagé. Donc là, j'ai labouré. Ah ouais, j'ai ajouté séparé. Une antenne en bas à gauche, comme j'avais ajouté dernier épisode d'accord, une antenne là, chez l'antenne. Mise, là. Ça coûte cher, ça. Ouais non c'est pas trop. Et puis comment. Puis après bah je me suis remboursé en achetant un autre champ dans le fond. Et normalement j'ai à 10 acres près. J'ai le même nombre d'hectares que j'avais sur Aubeil-le-Rond. Et voilà pour la présentation. À 10 acres près ouais.
Il y a 10 heures de taf là à peu près. Ouais, mais c'est fou. Ouais. Non, mais les gars, c'est incroyable. Vraiment, votre ferme a été insane. Mais là, en plus, elle est vraiment belle. Mais en vrai, je me. Bah, elle est beaucoup plus détaillée là. Ouais, c'est clair. Vraiment, ouais. Les gars, vous dans le chat, dites-nous. Hein, vous êtes pratiquement 5600. Bienvenue à tous en tout cas. En termes de déco en plus, rajouté, je pense très honnêtement que j'ai pas dû mettre trop cher. À part les arbres, franchement, j'ai pas dû mettre trop de choses en plus. Les arbres, ça habille bien. T'en as pas mis tellement plus. Non. À part dans l'enclos des moutons, où c'est un. Non, il y a le même nombre qu'il y avait. C'est trop beau, ouais, ok. Et du coup, les champs voilà. En face et tous les petits champs et tout, c'est trop bien parce que c'est des petits champs et c'est pas, tu vois, c'est pas comme les trois fermes où c'était un champ de 4 hectares ou rien, quoi. Là, tu peux vraiment avoir ce que tu veux. Ouais, et puis les prix sont abordables aussi sur la enfin, vous êtes clairement. Ah ouais? Ok. Bah, du coup, ouais, je suis bien content quand même. Et le champ 121, vous avez aussi, c'est où 121? Le 121, il est au bout du 116. Ouais, attends, mais. c'est lui, je crois. Je crois que c'est lui. Ouais. Non. Parce que t'as vu quand tu vois les champs, 121, il est à droite. Attends, ouais, du 116. Cool, hein. 116. Quand tu regardes. Ok, donc là déjà c'est à vous. Là où il y a de la chaux, il y a de la chaux dessus. Attends, ah mais c'est en face. Ok, c'est lui là-bas. Ok. Je l'ai élargi un peu pour récupérer les hectares qui manquaient. Par contre, bon, on est un peu loin de vous, mais après on a quand même pour projet, je pense, de refaire un deuxième corps de ferme plus tard du côté de chez vous. Comme ça, on aura super propre par chez vous. Ouais, ça mais... on l'avait déjà dit. Bah super propre, mec. C'est non vraiment. Mais je crois qu'on est plus proche de chez Zero que de chez toi. Ouais, en plus, c'est tout con, mais regardez, rien que les fils électriques avec les poteaux, ça fait vraiment français, tu vois ça. Là, qui passe au-dessus de vos maisons, là tu ouais, vois. Mais je trouve que ces poteaux-là, ça fait pas très français, quoi. Ça fait truc pas trop aux normes. Ça fait poteau pas trop aux normes des années 80, là. Vu qu'il y a plus ce Tchernobyl dans le coin que autre chose, quoi. Donc, ok, vas-y, impeccable. C'est top. Non, mais top, bah, ok, les gars, impeccable. Ok, voilà, bon, bah, nous, on va revenir voir nos fermes. Et puis, bah, Borum, t'es en live, donc Sina qui va aller voir le live de Borum sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas à liker. Voilà, ok, allez, chacun dans vos fermes, au travail. Et je pense qu'on va piquer un peu vos idées de déco parce que c'est grave beau. Et y'a pas de problème, on adore être inspirant. Allez. On aime bien inspirer les jeunes youtubeurs. Ah, t'as raison, c'est du partage. Je débute un peu. Ouais, c'est ça. Allez, à plus. A plus. Alors, ok, bon, bah, Germain, t'as vu comment c'est insane leur ferme? Ouais, mais après, l'avantage aussi, c'est qu'ils sont partis sur du plat. Ouais, je t'avoue que nous, là, le vallon c'est sympa, mais sauf que dans farming en fait c'est tellement problématique. Ouais, un petit peu. Ça en devient relou. Mais moi je pense que le fait des objets qui volent, t'as toujours une petite butte qui, quand tu passes en tracteur, ça te fait décoller. Enfin, en vrai, dans farming, on est quand même vachement bien placé. Moi je pense vraiment que là on est quand même bien placé. Enlève-toi l'argent du plateau. Ouais, il faut qu'on s'enlève l'argent du plateau. Ouais, il faut que je t'envoie des sous. Bon, vas-y, on revient à la ferme, on a un peu de travail nous. Ah oui. Il va falloir qu'on aille semer nos champs et je pense niveau déco, bah, parce que du coup l'élection de la plus belle ferme va quand même avoir lieu. Là on est à l'épisode numéro 8 il me semble, donc en gros ça veut dire que l'élection de la plus belle ferme devrait être, j'imagine, aux alentours de... C'est toi qui es devant, Germain? Oui. Ah ouais, tu m'as dépassé, quoi. Vas-y, j'arrive. Bah j'ai commencé avant toi, mais... Vas-y, ok. Et du coup, regarde tous ces champs, mais c'est fou, il me tarde trop de faire des gros trucs. Voilà, à droite là, Germain, c'est là où c'est que je veux acheter le champ, en gros. Ouais. Et en gros, faire une. Tu vas tellement vite, mec, regarde dans le fond. Je suis à 120 là. Moi aussi. Oh putain, j'espère qu'il n'y a pas les flics parce que piquez-vous. Regardez comme il roule vite, Java. Attends, fallait pas tourner là. Ah merde, je croyais qu'il y avait un chemin. Là, c'est à nous, je suis à gauche là. Ah merde, ah ouais, je suis. Vas-y, mais viens là. Regarde, mignon. Bon, du coup, nous voilà dans notre ferme, les amis. Alors, l'argent du plateau, on va se le rembourser. Donc, nous voilà dans la ferme. Bienvenue à tous en tout cas. Il va falloir qu'on aille semer. Le smart, tu l'avais pris en roue noire. Ouais, il faut qu'on le remodifie d'ailleurs. Merde, y'a un arbre là. Attendez. On les gare où les voitures? Bah en fait, on les gare là où? Bah ouais, là au parking. Au parking. Oh mec, j'ai envie de faire un truc. Est-ce que tu penses que c'est trop ou pas? Attends, regarde bien le parking. Oui. Tu vois? Ouais, il va nous faire une dinguerie là. Le panneau il est tombé. Oh vas-y, merde. Mais comment on le vire maintenant? Oh putain. Oh putain, il a pété la. Oh là, il a tout cassé. Merde, le panneau. Bah, gros, faut dire. On peut plus l'enlever là. Si, on peut l'enlever, je pense. Que là, on va avoir un vieux panneau. Et du coup, il va respawn à chaque fois, je crois. Il y aura un panneau. Merde. Oh, mais après, comment veux-tu avoir l'élection de la plus belle ferme avec un zozo pareil? Vas-y, vas-y, allez hop, on va mettre ça comme ça. Yo, ça va, impeccable, les gars. Bienvenue aux 6000 personnes. Non, 5600. Merci à tous. Bon. Germain, il coupe les arbres. Je vais aller mettre le cas à semer. Je vais le modifier aussi pour mettre comme il était prévu. On va faire ça. Ok. Alors, du coup, faut qu'on le mette en noir, ils disent les gens. Et les cerfs, faut qu'on les remette en route aussi. C'est où, du coup, qu'on vend le bois? Il y en a qui savent dans le chat. Ah, ouais, il faut qu'on compare aux deux autres fermes. Comment ça? Alors, du coup, dites-nous. Parce que celle de Zero, en vrai, elle est.
elle est propre. Enfin, elle est propre. En vrai, ta ferme, elle est... c'est Hugo qui l'a fait, Ziro, ta ferme. Ouais, c'est ça, mais on va s'améliorer, faut pas s'inquiéter. Je m'inquiète pas. On va bien gérer. Alors, la scierie, où est-ce qu'on vend le bois? Copeaux de bois. Alors, on le vend à Magasin Fermier ou à Pailloux de France? Marquez l'endroit, c'est où ça? Gros, c'est au bout de la map. Oh, c'est après chez Nico, sûr. Mec, c'est en bas. Ah, c'est sûr. Alors. Et c'est quoi le plus cher du coup? Bah, en fait, les prix, c'est un peu la cata là. Mais c'est normal que le prix est si nul. Ouais, ah ouais, bah... c'est quoi? C'est plus bas que. T'es remis en face, tu t'es remis en normal, etc. En difficulté? Bah, j'ai pas touché, donc je pense qu'on doit être en normal. Attends. Temps de échelle, difficulté économique, normal. Donc, non, c'est bon. Croissance saisonnière, ouais, c'est bon, ok. Non, on est good. Bah, sinon. Non mais au pire c'est pas grave, hein. Tu prends un traiteur qui va vite ou quoi et ça le fait. Hein. Du coup on a c'est mis la... Qui l'a, mais... Ah bah mais sinon, parce que j'ai peur qu'il va galérer à se mettre, je pense que le gilet ouais, va non, se... non mais c'est pas grave. Vas-y, ok. Alors configurer, on va le prendre du coup en rouge. Là on le prend en noir et les jantes pareil, noir. Là il y a... Attends, peut-être pas noir, on va prendre gris. Ouais comme ça, là les gars il a de la gueule là, regardez ça. Voilà notre petit semoir. Est-ce qu'il est vide? Non, il est pas vide, c'est parfait. Bon, ben je vais aller semer alors. Enfin, je vais mettre un ouvrier à semer. Il va falloir passer un coup de sous-soleuse. Attends, on a combien de tracteurs? On a le petit TM, ouais, on fera ça. Ok, bon, cette map est très belle. La map est vraiment trop belle. Allez, non, mais vraiment, c'est une map insane et j'adore parce que vraiment, ça va nous faire. Enfin, ça va nous permettre d'avancer beaucoup mieux et pas être bloqué. Parce que même niveau des textures au sol, même niveau déco, enfin, c'est. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec farming et le fait d'avoir commencé les trois fermes sur map de base. En fait, je voulais absolument commencer les trois fermes pas trop tard quoi, quand FS22 sortait. Et je me suis dit, bah, pas grave, on va faire sa map de. Waouh! Pourquoi ça existe comme ça là? Je voulais faire sa map de base et du coup, bah. Et ben, il n'y avait pas le choix. Pas le choix, il n'y avait pas encore de mode à l'époque, donc c'est pour ça. Va voir sur Instagram, les gars. J'irai checker tout ça, on fera des concours photos. On vous réserve des grosses mises à jour, les amis, pour le site. Là, ça va arriver, ça va être. Vous attendez même pas à ça parce que même moi, j'ai fait Mais vraiment trop hâte, les gars, trop hâte que ça sorte. Alors, du coup, on y met quoi comme culture, Germain? Je ne suis pas sûr de. Ok, Siri. Le plus cher, hein, soja. Sauf qu'on a. Attends, mais ta gueule. On a plus de stock, je crois. Alors, il y a un problème. Si, alors, on avait 6000 de stock de blé. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va s'acheter 6000 de paquets pour poules, tu sais, des sacs de poules, et on va se les rembourser. Comme ça, on aura nos 6000 stocks de poules et c'est du blé en tout cas. Donc vas-y, on fait ça. Donc c'est 1000, on va en acheter 6. Et la concession, elle est où par rapport? Elle est vraiment à côté. Ouais, ça. Donc là, est-ce que l'argent qu'on a, c'est bon ou il faut encore qu'on se rembourse un peu? On va voir sur Stamo tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est montrable en live? Attendez, regardez au cas où. Oh ouais, ah, d'accord, super, des gens qui veulent faire des dons. Super. Ouais, Waigo, ça va? Wesh, ça va bien et vous? Mec, ça va. Mec, c'est. Ah la vache, mec. 50 balles freeze. Hein? J'avais pas vu ça, moi. 50 balles de dons. J'avais pas vu ça, moi. Et oui, t'as vu ça? Bon, reprenons. bonjour, tout le monde. Du coup, on y met quoi? Bah, je pense qu'on va mettre du soja. Il faut de la paille ou pas? On a vu qu'elle est saine, nous. Ouais. Et on pense qu'on va live un jour dans la semaine. Au moins une fois par semaine. Ah, voilà, moi, de mon côté, ça m'a motivé pas mal. Donc. T'as envie de live? Bon, là, ça y est. Ouais. Mec, les fermes sont folles. Mais vraiment, toutes. Hein. Bon, celle de zéro. Voilà. Peu, mais ça, faut pas s'inquiéter. Je m'inquiète voilà. Pas. Non, je rigole bien. De quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a la nôtre? Ah, en vrai, la famille Nico et Bob, elle est bien. Celle de Bastien, ça va. Non, arrête, elle est stylée. Elle est bien, mais nous, on va s'améliorer. Et les 7, faut qu'on mette voilà. Pas mal de déco, vraiment. Ouais. Vas-y. Et regardez salut là. Salut tout le monde. Ouais. Attends, est-ce que là, si je fais H, ça marche ou ça il va se mettre dans le mauvais truc? Ah, synchro. Ah, c'est bon, reprenons. C'est facile de faire un screen et de le pas faire. Hein? Non, le temps que ça dure vous prendre incroyable, c'est beaucoup mieux. Vous trouvez... ah ouais, ça a dû prendre. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps. Bah Nico, ça lui a mis à peu près 10 heures de jeu. On va dire d'un côté, il était content parce qu'il est d'une raison l'ouvrier qu'est-ce qu'il nous fait là? Attends, ouvrier. Oula. Ah non, l'ouvrier il s'est pas semé. Alors les ouvriers dans cette map, je suis pas sûr qu'ils savent bien travailler. Donc à mon avis, si moi j'en ai mis un, ça va. Ah ouais. Ah mais si en fait moi j'en ai mis un, ça va faire du boulot. Ok, merci beaucoup Noah pour tes 2€. Attends, on va remettre les trucs en route. Bah en tout cas, hâte. Voilà, je suis content. Bon, ça va être compliqué de semer les travers là. Alors, tu vas aller vendre. Vas-y. C'est bien qu'est-ce que je me disais. Tu vends le bois, Germain là? Ouais. Non mais attends, mais là il y a un problème de montée là. Comment on va semer là comme ça? Ah, tu montes largement toi, le tracteur. Bah non gros. C'est toi là, il veut tout le temps aller dans les plaines, dans les machins, alors que c'est chiant. Ah, tu montes pas là?
Bah. Mais est-ce que ton tracteur ou semeur est bien réparé à fond? Parce qu'il manque bah, un oui, petit un peu de réparation, c'est mort. Non, non, mais en fait, c'est surtout qu'on a un 185. On n'a pas le 200 comme vous. Non, mais en tout cas, faut que je le fasse en long. Je vais le faire en long, ce sera peut-être mieux. C'est où qu'on voit pour vendre le bois? Attendez, hop. Bah, le alors, bois, c'est la série quoi. T'y es ou pas là? C'est au champ 203, à côté. Ah, ok. Attends, t'as déjà fait une trémie dans le petit champ là? Ah ouais. Ouais, là, je suis mais à la c'est joli et tout. Oh la vache, mon gars, ça crache. Vas-y, 203, t'en as pour 6 heures de route. T'es où là? Bah, attends, je regarde. Ah, c'est là-haut, ok. Attends, ouais, c'est bon, plus que ça. Marquer l'endroit, hop, c'est vas-y, bon. Vas-y. Bon, je reprends, je alors. Prends le petit. Ah, bon, attends, il a pas réussi à semer. Je vais mettre à semer, mais en long. En tout cas, merci les gars, vous êtes très nombreux ce soir et vous êtes plus de 3000 likes en tout cas, ça fait grave plaisir. Donc, merci beaucoup. Ah la vache, on est 5000. Oh, j'avais pas vu ça, moi. Oh la vache. Ah, on est pas sur la carte. La vache. Hein. Et il paraît, mais vraiment, mec, que t'avais 100 000 euros de prêt. C'est bizarre, hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Alors, mais peut-être, mais il faut vraiment qu'on sache, par contre. Hein. Parce que là, moi, j'avais vu 30 000. Enfin, il me semblait que j'avais fait 30 000, mais peut-être pas. Bon, moi, j'ai pas perd, dans le chat depuis tout à l'heure, ça spam ça, mais je sais vraiment pas. Faut nous, les gars, dans les commentaires, bah, dites-le vraiment, Bastien, s'il avait 100 000 ou 50 000 euros de prêt ce matin en vidéo. Ouais, on va juste mettre là. Non, là. Voilà, comme ça, ok. Par contre, zéro. Ouais. Il faut qu'on aille chercher du blé pour les poules, nous. Alors, est-ce comment que. On peut pas faire du sorgho. Je sais pas s'il y a besoin de chou dans vos champs, rentre. Eh ben attends, mais du coup, là, tout le blé, tout le sorgho qu'on avait par terre, on fait comment? Bah, on s'achète des palettes de blé, 67. On se rembourse. Oh yes, c'est pas besoin. Oula. Et tu t'en avais combien, moi? Ah, mais c'est toi, Germain, là-bas, j'ai eu peur. J'avais une belle mopée entière. T'es au courant que c'est en bas, Germain, qu'il faut que t'ailles? Là, je pars en Tarek, là. En bas, là. En Touareg. En bas, là. Il fallait que t'ailles en bas. En bas, là. Ouais, ouais, mais c'est le chemin. Sinon, je suis obligé de couper à travers champ. Donc il y en a beaucoup, 100 000 euros. 100 000. Il a oublié les abonnés, mais il s'est fait couiller. Merde. Bon, bah, écoute. 100 000 euros de prêt, on avait. Merde. Ah, calme ça. Bah, donc. Gros, t'avais eu 100 000 euros de prêt déjà. Mais je sais plus. Bon, par contre, est-ce que la machine à pierre, vous l'avez ou pas là? Ah, bah non. Bah, il faut que vous l'achetez alors. Bah, achète-la, monsieur. Bah, non, c'était vous qui l'avez acheté de base. Donc. Non, c'était vous. La machine à pierre, non, je te jure, c'était vous. Ah non, mais tu promets que c'était toi. Attends, on a acheté quoi avec Nico et c'est nous. Les pendants en grès, c'est nous qui l'avons acheté, les pendants en grès. Ah, oui, et la machine à pierre, c'était Esther. Bah, okay. Raison. Bah, du coup, vous nous envoyez l'argent? Bah, non. Tu fais. Bah, bah non. Mais non, bah, non, mais il a fallu faire avoir, mais putain, mais. On voit pas l'argent, c'est. Tu l'achètes et tu te rembourses complètement la machine, quoi. Ouais. Même pas joueur a créé sa femme sur l'île de la zone 1. Non mais les gars, on vous jure, hein, on est à côté de la zone 1, à côté de l'île. On va se la faire, hein. On va se l'acheter la zone, je pense, et on va se faire un petit chien à l'intérieur. Moi je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Ça peut être drôle de faire ça. Bon, Zero, je mets par table ce genre. On va aller chercher du blé. Ouais, on va chercher les palettes là. Par contre, comment on va dans notre champ? Parce que là, mec, les routes. Pareil, au niveau des routes, on connaît même plus où c'est qu'il faut passer et tout. Ouais, merci Noah pour tes 2 euros. C'est en combien de chevaux ta voiture? Attends, mais y'a pas une scierie là en fait? Attends, mais y'a du bois là. Normalement une série à côté de Chinico, je crois. Hein, ouais, mais il y a du bois là, c'est pour ça. Alors on va le. Ah, il faudrait mettre de la chaux en fait à l'intérieur. Attends, est-ce qu'il faut le labourer? Enfin, le plomber. Ah, on peut pas acheter la forêt qui est derrière nous. Ah, c'est bizarre, c'est dommage. D'accord, on a un semi direct, autant qu'on mette de la chaux dans celui-là. On entend pas trop sur le live, il paraît. On entend pas qui? Moi. Ouais. Il paraît. Zéro. Non, t'entends, je te jure. M'entends bien? Ok, attendez, je vais mettre de la chaux peut-être, comme ça lui on va le semer. Allez, allez, c'est parti. Mimi, je reviens en fait, les gars, on met un petit peu de chaux. Mets une haie pour séparer les champs. Ah. Ouais, mais si un jour on fait plus de. Ouais, j'avoue. Ouais, pourquoi pas, on va essayer de faire ça. Il faut renouer nos animaux par contre, Germain. Ouais, bah attends, je suis en expédition. J'avoue. Ah, attends, parce que là, les gars, faut qu'on se ressaisisse. Alors. On est plus, on sait plus où est-ce qu'on est. What? Du coup, les tu fais quoi là? Le plateau, chercher renversé, de blé. Non. C'est loin, quoi? Sérieux? Pourquoi on s'est suivi? Je sais pas pourquoi. T'es où là? Il est loin, prisonnière ou pas? Je suis dans une ville. Non, c'est pas très loin. Mais c'est toi là? Nico et Borom. Ah non. Oh, ils ont acheté le Renault. Oh, ah ouais? Ils ont acheté le petit Renault. Bah, quoi, on achètera celui-là? Ils étaient pléthés en occasion. Ah, mais ils ont vraiment du matériel quand même. Bah, ouais, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est beau. Ouais. Bon, du coup, ok. Alors, je vous le dis, j'ai mis le mode pour avoir les haies et buissons gratuites normalement. Donc, normalement, si on veut faire de la déco, ça doit être gratuit, il me semble. C'est gratuit maintenant la décoration? Mais je crois. Attends. Ouais, c'est gratuit, ouais. C'est gratuit. Tout est gratuit? Ouais. Vas-y, laissez, je mets des haies. Le mec, il va mettre des haies partout. Mec, il aura plus de haies que de champs là-dedans. Et les barrières, c'est gratuit, non? Les barrières.
Non, si, si. Mais comment tu. Les barrières, c'est gratuit. Même si c'est marqué 1000 euros, c'est gratuit. Oui, pas oui mais quand tu cliques et que tu déplaces ta souris, ça met 0 au bout. Ah, peut-être. Ah, bah si, c'est pas peut-être. Bah attends, je viens. Allo, Germain. Putain, il est en chill, le tracteur. Ah, ouais, t'as raison, là, c'est vrai. Là, c'est bon si on met ça. Les gars, j'ai des petites décorations. C'est ça. Vas-y, vas-y, hein, tu te plaises. Hein. Attends, mais en fait, on en a la haie dans le sol, je crois. Attendez. C'est qui a du matos là, ah, la ferme oui. là. Attends, tac. Bah pourquoi il y a une benne du chêne? C'est qui a acheté une benne du chêne? C'est pas nous en tout cas. Oh ah, mais là, là, alors non, là, pas... là, Germain, ce que je vais faire, c'est certain que ça bug quand on redémarre le jeu. Tu vois le live ou pas, Germain? Je t'ai dit, là, tes âneries là. C'est toi qui a acheté les palettes de blé? Oui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, c'est vous? Ouais, ouais, d'accord. C'est nous, c'est nous. Bah, moi, il faut que j'achète les miennes. Bah vas-y, sinon on va juste mettre un petit buisson. Là je suis comme je suis comme Christophe là qui est qui ah mais c'est payant les buissons. Merde. C'est vrai Christophe en Alaska. On voit 10 500 euros zéro. Allez je reprends, c'est parti. 12 000. Ouais, bah fais je te Vous avez vendu le NH pour le CAS. Non on a vendu le Ford. C'était le Ford qu'on a vendu. Était bugué entre guillemets. Ouais. Et ce petit chemin je l'aime bien ouais. Ce petit joli petit chemin. Alors, je reprends, je vais aller voir un petit peu de chaud. Et laissez par contre on a pas de poule, c'est normal ça? Ah non il faut les racheter aussi. Ouais racheter les. Nous on les a rachetés normalement donc c'est good. Donc ça, on va le laisser là, ça sert à rien. Il faut donner de l'eau au cerf aussi. Mais au pire, quand tu reviens, on le fera. Faut donner de l'eau au cerf, mettre un petit peu ouais, de chaud. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on a l'eau gratos déjà, ça c'est bien. Ah bon? Ah, au lac? Oui. Ouais, mais en vrai, ouais, c'est vrai. Bah. Par contre, je crois qu'il y en a, tu sais, les silos que sur cette arme. Ah voilà, c'est ça. Oh non, 5000 euros! Mince, parce qu'en gros, il y a des trucs qui sont sortis pour mettre des. Pour récupérer les. En gros, c'est en sac. Du coup, les sièges, tu dois combien laisser là? Ça, c'est quoi ça? Attends. C'est bon, c'est bon. Fertiliseur station. Au pire, on va enlever ça. Est-ce que ça marche si on enlève ça? Je crois qu'on peut même plus la vendre. Attends, on va tester. D'ailleurs, les serres, je sais même pas si on les garde. Hein. J'avoue que je n'ai aucune idée si les serres, on les garde. Bah, on peut, ouais. Je sais pas. Je suis pas en train de piquer les palettes des voisins là. Non, 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 pique pas les palettes. Alors, ramène-moi si tu veux. Par contre, on peut pas le vendre le liquide non, fertiliseur là. Attends mais mec je peux pas vendre le liquide fertiliseur. Oh non. Ah bon? Bah je peux vendre le truc là. Mais tu peux pas faire démolir? Non. Non. Pas de petit ticket de démolir c'est pour ça. Ouais le fertiliseur je voulais le replacer aussi parce non, que... Non parce que va dans la même catégorie je pense. Mais non. Vite. Bah non mais des fois c'est des bugs. Bah ah ouais mais dommage là. Parce que sinon on aurait pu le remettre mieux quoi. Oh non. Il marche plus. Et on peut pas le sélectionner? Bah si non on peut cliquer. Parce que là si on clique sur. Si on va sur lui ça marche. Ouais bah vas-y le fertiliseur et on peut pas l'enlever. C'est pas grave. C'est dommage. Alors, tu peux nous montrer ta ferme? Bah en vrai les gars vous l'avez vu hein. Je pense que là les gars la ferme vous l'avez pas mal vue. Vous risquez de l'avoir encore pendant longtemps. Et ça, c'est pas mal. Alors la chou normalement. Alors du coup à toutes les palettes de chou par contre normalement on les a plus hein. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Alors comment on fait pour remplir par contre? Il faut aller acheter des sacs ou si tu fais R on peut remplir de la chaux. Ah voilà chaud, impeccable. On va en prendre que 3002, ça suffira je pense. Comme ça je vais mettre de la chaux dans le champ 67. La grandeur de la map là. Salut Pomos, comment poules. Ça va? Non tu peux acheter des poules, faut que j'achète. Vas-y. Par contre faut vraiment qu'on fasse un chemin là parce que en fait là c'est pas encore à nous le champ mais il faut vraiment qu'on se l'achète plus tard là pour avoir qu'on fasse un petit chemin et qu'on aille dans le champ là-bas. Ouais, faudra qu'on passe comme ça. Voilà, j'arrive enfin bientôt à la Syrie là. Mais ceux qui disent l'argent, on se le refera hors vidéo parce que là en live c'est pas hyper. Faut qu'on compte correctement nos sous et qu'on fasse n'importe quoi. Ça va ouais, mieux. Tout ce qu'on sait c'est que là on a le bon argent. Va. Après c'est l'emprunt. Ouais. J'ai les poules. Je l'achète. Alors ça fonctionne nickel. Bon je vais prendre la chaude du coup dans le champ là-haut et après on ira semer. Au max c'est laissé, j'achète au max. Bon, je crois que le smore il s'arrête. On avait, je crois qu'on avait 5 coques par contre. Ou 3 coques. Je vends. Vas-y, moi, rembourse la mission. Dans l'émission, station de lavage. Ouais, faut qu'on passe tout ça, les gars. On a une poule, nous. Bon, on avait l'enclos plein. Ok, bah attends, je vais acheter. Vas-y. D'ailleurs, les gars, au niveau des missions, j'ai pas regardé, mais proposez-en. Vraiment, même là, en live. En des défis. Ouais, des défis, ouais, proposez. On avait combien de thunes à laisser? Faut vraiment qu'on en ait. Tu avais des palettes de laine. 47 000. Ah ouais. Mais après, ce qu'on fera, c'est que l'ancienne partie, on l'a pas supprimée. Donc, au pire, s'il faut qu'on aille dessus pour voir comment on a d'argent. Parce qu'en plus. Il y a un trigger là. Je sais pas. Donc, j'espère que tu t'es pas trompé. Ah bah non, c'est impossible. Attends, attends, j'arrive au pire. On a combien d'argent laissé là? 137 000 36 000. Ouais, 36 000. Alors, le Germain qui a fait 12 heures de route en tracteur. Mais c'est là, mais quand je. Oh, c'est bon. Ouais, ça moi, c'est bon, t'inquiète. Bah, si tu vas là-dessus. Quoi? Non, il faut que t'ailles.
Tu dois avoir un point, tu sais le point E où c'est que tu fais R. Ah ok. Donc ouais. Je vais bientôt remplir une benne. Enfin je crois, attends. Attends les gars, le chat vous savez ou pas si vous connaissez cette map? On va y 12 000 euros. Ouais, je suis en train d'acheter là. Parce que non, là, mais attends, j'ai racheté des palettes, ça t'es prêt à renvoyer 12 000. Ah, attends. Copeaux de bois. Paillus de France. Attends, j'ai une petite connerie là. Le chat, vous savez ou pas? Parce que nous, on connaît pas. Le quoi, tu veux quoi? Mais pour vendre le bois, comment on fait? Bah, t'as non. Pas une série? Rembourse-toi bah, les. Ah, moi, il y a. Attends, je parlais avec le créateur de la carte en même temps là. Bah, peut-être qu'il va pouvoir me dire. Il est sur le pont. On... Hein. Parce que là. Il va sur un. Ah, c'est pour la bascule. Et là, si tu vas dessus, tu fais. Est-ce que Rust, il est là? Est-ce que Rust il est pas sur le chat par hasard? Est-ce que Rust est présent? Attendez. Le chat, il est sur la remorque. Non mais ça c'est pas ça. C'est pas les sangles, mais les sangles. Ah oui. 12 000. Okay. Vas-y, va sur la remorque et fais R. Attends, s'en fout comme ça, vas-y. Attends, parce que t'as roulé sur moi là. Attends, je suis bloqué. Ouais. Ah bon? Bah oui, tu m'as roulé dessus. Attends. En fait, mais je sais même pas où qu'il faut le mettre. Vas-y, avance. Magasin fermier, mais non. Là, la zone où t'es là, si tu fais R dessus, quand je suis dessus. Bah non, y'a pas. C'est que les copeaux. Ouais, mais il disait que c'était. Mais alors le bois, c'est où? Oh, ça veut dire que je vais me retaper une map. Enlève les sangles vite fait. Elle. Vas-y, ah, mais... remets-les. Ah. Et renlève. Vas-y, bien vu. Ok. Bon, c'est parti, je vais à l'autre bout de la attends, map. Attends, attends, hein, je regarde. Il y a une scierie dans la map. Ah ouais, attends, je regarde. Ok. Ah! Non. Elle me dit pas qu'elle est à l'opposé, hein, par contre. Attends. Non. Charma, c'est ça la vie. Hein. Pas comme ça que j'imagine la vie. Je crois savoir où elle est, gros. Je crois savoir où elle est. Ok, gros, il vient de me répondre sur Discord. Elle est là. C'est à Forestier le Loup. Ouais, ouais, c'est à. C'est à... Il y a le 5 là. C'est pas plutôt au 5, ouais. Forestier le Loup. C'est pas à Sigma ouais. Bois. Non, Forestier le Loup. Bah, c'est... Ah, ouais, si ça va. Ah, c'est juste au-dessus de chez Nico. Bon, ça va déjà. C'est où Forestier le Loup? Ah c'est ça? C'est juste au-dessus de chez Nico. Ah ouais, Forestier le Loup. Ah ouais, c'est à Forestier le Loup. Ok, merci le boss du créateur. Enfin, le créateur de map. Ok, bah vas-y, tu viens. T'as qu'à venir vendre. Bah oui, Jaka dit, hein, ouais. Ok, d'accord, j'ai un main. Allez, go, allez, c'est parti, on a mis caméras. Allez, hop, on est top. Allez. T'es pas bon endroit. Non, c'était jamais que t'es pas bon endroit. Moi, j'y étais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toi, il m'a dit, va là. Ça, alors, elle fait toute la map, lui. Bah ouais, c'est possible, ouais. Alors attends, oh, parce que là le petit champ là. Oh, c'est qui ça? Ah attendez, je reviens. Accélère ouais. Avant. On pourrait avancer le temps je pense dans le live parce qu'à mon avis il va falloir qu'on... Non, je pense pas non. Bah qu'on se. Bon oui. Ah ouais. Non, je rigole. Allez. Rembourse-toi les paillettes de poule, c'était 9000 euros. Mais non, mais en fait on avait trop d'argent, c'est pour ça. Il faut qu'on refasse le calcul total et j'enlèverai tout ce qu'on a acheté en ce live. On fera tout hors vidéo correctement. Faut pas qu'il y ait de trucs mal faits ou quoi parce que je crois qu'on avait environ... 50 000 euros, mais du coup, si vous avez 5 000 euros de prêt, bah, faut se rembourser ça aussi. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Faire 40 bots dans Rubané. Bah, même ceux qui mettent des commentaires, les gars, en commentaire de ce live, n'hésitez pas. Par contre, je pense que Germain, on va l'augmenter le tracteur, ouais. Hein, le casin. Bah, ouais, vu que là, on est dans des vallonnages là. Je pense qu'on va l'augmenter un petit peu, mais pareil, il faut qu'on compte le prix et tout, faut tout noter. Mais une station de lavage. Alors, pour l'instant, faut qu'on ressème nos champs, faut qu'on mette de la chaux. Il faut qu'on s'occupe de nos poules, mettre un petit peu d'eau au cerf aussi. Et après, on devrait être pas mal. Mais il y a quand même full travail à faire encore. Mais en vrai, j'adore. Allez, cette map, elle est trop bien. Allez, je suis trop content. Hein. Franchement, les gars. Les décorations sont incroyables. Je m'amuse là. Et du coup, là, je vends le bois. Enfin, du coup, ouais, je le vends. Ouais, va. Parce que... Vends et après, on rajoutera le prix. T'inquiète, on fera ça bien. Tu as commencé une mission. Oui, la mission, j'ai compté le prix. On avait gagné 22 000 euros normalement. Donc, ouais. Normalement, c'est bon. Bon courage, Germain, pour retraverser toute la map. Bon, t'inquiète pas, il a un bon facteur. Bah, ça va, c'est pas toute la map là, mais. Oh, y a tu vois un case avec une Mopu au fond là. Ouais, là, c'est chez Nico, il est avec le Renault. Par contre, faut que j'aille à droite, j'imagine. Mmh. Fais des patates, ah, pourquoi pas. 20 tonnes de blé. Bah là, nous, on sème du soja pour l'instant, donc voilà. On est plutôt pas mal. Soja. Va falloir qu'on refâche un petit peu, faut que j'aille chercher mes palettes. Qu'est-ce qui se passe? Il a dû se tirer. J'ai klaxonné sans faire exprès, j'ai décroché le plateau. Ah, avec le bois dessus. Pile devant Borom, je sais pas si sur son live. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, il nous fait. Ah, attends, je vais récupérer. Là, faudrait peut-être mettre des arbres longs là, ça ferait joli. L'ouvrier est bloqué, je sais pas ce que t'as ah, fait. Mais... C'est moi, mais j'étais devant, t'inquiète. Alors, mon tracteur, il est où? Il est là, mon tracteur. Bon, on a un champ un peu petit. La carte
pas mal. Par contre, le champ de bois, il est à nous. Oh, on peut pas l'acheter, la parcelle de bois, dommage. Dommage, sinon on aurait acheté la forêt. Dommage. Fais des missions. Ouais, 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 on va peut-être mettre des missions en route. Mais je suis... normalement, ouais, cette map contre, est... les missions là, avec les ouvriers, ça va être chaud. Ouais. Ah, ah, tu mets pas trop d'égouts au milieu de la route, toi. Oh merde, ça a bugué. Oh, Zabi, je me suis renversé. Attends, excuse-moi. Encore, j'ai rien. Ça a bugué, je l'ai pas vu. Ah, fait quoi, t'as mis une mouche, une bouche d'égout en plein milieu. Une bouche d'égout en plein milieu de la route. Attends. T'as mis une mouche d'égout. Une mouche d'égout. T'as vu cette décoration un peu là? Attends, j'arrive, gros. Bastien, viens voir. Là, quand je sais qu'on va. C'est payant les mouches d'égout, par contre. On est pas là pour blaguer. T'as un mec, on dirait qu'on est dans un village là. Mais qu'est-ce que t'as fait là? J'ai des espadons là. Non, les amis, parce que là, c'est une route pour aller là. Du coup, c'est payant du coup, Zéro. Qu'est-ce qu'il y a laissé? Bah, déco, ouais, c'est. J'ai un main maintenant. C'est payant la déco. Bah, non. Bah, c'est gratuit? Certains trucs. Bah, certains ouais, trucs, je l'ai pas. Attends, j'en passe. C'est payant la déco. Quand tu passes la déco, c'est payant. T'as fait que ça? Et oui. Eh oui, c'est bah, payant. Ouais. Tu perds des sous. Hein. C'est que les barrières et bah, les buissons sont 0€ le tout. Les barrières sont 0€, c'est marqué. Vas-y, on a perdu un tout petit peu, mais. Oui, mais que les barrières. Mais les panneaux, je crois que sont payants. Non, les panneaux, c'est marqué 0€, pardon. Le mec, il y avait un panneau stop dans sa ferme. Non, c'est un peu un danger public, du coup, je me suis dit, on en met un. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est 0€ par contre, faut en rigoler. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Bon, en tout cas, n'hésite pas à mettre des mouches d'égout plus. Des mouches d'égout. Du coup, j'ai un peu plus de qualité de la mouche d'égout. Mais ben non, mais on l'a enlevé. La mouche d'égout. C'est vrai, je sais pas. On l'a ôté. On l'a enlevé, bug. On l'a ôté, il a dit. C'est bon. En fait, t'as vu un petit peu la 0. La 0, t'as vu la déco que j'ai faite derrière toi? Non. Mec. Ouais, j'ai vu ça, c'est bien. Ça a passé ou j'ai pu en avoir assez de chaud? C'était laid, hein. Oh non, de la chaud. Ah, t'as rajouté tout ça tout seul? Ah ouais. Faut que j'ai assez de chaud pour terminer le champ. Oui, ça va le faire, ça va le faire. On revient, les gars. Vas-y. Lève, termine quand? On termine là. Ouah, la montée pour aller à la Syrie. Waouh. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, le tracteur. Ah bah, mec, vraiment, les gars, j'espère que vous aussi vous kiffez autant que nous. Parce que. À l'heure, là. Parce que la map, je la trouve. Je trouve pas la play des trois fermes sur ton site. Comment peux-je faire? Il faut que tu ailles sur mon profil. Donc, tu vas dans la barre de recherche du site. Et de Star Mode, donc voilà, c'est .com, et tu mets Starview. Et tu vas sur mon profil, et tu verras, il y a la playlist, et il y a tous les modes de la playlist. Mais sinon, si tu vois la map, c'est. Mais il y a le lien d'inscription, je crois que je l'ai mis en plus. C'est The French Field, je crois. Non, c'est les plaines, la plaine française, ça s'appelle. Oui, mais le nom. Enfin, sur notre site, oui, mais je veux dire, le nom du mode, c'est. Ah ouais, peut-être, ouais. La map est incroyable. Ok, nice. Bon, j'ai fini. Attends, j'ai Allez, je suis là, c'est parti. On va voir combien je vends. On espère que ça va le faire. Mais en plus, ce qui va être bien, c'est que quand on va jouer à multicam, ça va être hyper intéressant. Parce qu'en plus, Germain, s'il va vendre. Enfin, c'est des paysages qu'on va faire que découvrir. Genre, ça vraiment. Moi, j'adore. Vraiment, je vous le jure, ça va être trop bien. Ça va être bien. Acheter le point de production, hein, monter, changer, attacher les sangles. Vendre le bois. 12 000 de bois, impeccable. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Il en reste. Mais ça va être trop bien. Non, vraiment trop bien. Petit trou. Alors, reprenons. Par contre, on va peut-être faire un truc joli comme a fait Nico là, de mettre des petits panneaux sur le côté pour. Allez, 1500 en plus. Agencer. Regardez ce qu'on peut faire en déco là. Parce que là, à mon avis, les ouvriers sur la route, ils doivent pas marcher, j'imagine. Les ouvriers sur la route, je. Alors là, je t'avoue, mec, je sais pas du tout. Hein. Je pense pas, c'est trop gay. Surtout bah, sur une map comme ça. Normalement, le modeur avait bien fait. Hein. Le modeur, nous, je sais que pour les champs, par exemple, il a vraiment bien fait. Il a fait les choses bien. Donc, je crois que franchement, il y a moyen que ça fonctionne. On va faire comme ça. Gros, en fait, on est mappeur. On est plus. Tac. Croyable. Bah ouais. Hein. On devient mappeur en fait. Bug, écran blanc. Non, il n'y a pas d'écran blanc. Ne vous inquiétez pas. Et là, l'entrée de la ferme, en fait, il y a deux entrées. Mais en fait, je vous expliquais, Nico, il a fait des jolis panneaux. Il a fait des panneaux avec le nom de notre team. Donc en fait, c'est grave bien, il faudra qu'on les mette. Parce que je pense que ça peut rendre vraiment quelque chose de beau, quoi. Donc, ah putain, si l'ouvrier y arrive, ok. Ah, l'ouvrier y arrive, mais il me nique là. Oh, il me nique mon herbe. Il me nique mon herbe, mon ouvrier. Oh là là. Non, l'ouvrier débile. Bon, on aura un peu moins d'herbe à faucher. Oh, super. En plus, il sème comment là? Comment il m'a fait ça l'ouvrier? Oh la cata. La catastrophe d'ouvrier. Bon, je pense qu'on va se mal à main les gars. J'adore ce que tu fais, merci. Normal, j'ai que 3 FPS sur le live. Alors, bah non, du coup. Défi 20 palettes d'œufs. On va essayer de voir. Les gars, bon, Germain, l'ouvrier, là, il a niqué le champ. Bah, au pire, rattrape. Hein. Ouais, bah, semble c'était semé de l'herbe, c'est pour ça.
Salut Francis, comment ça va? Mais à mon avis, il faut qu'on se prenne quelques champs carrés, histoire qu'on puisse mettre des ouvriers et déléguer un peu, parce qu'il y a certains champs où ça va être mort, à mon avis, sur cette map. Oui, c'est clair. Bah, des champs carrés, en vrai, il y en a quand même pas mal, hein, mine de rien. Ouais. Je sais pas, hein. Bah là, moi déjà, les champs qu'on va s'acheter plus tard, ça sera les champs devant la maison, tu sais, genre 68, 70, 71, 72, 73, même 74, je pense que c'est des qu'il faut s'acheter plus tard. Mais là, après, je t'avoue qu'en champ pas cher, parce qu'il faut quand même trouver des champs pas chers. Bah, il y a le 58 qui est un champ, ou est-ce que c'est à côté chez Zero? Mais en vrai, ils sont plats, ils sont bien. Enfin, plats, je sais même pas s'ils sont plats en vrai. Après, il y a eux, mais ils sont vraiment balèzes des autres. Elle est géniale cette map. Bah oui, faire 20 tonnes de maïs grain récompensé premier 60 000 euros. Ouais, maïs grain, on a déjà fait, mais on va pouvoir refaire des beaux défis, je pense. Des défis de bois aussi, des défis de pommes de terre, de tout. Des palettes de miel, c'est vrai que c'est pas bête ça. Attends, parce qu'à chaque fois je loupe notre entrée là. Attends, alors nous c'est où? Ah ouais, y a pas de chemin en haut, ouais, faudra qu'on en crée un. Bah en fait ouais, faudra qu'on en crée un. Là faudrait qu'on en mette un là où je passe, là, pile où c'est. Tac là, entre les deux champs. Et ben je crois que c'était... Non, c'est au 70 que je voulais créer. Mais oui, faudra qu'on réponde, ça glisse. Défi de copeaux de bois, ouais. T'as eu mon commentaire sous ta vidéo. J'ai regardé quelques commentaires, les gars, mais pas tous. Mais il faudra que j'aille checker. Allez, sème-moi ça. Ok, propre. Du coup, là, on aura quand même full soja à l'intérieur de ce champ. On aura pas mal de soja, pas mal d'herbe aussi. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que partie pentue, on la laisse en herbe. Et partie plate, on la met en culture. Comme ça, l'herbe, on n'a jamais à passer avec le smore, quoi. Si jamais on passe, c'est avec la faucheuse ou la presse, mais c'est pas gênant, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, genre là où je suis, tu vois. Merde. Là où je suis, en gros, c'est la limite pour aller. Scott, merci énormément pour tes 50 francs suisses. Merci beaucoup, Scott, vraiment. Salut, Ster, comment vous allez, les kings? Merci beaucoup pour ton don. Ouais, vraiment, t'es un malade. Salut. Et bah écoute, ça va super bien. On est trop content de vous présenter la map parce que j'avoue qu'on a pas mal bossé pour. Refaire tout à l'identique. Même pour. Enfin voilà. Et en plus, la map, elle est quand même vachement belle. Et j'avoue qu'on s'est posé la question beaucoup de fois, hein, en mode est-ce que c'est bien de le faire, ça se trouve si on le fait ça va être nul. Et au final, bah les gars, enfin je pense que c'est quand même une bonne idée d'avoir fait ça. Ah, c'est Hugo qui passe en face, je crois, il me semble que c'est Hugo. Hop là. Et là, parfait. Du coup, si Zero il live la semaine, ça peut être bien aussi, vous verrez Zero qui live, il va avancer. Puis je pense que le fait d'être en live, c'est bien pour décorer. Là, nous, en live, c'est, il faut qu'on privilégie la déco, plus que jouer. Défi de pommes de terre. Yo le Stair, salut Ninja. Femme de Nico. La déco, ouais, mais c'est chaud, quoi, mais ouais. Bah, faut juste prendre la, se dire qu'est-ce qu'on veut et puis hop. Alors, du coup, lui, bah, du coup, j'ai fini de semer. Hein. Mais c'est classe, si on place un bâtiment, ça va tout décaler la pente, c'est ça aussi le truc. Bah, non, mais quand je dis déco, c'est pas bâtiment, c'est genre de la déco. Ah, bah, attends, je vais aller semer là-bas. Là, regarde, là, t'as eu? Là, le truc, il est tout cassé, là, il est tout pentu. Ouais, bon, après, une ferme, c'est pas forcément plat. Tu vas aller semer le petit champ là-haut, 67, vas-y. Qui fait 0,0 hectare. Vas-y, je te laisse faire ça. Parce que, bah ouais, en mode, on a mis quelques bâtiments, mais... Il y en a un qui était joli, c'est celui que Nico a acheté dans sa... Qui fait atelier, là, qui lui, il a l'air vraiment pas mal. Je sais pas dans quoi il est, dans outil, ouais, c'est celui-là. C'est vrai qu'il est balèze. Hein. Merci beaucoup, transporteur, pour tes 2€, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi le don, il est pas passé, l'autre don, là, de l'autre personne... De Scott. Alors, plantes, déco, arbre. Bah, arbre, on est pas mal. Peindre, sculpter. Qui c'est qui klaxonne? Bah, ah, ça doit être, il y a une Nico, voiture là. C'est Nico? Ah, c'est Nico, ouais. C'est Nico. Ah, il y a Borom aussi. Ah, mais fin, si il vient de faire un petit tour, non? Non, je sais pas. Il y a Borom, il doit présenter sûrement la ferme. Il doit dire, oh, la ferme, elle est comme ça. Ah, si, il faut récupérer les palettes. Sinon, les animaux, ils vont rien bouffer. Allez, j'arrive. Le plateau à bois, tu l'as mis où? Là, aux animaux? Sous le hangar, ouais. Vas-y, carré, j'arrive. Je dirais que l'eau, du coup, on passera beaucoup plus souvent derrière la ferme maintenant, vu qu'il y a le bâtiment est derrière maintenant. Hop. Ouais. Après, tu l'as vraiment décroché en schlag. Parce que faut passer. Lit, c'est chaud. Faut passer devant, ouais. Hop. On va au concessio. Bah, pourquoi je peux pas l'accrocher? Ah, parce que je suis pas mis. Mon fond d'écran, c'est ton logo. Ah ouais, carrément. Carrément, les gars. Alors attendez, accroche-moi ça. Et c'est parti. Là, merci beaucoup pour les 3700 pouces bleus, les gars. Merci énormément, les gars. Ça fait grave plaisir. On est parti. Je vais chercher mes palettes. Comme ça, les poules vont bouffer. Et je pense que là, l'entrée, le début là, de la ferme, va falloir qu'on l'agence un peu différemment. Et là, je pense qu'il faut faire un chemin qui descend là où je suis là.
pile en face la boîte aux lettres, Germain. Faudra qu'on fasse un petit chemin, je pense. Oui. Hop. Alors là, du coup, on passe par là. Même les champs à gauche, tout ça, c'est des champs qui sont à peu près. Ouais, pas trop plat, c'est vrai. C'est pas forcément très plat. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. Hein. Justement, j'aime bien quand c'est pas plat. Parce que par chez moi, y'a rien qui est plat, donc c'est pour ça qu'aussi. Je me vois là-dedans. Donc là, du coup, direction de Concessio. Et est-ce qu'on met une mission, Germain? Ouais. Bah, ouais, mais faut que ce soit un champ carré. Hein. Ouais. Oh, c'est joli ici. Faut que ce soit un champ carré. Ouais, bah ouais, c'est faut qu'on fasse ça. C'est quand que tu as. Bah, les gars, y'a le temps, attendez. Oh, attendez, c'est pas les vacances pour certaines personnes d'ailleurs? Si, si. Je crois qu'il y a des vacances pour certaines personnes, il me semble. Bonsoir ouais. La team, salut Florent. Peint une délimitation entre le champ et la prairie. Ah, carrément peindre. Alors, je crois que c'est par là pour aller direction le concessionnaire, si je me trompe pas. Parce que je connais pas encore par cœur la map, hein, c'est pour ça. Mais il me semble que c'est par là. Comme ceci. Là, comme ceci. Et normalement, là, si tu vas à gauche, j'arrive au concessionnaire. Merci beaucoup, le transporteur 21. Tu as pas lu mon message du long d'avant. Merde. Salut, voudrais-tu faire une vidéo de plus par semaine? Oula, non, compliqué. Hein. C'est très compliqué de faire ça. Ah, si, le concessionnaire, il est là. Attendez. Je suis en vacances. Ah, bah, ok, il y en a pas mal qui sont en vacances. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes 2 euros. C'est joli, même le village. Ouais. Allô, tu peux pulvériser ou semer? Mais what? Où je vais là? Ouais. Attends. Vas-y, va pulvériser, je reviens. Ok. Pas de soucis. Ah, attendez, mais. Hein? Comment je vais au concessio, moi? Attends, mais y'a un problème. Bah ouais, attends, je suis arrivé par derrière, en fait. Ah, il faut récupérer le semoir aussi, à maïs, qu'on n'a pas récupéré. Attends, mais là, y'a un souci, ouais, bah... là. Ah, mais c'est une coopérative, ici, en plus. Attends, mais non, mais y'a un problème. Attends, dis-moi qu'il n'y a pas de collision. Oh, y'a une collision, donc c'est mort, faut que je fasse le tour. Défi pomme de terre ou de betterave? Moi, je suis en vacances. Ok, y'a beaucoup de gens qui sont en vacances, ouais. Oh, ouais. Bah, deux zones, déjà. Ah ouais? Bah oui, deux zones. Ah ok. Attends, bah du coup je repars par là. Du coup Zero, tu vas live cette semaine? Mardi je pense, avant le tournage, vers 19h30. Comme on avance bien. On tourne mercredi hein. Ah, on tourne mercredi? Bah oui, c'est mercredi maintenant. Ah bon? Bah oui. Bon bah mercredi alors. Ah bah non, bah je liverai Hop là, bah, ok. Mardi 20h30 alors. Mardi 20h30, ok. Ton Giro est éteint quand il clignote. Ouais, je sais pas pourquoi il. Enfin, en fait, il tourne, mais il y a pas de reflet fort. Je sais pas pourquoi ça fait sur ça. Le JD. Sur le JD, le reflet il est cassé. Sur le plateau, il marche, je crois. Ouais, il marche. C'est un Giro à l'aide en plus. Aïe! T'es là, Hugo? Il est pas là, Hugo. Non, Hugo, il est parti. Ah non. Mort. Il y a que la zone B en vacances. Ah, peut-être. Ah ouais? Non. Mais il y a deux zones, les gars, en vacances, maintenant. Bah, ah ouais? Ok, bon. Ouais, ouais. Alors, mes palettes. Ok, elles sont là. Je vais récupérer le semoir à maïs, en fait. Oh, tant qu'à faire. Ah bah, ils ont changé de batteuse. Ah bah ils ont changé de batteuse, Nico et... Ils rachètent tout là, mais... pourtant ils avaient plus de sous à la dernière vidéo. Bah en même temps, je sais pas, ils avaient tout dépensé en déco dans la dernière vidéo, mais je sais pas pourquoi. Bon, tu pourrais dégager, j'ai rien chargé mon plateau là. J'ai pas avancé, Borom. Après c'est peut-être les occasions aussi. Hein. Un occasion, bah non on a pas avancé le temps. Après un occasion, nous on a pas grand chose. Hein. Ah bah ils ont vendu leur benne à mon avis. Oh, ils vont racheter une benne. Ah ils ont vendu leur batteuse, ils ont vendu leur benne je pense, parce qu'elle a un occasion. Et il y a un petit feint à 142 000 euros, mais un peu cher quand même. Bah non, mais en vrai. Par contre, ils ont placé une antenne qui leur apporte des sous. Hein. Et après, ils ont tous les paumés qui leur apportent aussi des sous, faut se dire. Donc, ils sont bien. Ouais. Financièrement, ils sont pas mal. Alors, attends. Salut, Ster. Est-ce que c'est intéressant de faire un vlog sur Apicole? Vlog Apicole? Ah, pourquoi pas. Apiculture, c'est bien les abeilles. Oui. Ah, le Ster, il est pas bête. Hein. C'est bon, c'est semé. Ok. Hop. Ah ouais, mais leur barre de coupe, elle est quand même balèze. Bah ouais, je sais pas, ils ont gagné au loto ou quoi là entre temps, ils sont allés à la FDJ ou quoi? Bah non, bah après ils travaillent hein. Eux ils ont des champs, ils ont des gros champs donc ça va vite. Par contre là, pour changer le plateau, j'ai rien posé le truc à mode schlag dessus là, ça aurait été. Bon, ça lag hein. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont branlé là, mais ça lag. Putain, j'ai rien posé en mode schlag le plateau, le smoir là, juste pour pouvoir l'amener à la ferme. Oh bah c'est bon. Bon, je suis pas sûr qu'il va pas tenir. Si je fais L, il tient. Bon. Ah ouais, non, en fait, y'a qu'une zone en vacances, excusez-moi. Ouais. Je me suis raté, les gars, dans le chat, désolé, les gars. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a jamais deux zones en même temps, c'est une. Si, mais c'est qu'en fait, elle vient de commencer cette semaine-là. Là, depuis le week-end, depuis vendredi. Et je crois que ça avait déjà commencé depuis une semaine, pas du tout. Okay. Ouais, excusez-moi, les gars, dans le chat, je m'excuse. Bon, généralement, je ramène le semoir, mais je sais pas si tu vois le live. Tu fais que le semoir, mec. Bah, je le ramène parce que je l'avais pas. Un outil.
Mais fais gaffe mec, je crois qu'on va se croiser, ah, donc fais gaffe. Moi j'ai un smoir, moi je l'ai le smoir. Non mais le smoir à maïs qu'on avait, je l'avais pas ramené encore. Et t'as ressemé de l'herbe ou pas là où il a déconné l'ouvrier? J'ai semé de l'herbe. Non mais il faut que... Bah je vais le refaire alors. Je sais pas si tu peux. Ouais, bah, ça y... je pense. Sorgo, bah, herbe, okay. C'est bon, je vais le faire. Bon, bah, on met de l'herbe alors. Salut, c'est un défi de faire du vin. Mais il faut qu'on fasse des défis avec les usines. Mais bon, pour l'instant, calmos quoi. Pour l'instant, pas trop le time. Alors attendez, non, c'est par là qu'on peut descendre. Non, c'est pas par là. Parce que la ferme. Ok, c'est le champ à gauche là. Ah ouais, c'est qui là? C'est moi. Mais c'est quoi ce tracteur là? Bah, c'est un John Deere en fait. Wow! Mais qui s'est fait lui? Mais what? What the fuck? Comment t'as été propulsé, mec? What? Oh, ça a abusé, mec. Et quand je t'ai vu, ouh, à balle. Putain. On accepte. Aïe. On accepte les excuses, Yoro. Bon, ça va. Ah, merci, les gars. De plaisir. Ah, ouais, mais ce champ, faut qu'on le prenne. Hein. Germain, le champ 68, ça te dit pas de l'acheter? Bah, ouais. Hein. Bah, mais peut-être faut... le faire plus en vidéo, mais en tout cas, si t'es chaud, on faudra qu'on se le prenne. Il est en face la ferme, on peut faire un petit chemin en plus, il fait un hectare. Ouais, il faut le chemin, ouais, il faut. Comme ça, on rejoint la grande route, quoi. Hop, c'est bon, j'ai ressemé. Bon, là, les gars, il n'y avait pas le choix de l'amener comme ça. Hop là, on va le poser. Où est-ce qu'il y a de la place là? Pas là, parce que j'avais envie de mettre de la déco là. Donc, les poules, elles vont graille. Je leur ai amené à manger. Et du coup, ça, faut qu'on se les rembourse parce qu'on a, là, j'ai acheté 6 sacs. On avait 6500 de blé et là, on a 6000 avec les sacs. Donc comme ça on est bon. Hop, on va les poser, je sais pas si on peut les poser devant là. Comme ceci. Allez à table. Bah ouais, pourquoi elle mange pas? Ouais, allez, c'est heureux. Descends les palettes. Bah pourquoi elle mange pas les poules là? Non, j'ai dit Aster, descends les palettes. Ah mais nous mec, j'ai acheté des palettes pour nous laisser. Mais attends, mais les poules elles mangent pas? C'est bon. Il y en a pour... Ah bon? Bah non, elles mangent pas les poules. Et t'essaies de les mettre dans du riz ou pas? Non mais attends, vraiment? Bah oui. Ça veut pas remplir. Bah pourtant c'est le même donc. Et si je mets dans le godet et qu'après avec le godet je vide? Parce que là dans le godet ça remplit. Bah nous avec la benne ça a marché. Ah bah non attends, ça remplit les poules là. Mais non, ça remplit le godet. Mais au pire, mais ça donne une benne ou un godet, ouais. Ah ouais. Bah ouais je crois, ouais. Bah go le mettre dans le godet. Attends. Faut remplir le godet, l'accrocher au TM. Bah c'est bizarre. Bah Germain, il faut récupérer le rouleau Cambridge pour aller plomber. Il est où? Alors je crois que il est loin. Il y a une question, c'est quand qu'on a eu le temps? Bah en fait faut qu'on finisse de plomber. C'est pour ça. Faut allez, qu'on finisse de semer, laissez. Mais qu'on finisse ça, ça marche là. Bah faut semer là. Il est chiant. Ah on sème le champ. Ah c'est bon, oh, ça marche là. Vas-y bah go. Hein. Bah ça marche là. Bizarre. Il est chez Nico le rouleau? Ouais, bah attends, bien je vais y aller comme ça me fait une balade. Ah ouais, je vais ramener chez Nico. Ah mais il est à 3 le Nico. Mais non mais. Le mais non, est... c'est parce qu'en fait, chez Nico, en fait, Nico, je lui ai ramené son matos ouais. Pour l'aider. En fait, c'est moi qui ai tout ramené et le rouleau, je lui ai dit, attends, je vais. Pour préparer la partie. D'accord. Ouais, avant pour. Et je lui ai dit, bah, je le ramène chez toi. Ok. Parce que votre ferme, vous avez un bâtiment et une maison. Ouais. Bah, nous, c'est pas mieux. Non, mais je veux dire, quand ils l'ont préparé. Bah, okay, nous, on a un bâtiment, des arbres, poulailler. Mais je pense que vraiment, mec, je te le dis. Ah, Germain, faut mettre de l'eau au cerf en fait, tu peux le faire comme ça, tant que j'aille chercher ouais, ces trucs chez Nico. De l'eau au cerf et. Mais t'es parti où, toi, Zéro? Ça, c'est du l'engrais liquide. Tu savais que l'engrais, il avait du l'engrais. Ah, bah, mais attends, mais tracteur, Germain. Ouais. Faut le tracteur pour aller chez Nico. Ok. Et tu veux mettre quoi là? De l'eau avec le avec le casque. Tu pèses trop. Vas-y. Vas-y, je vais chez Nico. Allez, non, je demandais à Star si j'avais pas le mode tu pèses trop, mais non. Non. Mais si, le chou-pèse trop, il est déjà sur le serveur, non? Ah bah non, il marche pas comme on a mentionné du sage, normalement ça met pas bon. Bah ok. Mais il faudrait le mettre. Ouais. Non, mais faut vraiment qu'on achète ce champ parce que là, la route là. Il vient plus le valider ici, s'il te plaît, Zion, dans mon champ. Vas-y. Bah attends, je vais demander à Nico si je peux prendre son semoir. Maison. Allô. Ok. Oui. Est-ce ça que... va. Oui, bon, ça va. Est-ce que je peux venir récupérer votre rouleau? Enfin, tu peux. Notre tu rouleau. Peux, oui. Tu peux, bien tu sûr. Peux. Nous, okay. Là, on a investi tranquillement. On a un petit peu investi. J'ai vu la batteuse. J'ai vu la batteuse. Vous avez vendu votre benne aussi, la benne Reich. On a vendu la. On a vendu la benne Reich, ouais. Mais c'est, mais c'est pas ça. Ouais. C'est bien une benne. Je sais. C'est pas on va atteler sur le troisième point.
Mais c'est bien ça, c'est Ben Meyerheim. Oui, non, mais je sais, mais ça me fait penser à un vieux délire. Je sais quel délire tu penses. Un vieux truc. T'as vu, on a changé la batteuse. Ouais, bah disons, j'arrive. On a changé les bennes aussi, tu verras. Ouais, ah ouais, t'as acheté, t'as pris une benne. Une benne Laden, quoi. Oh non, non. Vite. Non, bah écoute, j'arrive, attends, je vais voir la benne, ça je la verrai. Ok. Attends, la coupe d'étel là, je vais la ranger. J'arrive. Bon, okay. J'arrive dans 6h30 parce que j'habitais au bout de la map là. Ça allez, marche, y'a pas de problème. Vas-y, à tout à l'heure, j'arrive. C'est cool. Ouvre la porte. C'est déjà, on est dimanche quoi. Ouais. Ouais. Allô. Ouais, mec. Ouais. Bon, bah j'arrive. Ils ont acheté une benne à ce qui paraît aussi. Ouais. Bah tiens, petite question, tu lèves quand ton côté maintenant? Cette semaine? Mardi? Je live mardi. Ah oui, je live mardi soir du coup. Ouais, mais du coup c'est mort. Parce que je me suis dit, on l'avait laissé mardi soir, mais laissé chez toi mardi soir. Mais tu peux laver lundi soir? Bah non, je fais une vidéo demain. Bah tu décales. Ouais, mais je peux pas décaler là, c'est sur le stream. Mais je pense que je vais décaler. Je pense que maintenant je réveillerai tous les dimanches. Ah. Après-midi ou début de soirée, ou je vais voir. Ok, ouais, ok. Le chat il s'en mord, vous êtes débaisé. Mais non, mais c'est Nico. En plein live, Nico il me fait t'acheter une Ben Laden, il est con lui. Il est con. Bah, laissez, je sais pas. Aïe. Vas-y, vas-y. Il était en live chez Borom aussi. Oui. Vas-y. Bon, vas-y, je vais récupérer leur truc, comme ça ils montent leur Ben et j'arrive. Vas-y. Alors, j'arrive, bonjour. Oui. Ça marche. Alors, vous avez où allez votre Ben là? Alors, attends. Elle est dans le fond. On a acheté deux. On en avait une, on a acheté deux. Ah ouais. Oh là là. Et la Ben Rage, ouais. Elle est où? Bah, elle est vendue. Ah, vous avez acheté la petite corne en carton là? Ouais. En carton, elle est incroyable notre corne avec notre vue. On dirait celle de mon père, c'est pour ça. Eh, on a acheté un tracteur, monsieur. Hein? Oh, regarde là-bas, au pré là. Dans le pré, regarde. Ah oui, je l'ai vu. Il est beau celui-là. Il est carrément. C'est combien il coûte? 4 500 €. Bah, je crois qu'on va. Bah, en même temps, il est vieux, hein. C'est un vieux ouais, machin. Ouais, mais il sert, tu vois. Bah, ouais. Il fait combien de chevaux? Pochelle ensemble, il est stylé. 80 chevaux, je pense, un truc ouais. Comme ça, non? Ah, ouais. Mais c'est un machin qui doit avoir 11 000 heures, hein, franchement, vu la gueule qu'il a. Ouais. Il était d'occasion ou l'avait acheté neuf dans le fin? Non, neuf. Ok. Neuf. Mais l'ensemble avec la benne en carton, comme tu dis, et le tracteur là, ça va très bien. Ouais, ça fait un joli truc, ouais. Ok. Voilà. Ok, et du coup votre batteuse... 25 000 € quand même, hein. Ouais, parce qu'en fait on a revendu la Deutz et ouais. On a gagné 10 000 € quoi sur l'achat avec la nouvelle. Ok, ouais. Mais ça change un peu parce que la Deutz je pense qu'on l'a assez saigné sur Non, la voiture elle est bien là, c'est bien, ok. Ah oui, elle est plus que bien même. Alors vous avez un peu La prochaine fois on achète un pulvé je pense et on change le semoir, on sera pas trop mal. Bah nous il va falloir qu'on investisse aussi dans bien. Ok. Bah ça marche. Et votre vieux smoir en. Le smoir John Deere, là, Nico. Ouais, mais bon. On va changer aussi un jour, je pense, parce qu'il me pète les dents un peu. Ça marche. Allez, nickel. À plus tard. À plus. Allez, plus. À plus tard. Ouais. Alors. Ouais. Ils ont acheté une Ben Corne aussi. Ils ont acheté deux Ben. Et ils ont eu comment? Ils ont acheté un tracteur. Bah, le tracteur, il coûte 4 000 €, donc je pense qu'on va pas te le prendre nous aussi. Et la Ben Corne, je pense, va coûter genre 5 000 €. Et la Ben Gilibert, c'est la seule truc qui coûte cher avec la batteuse. Et en vendant la batteuse, ils ont gagné 10 000 €. Ils ont racheté une nouvelle batteuse. Parce qu'ils ont dû acheter. Tu l'as vu la nouvelle batteuse? Ils ont acheté. Quoi? Tu l'as vu la nouvelle batteuse? La tienne? Non, la sienne. Oui, je suis allé la voir, ouais, c'est une case. Ouais, comme je l'ai mâché la même pendant un moment. Ouais, bah elle est bien, en vrai, c'est une petite case sympa. Ah ouais, j'étais plus gros, nous laisser, nous. Ah bah vous allez voir encore, américain. Par contre, si vous voulez acheter un champ à plusieurs, n'hésitez pas. Par contre, j'ai rien regardé le. On peut l'acheter à nous tout seul. À nous seul, ouais. Nous seul. Oh, Germain. Ouais. On prend pas un petit 10354? Bah, vas-y, hein. Il coûte 4 000 €. Il coûte 4 000 €, tu sais, pour faire de la merde, pour foucher en déné. On est pas comme ça, nous. On est des gars réglo, nous. Vous copiez pas les gens, vous? Non. Non. Non, surtout, t'as copié le même tracteur et même semoir. Mec, il était d'occasion. Alors, le tracteur était d'occasion et le semoir, c'était le plus rentable. Ce qui était le mieux. Ah bah alors t'as quand même copié? Bah non. Ah non. Si. Bah... c'est une coïncidence mon cher Hugo. Une coïncidence, ouais, oui. D'accord. C'est quoi le nom de la nouvelle map? C'est la plaine française. Mais tu sais ma combien là? Non. Tu sais ma combien gros zozo? 21. Fais gaffe, la base de Nico ne marche pas sur la map. Bah je pense que si, c'est une map normale, enfin si. Stream map sort peut-être cette semaine, ouais. Peut-être, ouais. Pourquoi elle marcherait pas sur cette map et pas sur d'autres? Je sais pas, parce qu'elle est peut-être pas plate, mais bon, je sais pas.
Enlève ta cam, s'il te plaît. Ah ouais, donc on enlève ma tête. Ah, c'est incroyable. Allez, comme des frères, arrête de parler. Bah ouais, bah, donc j'lâche plus quoi. Ouais, des fois en vidéo, c'est mec, par contre, arrête de parler, enlève ta cam, mais juste le jeu. Des fois, je prends ça comme commentaire, c'est toujours plaisir. Bah ouais, tu te dis, bah, ça sert à rien quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as semé du coup là-haut, Nico? Nico, Germain? Oui. Vas-y, je vais aller. Je vais aller le plomber. Bah, j'ai toujours un problème. Ouais. Toujours un petit souci. Bah, je crois que le changement de map il allait survenir du prénom de Germain, mais non. Bah, non, mais je viens d'aller voir Nico, ouais, donc. Ah, bah, on va taper. Au pire, Germain, tu vas taper Nico maintenant. Oh! Pas de soucis, Noah. Noah? Map disponible sur Star Mode, les gars. Bah, oui, Noah, il m'a dit merci, Zero, pour le lien. Je mets le lien de la carte. Ah, ouais. Il s'appelle Noah? Ouais, merci en tout cas, Starbucks, d'avoir mis les modes de Starbucks que j'avais envoyé, hein. C'est trop plaisir. Et tu crois que ça, j'ai le droit de prendre un jour de congé dans la semaine? Oh bah. On prend 10. T'as quand même pas mal de jours de congé. Je prends 10 jours de congé dans une semaine, moi. Il y avait pas 10 jours, le mec prend 10 jours. Le gars, il crée des jours, tu sais, genre. Je fais après 10 jours de congé. Et bon. Le 3 sur 7. Le sterdi, c'est entre le dimanche et le lundi. Prends le Renault. C'est bon, mec. J'ai fini. Vas-y, en vrai. Je pense qu'il faut passer un coup de traitement, par contre. Ah, un coup d'herbicide là? Ouais. Germain, je suis d'herbicide. T'es parti faire quoi là? On va passer le rouleau en attendant. Mettez 2-3 trucs à jour là en termes dans le champ. Bah, je pense qu'il faut qu'on traite dans les champs plutôt là. Parce que là on est en retard. Merci monsieur Venom pour ton sub. Oui. Merci beaucoup mec. Bienvenue. Oh, vas-y, faut qu'on fasse quoi là? Bah, là il faut qu'on aille pulver nos champs. Merci grand sec. En herbicide merci, normalement. Petit sec. Ouais, faut qu'on herbicide de fou là. Hein? Bah, ouais, mais herbicide on a qu'un pulvé. Ouais, bah c'est bon. Bah, tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y, mais moi je veux plomber là les champs. Je ok, plombe. Vas-y, bah je vais passer de l'herbicide. Ouais, on avait plein, Renault, ouais. On avait plein de palettes d'herbicides aussi. Bah ouais, donc il faudrait que ça. Et laissez, il faut passer un silo là, vieux zozo. Bah il faut qu'on sorte l'argent en plus là, mais là faut qu'on calcule bien. Ah vraiment, placer un silo. Hein. Bah ouais. Ok, du coup. Bah, tu sors la calculette et que tu fasses le comptable, hein, parce que là. Bon, j'ai l'habitude. Oh bah ouais, moi toi, ça. Toi, t'as l'habitude de compter jusqu'à 10, mais. Ouais, essaye de pas faire 4x2 et c'est bon. Bah si. Achète le Renault. On le prend le Renault, on le prend les gars, vous inquiétez pas. Ah vas-y, bah ouais. On va prendre le Renault. Mais c'est que 4000, ça va, on est, il nous reste des sous. Ouais, bah oui. On prend ça, quoi, semaine prochaine. Il nous reste combien d'argent? Non, il nous reste 80 000, mais le. Enfin, en vrai, non, on sait même pas combien il nous reste logiquement. 80 000 avec un emprunt de 100 000 euros. Ah ouais. Non, mais ouais. Et au pire, sinon, on vend le petit New Holland et on prend le Renault. Ouais, j'avoue, hey, intelligent le Ster. Sauf que le New Holland, je crois qu'il est. Fais quoi une chevaux, le New Holland? Une trentaine de chevaux. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il raconte? Elle, c'est des poneys, les bordels. Mais par contre, oui, changement de truc là. Sur l'agriculture, le 26-27. Voilà, Fabien. Donc ouais. Venez tous, les abonnés, le 26-27 à Paris, ceux qui peuvent. Et ben voilà, on va se voir, quoi, ça va être drôle. Et si vous nous croisez, dites tout de suite. Oh là. Vous mettez. Oula. Baisse. Ah, voilà. Alors, il fait 125 chevaux. Ah ouais, mais je crois que le regarde comment il fait les 103. Ah ouais, moi je suis l'assistant. Vas-y. Ah bah, t'as un secrétaire, Germain. Oula. Bah oui, t'es là pour ça. Je suis dans petit tracteur. Oui, c'est à côté le Celtis. Ouh, il fait 103. Hein? 2. Bah attends, Nico. Quoi? Rien. Nico m'a dit qu'il faisait 80 à peine, donc s'il fait 100 chevaux. Et le Renault fait combien? Mais on vient de le dire en fait. Il fait 103. Ah, merde. Et le TM? New Holland. Mais quoi le TM quoi? Le New Holland. New Holland. Bah il fait 125. 103, ah ouais. 125 divisé par 12, on prend pas. Mais mec, au pire mec, t'es acheté. Ouais bon. Au pire, tu sais que ton New Holland il fait juste au chargeur, alors d'avoir un tracteur de 100 chevaux ou 110 chevaux. Mais au pire mec, tu prends le New Holland et le Renault, c'est bon. Bah ouais. Eh, comment je remplis la cuve? T'es dans le lac là? Bah non, la cuve à herbicide, pas à eau. Mais du coup, t'as réussi à remplir les serres? Oui. Et t'as récupéré le où? Bah dans le lac. Ah ouais, ok. Allez, bah du coup... Comment je fais là? Parce que le tanker vert là, il marche pas. La voisine est laissée. Mais il marche vraiment pas. Bah je sais pas, j'arrive pas à remplir. Quoi? Non, rien. Merde. D'accord, mec. Soit on va au concessionnaire chercher des palettes, soit il faut le désactiver du serveur, on en mettra un nouveau la prochaine fois. Vous devez d'abord remplir l'équipement. Bah, et là, si tu fais R, ça marche pas là. Bah, je sais pas, non, ça. Bon, on va faire une technique de manouche. Attends, merde. On va mettre la palette pour le toit du JD. Parce que j'ai fait un arrière-toi. T'as pas beaucoup de les manouches. Après, je me souviens que c'était galère, je crois. Ouais, faut trouver le trigger, mais c'est chiant, ouais. Bah, pourtant. C'est parti. Ouais. Et Laetitia, t'as vu qui dit oui, mais le Renault avec fourche.
Renault R-E-U-N-O. Le Renault. Vas-y, attends, fais voir, mais je pense que je rêverai pas. Hein. Si t'arrives oh là pas. Là là là. Attends, on va tester. Je pense que si j'y arrive. T'as combien FPS toi là? Et si on va plus loin derrière Moi aussi, gros. Je suis en train de caler là. Vous avez plus d'FPS? Bah, moi je suis à 50, ou à 50 quoi. Ah ouais, non, mais y'a un souci là. Bah. Mec, on a toujours. Après, on est sur Obélo avec 80 FPS, c'est sûr. C'est normal, c'est pas une map de base. Bon bah. Shit. Merde, et on peut pas le vendre là, ce truc de merde. Bah, ouais, bah sinon faut placer l'autre objet, mais. Le problème, c'est que si on le place, il y en aura deux quoi. Ah, sinon, faudra que tu le supprimes du serveur. Bah, Germain, t'es où là? Je sais pas, il est parti à la cave, je crois. Attendez. Il est parti chez le gars. Attendez, quoi. C'est dans quoi en plus? Ah, bah, ça doit être dans le conteneur. C'est ça qui sont carrément bien. Mais 5000 balles! Bah, sinon, on va le mettre là. Ou alors, on fait un endroit phyto. Ça te dit pas, un tu endroit phyto? Vas-y. Et bon, du coup, l'autre, comment on fait pour le supprimer? Bah, on le dégagera. Hein. Vas-y, on lui mettra un coup de pied au slip. Vas-y, on va mettre un endroit phyto. Bah, est-ce qu'on fait un endroit phyto dehors? Non, mais c'est... Oui, endroit phyto dehors, oui. Attends. On va tenter une technique. Eh ben, c'est pas dans sa vie, lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et vous me saillez. Un truc phyto dehors. Mais dehors. Allez, vas-y. Non, mais entre toi et bah moi. Attends là, je suis en train de il va exposer les herbicides tout ça dehors, hop, tranquille. Et allez, faut que ça prenne l'air. Attends, mais en plus il a vraiment fait. Non mais non, mais non, je vais mettre un. Non. T'inquiète, je vais mettre quelque chose. Mais t'es où là? Là je suis chez Nico. Ah. Hein? Non. Mais non, mais j'arrête de faire un truc propre. T'es teuté ou quoi là ce soir? Non, arrêtez. Oula. Ouais, t'as raté, ouais. Oh merde. Attends, parce que là j'ai une... Attends, gros, j'ai. Qu'est-ce qu'il fait, le type? Attends, laissez-moi un peu le temps de me concentrer. Il y avait du vin à table ce soir. Il y avait pas de vin. C'est même pas du vin là. Mais il y avait pas du vin, c'est même déjà garantir. Il y avait du calva. Attends, différent le point cible, tac. Ok. Il y avait du 44, fit putain. Il y avait toute la bouteille, il y avait même le fruit. Du 44? Pourquoi la croix? Non, mais c'est moi qui décore. On l'a bien vu il y a un an. Il a vu une bière, Bastien, il a balancé l'orchidée par terre. Je mets le terrain un peu plus plat parce que là c'est un peu. Oh là là, bah oh là là, les trucs, il est vite. Non, on va le remettre. Oh, j'en ai marre d'être dans une ferme avec. Tu peux reculer le casse, s'il te plaît, Germain. On t'accueille si tu veux, gros. Mais il y a un trou. Oui, mais je sais, mais enlève le casse. Je peux pas remettre le trou si t'as le casse. Ouais, mais regarde. Ah, il est si gros que ça. Il prend un trou là, mec. Ah oui, gros. Oh là là, mais faut faire des fermes sur du plat. On va y arriver. Bah non, regarde Nico. Bah non, c'est plat chez lui. Hein. Ah, c'était plat chez Nico, j'ai vu une bosse pour moi, c'était. Ouais, mais c'est parce qu'il a mis juste une bosse, mais il a pas. Ouais. Mais sinon, bah tout nous, le reste c'est plat de fou, nous. Hein. Ouais, mais ouais. Arrête. Ah, là, il y a un tremplin là. Là, on se croirait sur MotoGP là. Il y a pas de tremplin. Enfin, là, il y en a un, mais on va le réparer, ça serait pas. Maintenant, maintenant, c'est Germain qui se plaint de cerveau. Moi, je me plains déjà, c'est lui sur la carte de celui. Maintenant, c'est Germain. Et un peu le tour de tout le monde. Hein regarde, oh. Là, hop, je prends la voiture, j'ai fait son tour. Eh, c'est un verbe, mais quand les plus en français? La petite voiture, hein? On fait quand les plus en français? Jamais, pourquoi? Ah ouais, tu veux regarde, pas regarde le trou. C'est pas un trou. Là, regardez, il faut juste le temps, on peut pas tout faire gratuitement. Attends. Oh, regarde là, et on dirait on pente vers le Mont Everest. Regarde, Mont Everest là. Alors, comme ça. On monte un peu. C'est même plus Mont Everest, c'est le Mont Blanc. Le Mont quoi? C'est le Mont Blanc. Ok. Oh non. Ah la voisine. C'est quoi le Mont Blanc? Ok. Bah le Mont Blanc, tu connais pas le Mont Blanc? Bah si, pourquoi? Oh. Et bah. C'est où le Mont Blanc? Star Wars, quoi faire, il est en prison, il paraît dans le commentaire, ça dit ça. Mec, il faut que j'aille. J'ai commandé, j'y vais le 11. T'as commandé carrément. T'as commandé le coiffeur. J'ai commandé le coiffeur sur Amazon, le type. Non, mais il est pas là pour l'instant. Il va repartir avec. Ah, il est en prison, c'est pour ça. Hein? Ouais, hein? Bon, allez, va toucher. Dis donc, quand on vient chez toi, Ster, si tu veux, on prend la tondeuse et on. On peut te faire un dégradé si tu veux dégrader la. On peut te faire un dégraté. Ah, mais attends, mec, Ster, là, ce que c'était de se faire couper les cheveux par ses potes. Ouais, bah oui. Ouais, y'a des photos qui tournent d'ailleurs. Ouais, ah, bah, on va vite la faire tourner ce soir, allez c'est parti. Non, à 5000 likes on l'a fait tourner. À 5000, on est à 100, on est à 4000, c'est bon, y'a le temps. Bon bah y'a le temps, mais ça va aller très vite. Non, ah, oui. Ça va pas aller vite, t'inquiète pas mec.
Ah, on est déjà passé à 4200. Allez, hop. Oh merde, je vais mettre le mien. Esther, tu fais quoi là? Parce que à part créer un puits en plein milieu de la ferme, là, tu fais. J'arrive. Je fais. Ça fait une heure et demie que j'ai créé un puits, mec. Je fais une. Oh là là. Erreur numéro 1. Je fais un abri phyto. Bah, déjà, l'erreur numéro 1, c'est de se mettre avec Bastien dans la ferme. Ah mais là, mais qu'est-ce qu'il a? Oh là là, mais le bâtiment il est vite, le bâtiment il en est vite assez. On va bien ce qu'il fait, Bastien, oh mais c'est, les gars, faut le laisser faire. Laissez-moi travailler. Ah mec, 4300 likes, ça monte vite quand il y a un défi. On a vu. Oh la vache. Allez, allez. Oh, je pense qu'on va l'afficher un petit coup, quoi. Vas-y, affiche. N'hésite pas à afficher, ouais. Ouais. Il avait un grade ND, lui. Ouais, c'est tombé, c'était un dégradé, c'était. Bon là le sol qui est pas droit, on va rétablir le problème. Ouais, c'est même plus qu'il est pas droit, c'est qu'il est à 90, la limite on dirait t'as créé la tour Montparnasse. Par contre Jamad, t'es toujours en train de critiquer, mais tu fais quoi actuellement? Je regarde. Voilà. Mais attends, mais y avait pas. t'es même pas allé. Vas-y, mais charge le pulvé, Germain. Et je peux pas. Et ah si, parce que t'as mis le truc. Germain il critique pour un. Mais c'est. Et vire du tracteur du coup. Ah du coup l'essai c'est bon. Ah il manque plus quoi à faire l'essai? Bah rien. Ah si, on pourrait aller donner à boire au Tu parles zéro, mais dans les petits Suisses, on avait une vraie ferme. Hein, donc, ouais, mais parce que moi, je savais bosser aussi, et toi aussi. Alors que là, t'as... bon, voilà, je vais rien dire. Tu vois, c'est ta vision encore. Bah, nous aussi, on a une vraie ferme dans la gare, suivi. Vas-y, nous, non, ça marche pas. Nous, sur une map vallonnée, ça avait été incroyable la ferme. Vas-y, essaye, Germain. Attends, mais en plus, t'as mis des trucs, genre, c'est impossible. Faut vraiment passer au millimètre là, attends. Essaye que tu mettes un coup d'arc-coup là, un coup de machin. Mais là, si tu fais R, logiquement, le mode il fonctionne. Hein. Et si. Bah ça non, je pas là. Il a 50%. Hein. Attends, on regarde sur la carte. Ah non, mais 50%, bah c'est sûr qu'on a mis qu'un coup. T'as mis un coup suicide là. Ah donc ça veut dire que là-bas ça marchait, donc t'as fait tout ça pour rien. Maintenant. Mais c'est le savoir qui déconne alors. Attendez, pourquoi ça marcherait pas? C'est pas grave, on va donner un bord au monsieur. Ouais. Au pire, tu prends le casque et la tonne et moi j'en mais fais chier, pourquoi ça veut pas marcher? Attends, je mets un peu de déco, j'arrive. Pourtant, c'est bien ça. Attends, ça va me tromper. Conteneur, ça c'est fertilisé. J'ai mis le fertilisé? Oui. Bah attends, mais c'est quoi ton souci, Bastien? Bah en fait, j'arrive pas à trouver. Attends. Lui c'est or minéral. Ok, on s'en fout. Ça c'est liquide fertiliseur, c'est ce que je viens de mettre. Mais c'est go faire ça. Fais N. Vas-y, ouvre la bâche, vas-y Germain, essaye. Au pire, dégage tout. Hein. Germain, viens. Ouais. La bâche, mais y'a pas de bâche, je crois, sur celui-là. Ah, c'est un mode, peut-être. Mais Germain, vas-y, viens, voir. Ah, c'est bon. C'est une blague. Aller enlever la bâche. C'est une blague, j'ai fait ça pour rien. Ouais, tu peux tout supprimer, merci. Bah non, mais du coup, on va mettre quelque chose dedans, quoi. On va pas rien mettre. Bah, le Renault il passerait largement dedans. Bah, par des contre, petits matos. Là, tu peux raplatir parce que je vais mettre le terrain plus trop. Du coup, je suis quoi, laisser là? Bon, vas-y, en vrai, c'est pas mal leur truc. Hein. Si on peut mettre les sponsors, ça nous évitera d'aller tout le temps en concession. Et du coup, là, on a perdu 20 000 euros là pour. Non, mais on n'a pas le vrai argent, donc comme ça, je remettrai le vrai truc. Bon, déjà, je vais mettre ça un peu plus plat pour que ce soit un peu mieux. Sans des tacs. Bon, on est plus fort, voilà, comme ça, là. Voilà. Ok. Là. Ah merde, par contre, c'est de l'engrais. Comment je fais pour prendre de l'herbicide? Tu peux changer en faisant. Merde, comment on fait déjà? Attends, j'arrive. T'es où là? T'es en haut? Bah du coup faut que tu revides la palette. Hein. Ah oui? Ouais. Faut que tu revides. Tu les vides là au pire. On est pas là, mais mec, tu les as vidés. Attends, reprends-les, mais mets-les bah, dans le bâtiment que je pense que j'ai mis. Comme ça au moins ça fera, il servira à quelque chose. Mais là on va décorer un peu sur le côté, je pense. Gâteau, manger, Bastien. Quoi? Bon ça mon gajo quoi hein? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je crois que vous êtes pas les seuls. Ouais mais regarde. Ouais. Ben, mais... Et là et essaye de la déposer. Enlève les trucs de... et enlève les trucs dedans du coup. Ouais. Tac. Je pense pour ranger le Renault et des petites conneries ça suffira quoi. Oui bon. Et alors attendez, on va essayer de refaire un truc propre. Et là je change dans le là-bas là. Bah normalement tu dois pouvoir changer. Mais Ah j'ai juste commencé le remplissage. Merde, pourquoi ça marcherait pas? Merde. Comment on fait pour changer? Non là c'est. J'ai pas de. Non.
Bah sinon il faut aller au concessio. Franchement c'est pas chier, tu vas au concessio au pire et puis voilà. Bah vas-y, va au concessio au pire, vas-y t'inquiète. C'est pas grave. Vas-y. Moi j'ai le temps de refaire ma connerie moi. Alors. Et sinon t'aplanis tout et tu mets juste une pente à un endroit. Ouais. Genre pour monter, genre un petit chemin quoi. Mais là j'essaie de réparer le... Au moins que ce soit pas... La concession elle est où en fait? La concession... Là tu... Non, à côté, Mito. Tu suis là, tu remontes là tout droit, on prend la route principale. Tu remontes à travers champ là, voilà. Là tu vas à gauche quand tu seras tout en haut. Et ouais. Après t'as un croisement à gauche. Ah oui, c'est là où il y a... Ok, je vois, il y a une benne. Ouais, ok. Ok, comme ça, ça va le faire. Ok, ça va être plus plat ici. Voilà. Ok, et là maintenant on va aplatir. Rembourse-toi. Mais les gars, on va tous rembourser parce que je veux pas faire des erreurs de calcul, donc je ferai tout en vidéo. Genre là, les conneries que j'ai faites, autant qu'on fasse comme si rien n'était, parce que sinon... Ok, bon là ça me paraît déjà pas trop dégueu. Faut voir ce que ça donne en roulant. On a pas un truc qui roule, la petite voiture, là, juste voir ce que ça donne. À pied, tu t'en rends compte quand même à pied. Regardez, là on passe par là. Hop, on roule. Là, il y a un petit trou là. Oui, il y a un sacré trou même. Hop là. On va remettre ça bien. Ah oui, d'accord, je vois où c'est qu'il est le trou. Tac. Peindre, sculpter. En même temps, c'est tellement minutieux ça qu'il faut pas... Faut faire comme ce que je fais. Hop. Ok. Ok, et là on adoucit, c'est parti. Go adoucir un max. Ok. C'est bon, tu lèves jusqu'à quelle heure? Je sais pas trop, là il est quelle heure là? Ça fait une heure et demie, bah encore une demi-heure quoi. Parce que faut quand même que ça sert à rien qu'on puisse commencer à faire pousser des trucs dans le live quoi. Là, quand je vous dis l'argent c'est normal, hein. L'argent, si l'argent descend, faites pas gaffe. Ok, on adoucit bien. C'est qu'on voit pas bien avec les traces des véhicules. Là si je mets plus gros. Ok, là ça doit bien adoucir là. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Bah comme je dis, à peu près encore une demi-heure de plus là. De manière à ce qu'on fasse un truc de beau. Donc là ça dit quoi à pied là? Ça me paraît déjà pas mal. Ah ouais, ça paraît beaucoup mieux déjà. Là t'arrives, hop. Ouais, j'arrive. Ouais, à pied, ça m'a... Le chat, vous en pensez quoi d'à pied? Là, il y a juste une petite bosse, mais encore, elle est bien adoucie. Dites-moi ce que vous en pensez, le chat. Bastien? Oui. Sur le petit truc que t'as placé avec l'engrais, etc., t'as vraiment tout. Est-ce qu'il y a l'herbicide? Il y a l'engrais liquide? Il y a tout, normalement. D'accord, ok, merci. Il y en a... Okay. Il y en a trois à passer. Ok. Vous pouvez rester là, nous, on avait... Ouais. Enfin, nous, on avait bon. Pas les herbicides, nous. Mais normalement, il y a tout, mais ouais, bon. Attends, prends le Renault. Ouais, il faut qu'on prenne le Renault. Mais là, je veux mettre un petit peu d'air pour pas que ça fasse trop moche, là. Hop. Comme ceci. Et là, le bâtiment, du coup, au final, t'en penses quoi? Il est pas... Enfin, moi, je trouve pas... Bah, ça va, il est pas trop mal placé, hein, non? Ouais, c'est bien. Moi, je voyais faire... tu sais, un truc comme les décombres qu'a fait Nico, là, un peu chez lui, là. Tu sais, une vieille voiture ou... Ouais. Je vais faire un truc comme ça là. Je vois. Tu viendras voir si tu me dis. Tu vois le live ou pas là? Attends, j'arrive. Parce que je pense que ça peut être. Je suis juste en haut là, j'arrive. Le chat, dites-moi ce que. Oula. Ce que vous pensez de ça là? Ça on l'a fait, ça on l'a fait. Ça c'est de la. C'est nul. Non, ça c'est moche. Non. Ah, ici ça va. Ça va là, enfin, j'ai mis quelques trucs, mais j'aimerais bien mettre justement. Voilà. Attends. T'aimes quoi comme voiture? On va mettre ça. Vas-y, mais en une. Tu sais, je voulais en rager une dedans, juste pour dire, il y a une place de prise quoi. Genre, tac. Vas-y, je vais plus lever. Vas-y. Le chat, dites-moi un peu ce que vous pensez là de ce que. De ce qui est fait là. Genre, en gros, j'aimerais bien faire une zone en mode. Là, il y a beaucoup d'air parce qu'on y va jamais, quoi, en gros. Je sais pas si vous voyez. Tac. Mais
merde, attends, comment on fait pour Ah, il aurait fallu faire Ok, le chat dit quoi là? Pas beau, nana, c'est mou le live à Nico. Bah c'est possible, mais là aussi ça va être mou parce qu'il se passe pas grand chose. Mais les cabanes à vous. Bah non, ça sert à rien. Duel photo. Enlève l'herbe. Ah, vous voulez qu'on enlève l'herbe? Vous préférez que l'herbe soit enlevée? Comment ça, l'herbe? En fait, j'ai mis de l'herbe dans le bâtiment. Là où il y a la voiture, pour faire genre voiture abandonnée. Sinon, peut-être mettre plus. Plus comme j'ai fait là. Ah ouais, ça c'est peut-être mieux comme ça. Comme tu me diras. Je fais juste un petit point là. Du coup, après, faut direct repasser de l'engrais ou il n'y a pas besoin? On est à 100% là. Normalement, le semoir, on devrait être à 100%, je pense. Je pense qu'on est à 100%. Ok, bah nickel. Ça dit quoi à pied là? Ça dit quoi? Là, ça vole un peu, faut remonter un petit peu le truc ici. Là, petite déco, ça fait abandonner. Mais c'est le but, hein. C'est le but de faire. Enfin, pas abandonner, mais faire. Tu sais, t'as souvent des coins dans les fermes qui sont pas forcément tout le temps. Enfin, parfaits quoi. Enfin, je sais pas, ouais. Moi, je trouve ça pas moche. Enfin, surtout qu'il faut vraiment qu'on se penche sur de la déco parce que sinon on va être un peu à la ramasse. Oh. C'est pas dégueu. Tac là. Voilà. Bon, ouais, Germain, je crois que t'en fasses de la déco aussi si t'en fais pas beaucoup là. Bah, j'en ai fait tout à l'heure, tu m'as dit prends le pulvé. Ah. Attends, plantes, peintes, sculptées, déco, autre. Bon, ouais, écoute, on est bon. Hein. On va pas faire de la déco pour faire de la déco. Des panneaux, des pneus, une échelle. Une échelle comme ça. Ou alors on peut peut-être mettre une échelle de côté. Ah ouais! Oh, je vois le truc là. Ah ouais. Comment tu la penches l'échelle là? Comme ça. Comme ceci. Mais vraiment, il faudra pas taper dedans avec le véhicule, c'est le problème. Sinon, on la met là. On va la mettre comme ça l'échelle. Ah ouais, on voit les moutons derrière, faudra qu'on s'en occupe aussi un peu des moutons. Ouais. Tac. Derrière, ouais, faudra qu'on voit ce qu'on met entre les deux. Ok, c'est bon, j'ai mis une échelle. Tu vois le live là? J'ai mis une échelle là. En plus, on peut vraiment monter dessus quoi. Ah, nickel. Ok, là le petit coin pour le Renault. Bah du coup le Renault on se le prend, je l'achète comme ça on l'a. Vas-y. Comme ça on a un petit Renault à 4 500 € qui nous servira pour la ferme. On peut le mettre le relevage avant. Bah autant qu'on le mette alors. Bah ouais du coup ouais. Chargeuse on le met. Et roue par contre roue normaux. Et ça nous fait du 6000 si on met la chargeuse avant. Mais on a le TM donc je sais pas. Ouais franchement je pense que le Renault sert à rien. Pour l'instant on met pas la chargeuse. Et le relevage, récréation. Le chat, vous en pensez quoi du relevage? Parce que tu penses que ça ferait. En fait on va y mettre quoi? On va y mettre la faucheuse, on va y mettre une faneuse, un endaineur, un petit plateau s'il y a besoin. Mais du coup c'est ça. Est-ce que le relevage va être indispensable pour 600 € de plus? Et est-ce qu'on perd pas le style du Renault? Je sais pas. Après, ça peut changer par rapport à Nico qui a pas le relevage. Oui, mais. Ouais, oui, bon, tout le monde dit oui. Allez, let's go. Ouais. Bon, ils disent oui, hein, sans rien qu'on se décide. Ok, il manque rien de spécial à la ferme là. Ah, s'il faut aller plomber l'autre là. Mec, lui, l'ouvrier, aller plomber. Il est pas beau le relevage, non. Bah, super. Bon, pire, s'il y a besoin, on l'enlèvera, il coûte 600 €, je crois. Donc, c'est pas bien grave. Mais les grosses roues. Mais on a l'atelier à la ferme en tous les cas. Ok. Là, on aura full soja aussi, c'est pareil, ça va être bien. Il est moche le relevage, super. Hop. Mais là, je pense que l'ouvrier, il arrivera pas à plomber là, si. Mais. T'étais allé plomber déjà? Non. Parce qu'il y a des traces, c'est pour ça. Où ça? Dans le champ d'eau? Dans le champ d'orge. De soja à côté le bâtiment, enfin. À notre ferme. Bah là, je suis en train de. Ah, mais je suis en train de pulver. Non, non, de passer le rouleau. Bah, mais je suis en train de pulver. C'est pour ça qu'il y a des traces. Ah, oui, d'accord. Parce qu'il y a le rouleau qui va être derrière, parce qu'il faut plomber aussi. Et t'es complètement à la ramasse, oh, toi. Une voiture. Ah, bah, c'est le trafic, ok. Bon, j'arrive du coup. J'arrive. Tu peux liver sur Star Wars, s'il te plaît. Ah, oui, la chaîne Star Wars, on va peut-être live des fois. Ça peut être drôle de la lancer comme ça. Pour ramener un petit peu de monde aussi. Mais du coup, l'ouvrier fait de la merde, hein. Là, je sais pas ce qu'il fait. Là, Attends, j'enlève. Non, bah, non, c'est bon. Bah, il arrive. Je croyais que c'était tout droit, moi, c'est pour ça. Il fait là. Il fait un peu du caca, mais au moins il fait quand même des bandes, donc ça va. Par contre, on va récupérer le petit Renault et j'arrive. T'aurais dû prendre un vieux Dutt, ça aurait changé. Mais l'avantage de ce tracteur là, c'est qu'en fait, c'est le seul le moins cher, donc comme ça nous fait un tracteur dans la ferme pas trop cher.
Les grosses roues, ça lui fait un look incroyable, je trouve. Ouais, mais peut-être qu'on lui mettra les grosses roues si on lui fait le travail dans les champs. Bah, tout dépend de ce qu'on lui fait faire, en fait. Hein. Mais bah, on a... tout ce qui est pulvé, ça peut peut-être le faire. Ouais, en plus, il y a les roues fines adaptées, ça peut faire joli. Si on veut nourrir les, justement, les animaux, ça peut le faire. Donc, ce jeune Renault miteux. Non, mais du coup, le mode, si vous voulez, il est sur Star Mode. Hein, si vous voulez tout ça, qui, enfin, il y a tellement de modes qui sortent en ce moment, donc c'est trop bien. Au revoir, à plus d'abus. T'as pris le même que Nico et Borom. Bah, en fait, c'est pour ça que je l'ai pris justement parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient pris celui-là, donc il est grave bien. C'est un radar qui coûte 4 500 €. C'est pour ça que c'est. On va peut-être le garder que 3 épisodes, mais au moins on aura un radar qui va nous dépanner. Ça va nous permettre de bien avancer sur la partie. Et ouais, voilà. Il coûte des broutilles quoi. Il coûte des broutilles. Mais MDR, une voiture récente abandonnée. Il faut en trouver des voitures qu'on abandonne vraiment. Faut que je passe l'herbicide dans le micro-champ là. Ouais, il y a moyen, ouais. Vas-y, vas-y. Ok. Ah, c'est toi avec le Renault là. Avec le Renault, je suis là. Bah, tu sais, pour la cuve à eau et tout, pour les serres. Bah, attends, mais du coup, attendez. Les serres, faut qu'on les mette en route d'ailleurs. Non, bah, rentre, vraiment, j'aime bien. Hein. Mais vraiment, en vrai, je trouve ça pas dégueu. Bah, tant mieux. Tant mieux. Bonjour, j'arrive. Donc on les met... Parce que moi je me croirais dans Space Mountain, hein, mais c'est long ça va. laitue, activée et vente. Ok, il y a de l'eau partout. Ok, ben nice. Nos trucs elles produisent. Bon bah là en vrai niveau de... Son prix est aberrant frérot. Le mec c'est un fan de GMK ou quoi? Ouais je crois bien. Bon. Le jeune Renault miteux. Les œufs. Attends, les moutons, il faut de l'eau. Oh, je vais récupérer la petite cuve à eau. La petite cuve à eau, il faudra peut-être la changer, après une plus grosse aussi. Parce qu'elle est un peu. Elle est miteuse la cuve à eau. Alors attends. Ouais. Hop. Clac. J'arrive. Bof à des coups sur tout l'arbre. Ouais, en fait, t'aimes rien quoi. Je trouve ça un peu dégueu. Attends, il faut aller au lac du coup, Germain, en bas. Ouais, va au lac. Comment ça, l'arbre, sauf l'arbre, qu'est-ce qu'il y a ? Le petit arbre entre la serre et le bâtiment. Ah. Mais c'est un mini arbre. Oh, tu t'es encore chié, quoi. Bah, franchement, je trouvais ça joli, c'est pour ça. Alors, ah oui, c'est là. Mais tu crois qu'il va remonter, le Renault ? T'as des lignes assumées. Bah, j'étais plutôt des lignes non assumées. Assumées. Alors, bonjour. Et là, si je fais R, ça marche. Impeccable. Mec, on va trop bien pour changer l'eau. On sera vraiment à côté. Ouais, ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. 2082, allez, c'est parti. Le 66 aussi, on pourrait l'acheter d'ailleurs. Comme ça, on pourrait rejoindre nos deux champs là. Le 66, tu dis Ouais. Mais j'aurais bien voulu prendre soit le 70. Oh, mais non, t'achètes ouais, deux champs à la fois. Merde. Pour faire notre route. Ouais, mais en fait, tu regardes, t'achètes le 70 et 71 ouais, à la fois. Bon, c'est pas grave, hein. Bah, mieux, hein. Si t'as 211 000 euros, on peut l'acheter. Ah. Bah, sinon, je vais demander un emprunt miteux à la banque. Sinon, il y a l'autre. Il y a l'autre, il coûte 60. 40 000 euros, donc ça le fera. Ah, donc du coup, ça c'est pour les moutons. Et pourquoi on place pas un petit point d'eau au final? Ça vous éviterait d'aller en bas. Pour éviter de perdre de l'argent. Mais il y a des points d'eau qui nous font pas part d'argent. Genre le Shadouf, c'était gratuit. Bah, ça, vas-y, alors fais-toi. Pas de Shadouf. Ça t'as. Attendez, lequel est gratuit? Le chat, vous savez lequel point d'eau est gratuit? D'ailleurs, eux ils ont foutu des générateurs. Ils ont foutu une antenne. Hein? Ça coûte que 1000 euros, mec. Bah, vas-y, mets des antennes à go la ouais, 5G, mais... là, c'est parti. Il faut la mettre en hauteur. Bah, attends, mais vers là-haut, vers notre champ, vu qu'elle ne viendra pas. Vas-y, mets une jeune antenne miteuse. Il a refait ma soirée avec les. Ah, putain. Allez, ma bastia, j'y vais. Vas-y, mec. Vas-y, ciao, mou. Voilà. Ciao, le Z. Et je parle pas de. Je parle du vrai Z. T'as vu ce qu'il y a, Simon? Ouais. Attends, Zero. Quoi? Est-ce que tu sais s'il y a des points d'eau qui sont gratuits quand je paye pas l'eau? Des points d'eau qui sont aberrants. Bah dans le lac là-bas, non? Bah ouais, mais dans le lac, il y a le water hydrant, mais je crois qu'on paye l'eau qu'on l'achète, donc c'est nul. Attends, est-ce que je. Les points de. Non, il y a pas. Bon, bah c'est pas grave. Tu sais, genre le Shadouf et tout là. Ouah, ouah. Après, attends, je regarde si. Attends, et là. La borne incendie qu'on a mis. D'ailleurs, elle vole la borne incendie là. Ah oui. Attends, je demande. Vas-y, va demander à tes amis. Ah, c'est au créateur de la map du coup, mais. Ouais. Oula. Je crois qu'il a encore fait de la merde l'ouvrier. Il est pas. Il s'est mangé le.
Oh putain, oh là là. Pourquoi on peut pas lever plus haut là? C'est bon. C'est ouais, le bâtiment est pas droit là que t'as placé. Hein. Oh. Bon, il est pas très droit. Oh, ah, il lui faut un niveau, Hugo. Allez, c'est tout. Oh, putain, mais j'arrive pas à conduire. Mec, en vrai, elle, mais, elle est trop belle la ferme. Nous sommes vraiment impressionnés. Servio n'arrive pas à conduire. Ah. Bon, bah écoute, faut aller dans le lac miteux. Allez, j'arrive. Mais. Ah, attends, j'ai demandé. Vas-y, va dans le lac. Et là, faut faire une route, mec, qui descend au lac. Hein. Vas-y. Ouf. Bah, non, mais on a plus d'argent après. Une bonne route aberrante. Ça sert à quoi l'antenne? Ça rapporte des sous, ça rapporte 480€. Et écoute, vas-y, fais un champ d'antenne, fais un champ d'antenne. Mais non, mais 480€, les premiers rapportent. Vas-y, je lui ai demandé et je reste dans le chat au cas où que vraiment il m'a répondu, ok? Ah, tu t'en vas vraiment? Ah, ah ouais, je m'en vais, bah ouais, mec, il va 22h13, je vais me coucher, moi, après. Tu vas regarder la ouais. Belle la vie? Ah non, pas le week-end. Le week-end, c'est sort pas le week-end. Tu vas regarder quoi alors? Bah là, rien. Et là, ah. Je vais me prendre ma douche et. Il va regarder un gros tarpé. Il va regarder un gamiteux. Je vais regarder un site. Bon, allez, ouais. Bonne nuit. Non, ah, je vais sur Star Mode. Ouais, voilà, Star ouais. Mode en plus de belles cartes aujourd'hui. Le frérot, le Z. Qui est impeccable. Le mode Abastien, il a rien mis. Par contre, le Renault avec 4000 vues. Les packs de 4000 décoration. DL. Attends, sur Star. Attends, vous mettez tous les packs de décoration dans construction au lieu de décoration. Ah ouais? Ah non. Mais normalement, c'est dans construction slash décoration. C'est. Ah ouais, parce que moi je me suis tout dans la décoration. Attends, mais on va aller voir les moutons, la moutonnerie. Allez, bonne soirée tout le monde. Ouais, bonne nuit, allez. Et bon ciao courage. Le zoo. Ciao, ciao Zoro. Zoro. Il y a une playlist Zoro, des modes, oui, en description, les gars. Alors. Exactement. Normalement, les moutons là, ils vont pouvoir faire un petit peu de laine. Mais du coup, la laine, on a pas pu la vendre, faut récupérer l'argent et tout. Ouais, je compte sur toi pour prendre ta petite calculette de comptable et de. Et je vais faire après, je pense. Hein. Ou demain, ouais, tu nous calcules ça, 6 x 2, 2 plus 2, 4, 6, 7. Merci Christophe. Ah, Christopher, merci pour ton don. Enfin, pour ton sub, je veux dire. A tout 0-0. Attends, c'est ta voix à une jeune voiture de coiffeur mitre. Putain, mec. Mais qu'elle est belle la ferme là. Faudrait qu'on invite GMK qui vienne tester la Uberster. Attends, gros, j'ai envie de faire un truc là. La Uberster. Bah ouais. Germain, est-ce que tu m'autorises à faire de la. Une décoration? Bah, foutu pour foutu, vas-y. Hein. Enfin, pas, en vrai, c'est pas une déco, c'est un truc qui va aider la vie commune. Y a un modeur qui peut faire Farm Coaster, s'il vous plaît. Comme ça, on mettra un petit panneau à l'entrée de la ferme. Mais c'est pas Farm Coaster. Tu rentres dans la ferme, où là, t'en ressors, t'as envie de vomir. T'as envie de faire des gauches, droites. Mais non, en vrai franchement, pas tant que ça. Hein. Non mais en vrai c'est une bonne idée, mais je t'avoue que dans farming c'est tellement relou quand t'es dans des endroits qui a de la pente, dès que mec, tu mets un truc ça c'est carré de fou, regarde là. T'arrives là, bon là c'est pas plat mais on va dire qu'avec moi il y a l'habitude. Le chat, dites-moi quand même que là c'est pas dégueu ce que je fais. Hugo, tu penses quoi de mes décos d'ailleurs? En vrai Hugo, vraiment viens, tu vas voir ou pas tout à l'heure avant de live. Avant la fin. Maintenant, je suis en train de me faire aussi mes petits trucs, moi, de mon côté. Vas-y, je viendrai voir un peu ta déco. Oula, non, comme c'est pas fini, faut que j'attende le retour de Zero. Ah ouais? Ouais. Je vais faire un truc, ça va pas. Ouais. Oula. Ok, mec. Bon, toi, t'as moitié le chantier, je pense. Bah, là, on s'en fout. C'est trop gros, ça. Le problème, la map, elle est buggée pour peindre. Ouais, ça c'est relou ça. Non, elle est pas buggée en fait c'est parce bizarre, que c'est une 4x4. Ouais. En fait, c'est des carrés en fait. Ah ouais. C'est mon pote qui nous a montré ça avec. Du coup, bah c'est okay. Chiant, ouais. Je trouve, parce que ouais, on a l'impression de pas être précis du coup. Bah, c'est vrai, surtout qu'on est vraiment pas précis en plus. Surtout moi. Ouais, en plus. Là, je trouve pas. Ah. Bon, alors j'arrive, je vais voir ce qu'il a fait. Attends, je vais mettre une bouche d'aération miteux. Ah, faut que j'arrête avec ça là. Il y a tout qui est miteux là-dedans. Moi j'aime bien. En plus, c'est vraiment la ferme miteuse. Viens, voilà. Quelqu'un peut faire un panneau, la ferme miteuse, s'il vous plaît. Sponsor by GMK. Mais attends, il faut que je mette un trou là. C'est bien ou pas là... Ah non, en vrai, j'avoue, c'est pas mal. Mais moi, ce que je t'ai dit, en vrai, moi j'aime bien. C'est juste le problème que ce soit vallonné. Regarde, il y a des trous partout, il y a des crevasses. Ouais, faut que... Non, mais je vais arrêter ça s'arrange. Bon, on dirait qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a les tranchées encore. Genre, attends, parce que là. Tu vois là. Attends, merde, c'est au minimum là. Ouais. Tac. Ok, comme regarde, ça. Là, tu vas à la serre, genre il y a un tremplin. Genre, limite, t'invites un skater, c'est bon, il peut te faire une figure. Mais non. Regarde.
Un gargro, là, on va y arriver. Là, ça va, c'est un peu plus plat ou pas? Bah oui, mais il évite le truc. Et la bouche d'égout aussi, elle évite. Elle évite là, j'avais mon frère. Non, mais je te jure, non, mais c'est juste, t'es dit sur famille, faut pas. Attends, là, c'est bon, elle évite plus là, normalement. Ouais, bon, elle est. Ouais, bah si, là, si. Là, genre, il y a Mesmer qui est. Il y a Mesmer qui est passé. Là, elle évite plus, normalement. Bon, vite fait, quoi. Ouais, après, plus, on va dire 40 sous, quoi, mais oh. Mais une bouche. Ouais. Il y a ta bouche, ouais. Ah. Non, en vrai. C'est normal qu'il y ait une Audi Q5 là dans le garage. Bah, vite, c'est notre voiture. Ah. Ah, la voiture qui est. Ouais, quoi. Qui est marchée. C'est une voiture de fonction. Ah, vache. Ah, le Renault, attends, j'ai regardé, ouais, il est pas mal. Hein. Bon, en vrai, ça va. Il est miteux, mais bon, en fait, c'est normal. c'est le but, quoi. Ah non, ils sont nuls, ces buissons là, c'est ceux-là qui sont mieux. Ah, ouais. C'est des buissons. Comme ça. Ah merde, ça on fait comme ça. Non, ça serait moche comme ça. Ok, vas-y, on est bon là. Non, en vrai, les gars, ça va là. Le chat, vous êtes content quand même de. Ça, on part en live déco un peu, mais vas-y. C'est un live. Vas-y, bah, je viens t'aider un peu. Ah, j'ai pas d'idée pour la déco. Bah non, mais là, il faut qu'on s'occupe des chambres vraiment par contre. Hein. Là, il faut qu'on. Ah, arrête, à chaque fois, tu me dis ça. Non, mais c'est vrai. Je vais au champ, je fais tout et après, il dit oh, mais je veux pas de déco. Non, mais toi, fais de la déco, moi, je vais partir faire de la déco. Enfin, de. Ouais, vas-y. De la. Ouais. Ouais. De la déco miteuse. Ça, c'est le cas de les dire. Merci beaucoup Crawler et Scale Création Module de Franchissement. Putain, merci à toi pour tes vidéos. Je kiffe cette continue comme ça, Valentin. Merci beaucoup, mec. Merci à toi. Merci à toi, ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah écoute, voilà quoi. Mais là, le trigger il vole en plus. Oh là là. Ça, ouais. Le trigger là de la serre il vole. Hein? Ok, ok. Ok, bon. Là, ça le fait à peu près. Bon, le karcher, il est vraiment au bord maintenant, c'est bizarre. Bon, en tout cas, voilà. Le tracteur, il est là. On a ce qu'il faut. Les serres produisent, nos champs, ils sont bons. Les véhicules sont en. Ah, bah, du coup, attends, c'est fini. On. Attends, mais de il a fini, non, de... J'ai fini de plomber. Mais c'est moi, j'ai fini de plomber, mon ah, chef. Nice. Ah, nice. Oui. Un petit GG au jardin qui a pas mal travaillé. Par contre, c'est normal qu'il y ait une borne qui l'évite à l'entrée de la ferme. Ouais. Enfin, non, du coup, okay. Mais. Il faudrait soit tu la vends et tu la replaces parce qu'en fait quand tu modifies le terrain j'ai pas réussi à bien modifier. Donc là ça veut dire que tout est plombé. Attends, je vais aller plomber le 64 du coup, ça sera fait. Ouais, le champ du haut il est pas fait par contre. Allez, on replie ça. Coucou. Hugo, je peux venir voir ta ferme comment elle est? Oula. Oh non, oula, oula le dégât, attends. Vas-y, alors j'ai le temps de plomber alors. Ouais, elle est bien, voilà quoi, vous savez. Bah, attends, mais en fait j'ai mis. On peut pas enlever des buissons? Si ouais, faut que tu remets tu repeins. D'accord. Tu repeins par-dessus. Par contre, Germain, est-ce que tu pourrais mettre un ou deux arbres là à côté de la boîte aux lettres pour, tu sais, genre vraiment qu'on fasse une vraie entrée quoi. Ok, mon genre, chef. Genre en fait, tu vois l'arbre qui est à côté de moi là. Attends, t'es où? Ouais. Ben, remettre un peu le même style, je pense. Oh, ok. Voilà. Allez, au travail. Ça marche. Ok. On va passer par là. Fais autre chose que de la déco. Ben, je pars passer le rouleau. Mais le problème, c'est que si on fait pas de déco, on va vraiment être à la ramasse par rapport aux autres. En vrai, l'antenne, elle est bien. Oh, bah nous, pfff. C'est voilà, vrai quoi. Bon, j'essaie de faire un petit truc. Bon, c'est un truc comme ça, quoi. Oula. Puis en vrai, c'est vrai que j'hésite, mais la déco, peut-être qu'il faut vraiment la passer gratos pour tout le monde au bout d'un moment. Parce que sinon, ça va faire chier. Hein. Mais des portails. Ah, être en portail. Ouais. Ouais, portail, je suis pas trop fan. Bah, c'est bien pour l'instant d'avoir un truc comme c'est là. Enfin. Par contre, là, il va falloir qu'on modifie un peu. Mais je vais peut-être limiter un peu le champ, là. On va remettre un poil voilà, d'herbe. Voilà, j'ai mis deux arbres. Ok, carré. Attends, je vais voir ce que ça donne. C'est le même ou pas? Non. Ah, t'as mis un sol? Ouais, je sais pas, t'as dit que t'aimais bien les sols plus rares, du coup j'en ai mis un. Ouais, en vrai, le sol, il passe bien comme ça. Mais l'autre, il est vachement bien, clair. Hein. Le sol est bien, mais bah, trop tard, maintenant c'est placé, on va plus. Faudra le couper si on veut changer. Mais vas-y, ça va, en vrai. Le sol est bien, ouais. Alors, maintenant, décoration. Peindre. C'est vrai que t'as arrêté de faire de la déco. Mais non, mais là, au niveau de l'antenne, sinon le champ, il est trop. Il est aberrant, le champ. Tac.
Franchement, c'est fou, j'adore la déco. Bon, là, ça a bugué. Voilà. Et là, on perd un peu de champ, mais vas-y, c'est pas grave. Comme ça. Non, c'est cette herbe-là qu'il faut mettre. Voilà. J'ai essayé d'agrandir un peu la zone de l'antenne. Bon, les gars, désolé, ce live est un peu trop calme. Hein. C'est rare que ce soit si calme que ça, mais... Là, vu qu'on est sur la nouvelle map, j'ai envie vraiment de faire... Faut pas qu'on se fasse n'importe quoi, quoi. Puis on aura bien le temps de bosser plus tard. Oh la vache. En vrai, j'aime bien, mais j'aime pas. Chez toi ah. Bon, en vrai, viens voir, Germain. Viens voir juste toi. Pour pas montrer aux abos. Attends, mais... Ça plombe pas. Mais si, c'était plombé, le champ là-haut. Ah mais oui, j'ai confondu avec 64. Mais en fait, c'est bon, en fait, Germain. Le champ du haut, tout a été plombé. Ah, mon bagot. Sauf là-bas, ça a pas été plombé complètement. Ok, bah c'est bon. Bah... Là-bas, ça a pas été plombé complètement, mais en vrai, on est bon. Tu as déjà fait? Ouais, c'est déjà fait, Ok. Bon, bah, nice. Bah, du coup, attends, Hugo, je vais venir voir ce que t'as fait alors. Oula. Je n'arrive pas à aller dans ta ferme, Hugo, c'est normal. Attends, mais j'y vais carrément. Attends, d'abord, j'ai un moment pour voir. Parce que je suis pas sous-traitant, c'est pour ça. Vas-y. Comment on fait des subs? Petit bouton. Merci en tout cas pour les 4700 pouces bleus, objectif 5000, hein, les amis. Si vous voyez ce live, cette rediff ou quoi, likez, vraiment. Parce que vous savez pas à quel point les likes, ça nous aide beaucoup pour la chaîne et pour. Bah, en fait, on voit juste si vous aimez quoi. Elles sont les playlists dans Star Mode. Derrière toi, regarde. Si tu marques 3 fermes là. Dans la barre de recherche en haut, tu dois trouver la playlist. Oh la voiture, regardez combien il y a la trace. Regarde là, derrière toi. Bah ouais, c'est pas mal. T'as bien. Juste cet endroit là du coup. Ok, j'arrive Hugo. Ouais. Je suis là. Bon, en vrai, moi ça me plaît, mais bon. Alors, les barrières que vous avez. Non, c'est bien, c'est bien, mais moi j'ai. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, moi j'ai. Ouais, je préfère. Bon, viens voir, c'était. Ouais, mais là on marche sur le blé là. Ouais, non, mais je sais, okay. Non, mais c'est la map qui est comme ça. Hein? Wouah, c'est plein de fous! Ah, oui, d'accord, vous avez changé vos décos là. Ouais, en fait, y a plus de serre? Non, les serres, on va les recommencer, mais t'inquiète, en fait, on a une technique avec Zero. Regarde, viens voir derrière. La deux chevaux du. La ouais, deux j'ai vu, il y a deux. Dommage qu'elle est que. Y a pas un mode où c'est qu'elle est. Parce qu'il y a que blanc, c'est chiant. Et mais puis j'ai mis des petites niches, tu vois, avec des lumières quand je m'en vais soigner les veaux, j'ai mis un spot. Ah oui, le petit spot. Comme merci beaucoup à Mika de Bobu pour tes 2€, merci beaucoup. Et oui, ça va super bien, et la team aussi, ouais, ça va super bien. Okay. Et voilà, quoi. Bon, pour l'instant, c'est encore en cours, mais on va peut-être améliorer ça avec Zero. Ok, mais la forêt, elle est à vous, ou vous pouvez l'acheter la forêt? Bah non, on peut pas l'acheter. Ah, on peut pas l'acheter. Bah sinon, on pourra modifier la map pour pour l'acheter. Ouais. Attendez quoi? T'as une jeune ferme miteuse, il y a Antoine qui dit. Bah là c'est bien en vrai, le petit karcher là, les poules. Ouais non c'est bien, il y a encore vide hein, c'est vraiment le sol est en fait le sol est nul. En fait le sol est bizarre parce que c'est que du gravier, c'est nous on a changé, on a mis du sol jamais le même sol, tu vois, un peu de boue, un peu de terre, un peu de gravier, un peu de. Ouais, on va juste modifier un petit peu ça, on va essayer. Bah je vous laisse le rouleau. Bah non, je suis con, il est à vous. Enfin il est à nous. Bah non. Bah oui, il est à vous qui nous montre. Allez, c'est pas tout. Et on repart. Voilà. Merci pour les 4800 likes. Et là, bah, je sais pas, faudrait demander à Nico et Borom. Oula, y'a plus de son. J'ai plus de son. Oh, le son il a bugué. Ok. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vais ramener le rouleau chez Nico, sinon, où on le garde. Au pire, il ira le chercher, hein, c'est bon. Ouais, exactement, bien sûr. Il ira le chercher. Hein. Merci beaucoup, Team Dove, pour tes 1€. Merci, on arrive aux 5000 likes. Let's go. Mon blé, ça va s'arranger dans la prochaine vidéo, t'inquiète. Ça vous. Ouais, ok. Achète l'île. Bah plus tard, hein. Mais plus tard, hein. Je pense acheter l'île c'est une très bonne idée. Hein. En vrai, vous ne l'achetez pas à notre place, c'est très bien, ça me fait chier. L'île. Non. Bah ouais. Qu'est-ce que je voudrais avec une île. Bah je sais pas, non, ça peut être drôle de. Ah si, pour le. Oh, après, elle coûte pas cher. Hein. Non. Tu peux l'acheter tout de suite. Bah là, autant le faire pour la vidéo. Par contre, ce champ là, le champ à gauche, on va se l'acheter, je pense, très vite. Parce que. Vite faire un petit chemin là. C'est le problème, l'île. Ça aurait été bien de créer la ferme dessus, mais sinon. Je sais pas. T'as perdu 20 000€, mais l'argent n'est. Là, l'argent. Oula, Germain, t'as. Oula, ouais. T'as vu la fosse comment elle est par contre? Madame, mais y'a un souci. Elle est en lévitation, mais. Faudra qu'on la replace sinon. Oh non. Mais attends, mais par contre, elle a la bouche de truc, ça dégage. Mais attends, t'as. En fait, t'as le système, tu fais clic droit, ça te sélectionne une hauteur cible. Donc là, la hauteur où c'est qu'elle vole pas. Ouais. Et après, tu cliques et ça te met à la hauteur cible. Donc du coup. Définir le point cible de la pente, c'est ça? Ouais. Ok. Attends, hop. Attends. Là, le point cible, c'est genre ça. Et après, tu recliques et t'as vu, ça remet tout de niveau sans tout casser.
Ah, tu touches là. Ouais. Bah, en gros, voilà. Bah, quoi. J'essaye de le faire, mais. Ouais, mais prends un point cible plus haut là, parce que t'es encore trop bas. Comment je fais? Bah, tu fais une petite bosse avec l'outil construction. C'est bon qu'on accélère le temps. Là, tu fais une petite bosse, tu vois. Bah, trop haut, tu vois là. Attends, prends un point cible de là, ce qu'il y a là. Là, tu prends ouais. Le point cible du milieu et tu le mets. Voilà. Okay, voilà nickel. Cool. Et Brand, faut que rebaisser un peu sur le côté là. T'inquiète, je vais faire ça. Ok. Bah, avancer le temps, je vais demander à Nico si on peut avancer le temps. Enfin, Hugo, toi, c'est bon ou pas? Ouais, moi, c'est bon. Ok, bah, je demande à Nico si on peut avancer le temps chez toi. Ouais, j'arrive. Bonsoir. Il y a un peu tôt. Allô? Ah, c'est chaud à faire. Hein. Ouais, oh, est-ce que oui. Tout se passe bien? Ouais. Bah, on est en train de faire un truc pas mal là, mais. Oh, un truc stylé là. Ok. On fait un truc plutôt stylé, mais on se fait vraiment chier parce que le jeu, voilà. Ouais. Ah, ouais. Des silos? Ouais. D'accord. Ouais. En vrac, vous voulez faire? Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, sympa. Et on pourra avancer le temps ou pas après? Bah, enfin, maintenant en fait. Et ça sème ou pas là encore, Romain? Parce que nous, on a fini de semer, c'est pour ça. Il y a toutes les mises d'anglais partout. Il a arrêté là le machin, non? Ah, il a peut-être plus de semo. Bah, non, là, attends qu'on finisse de semer là dans. Vous avez pas combien de temps? 10 minutes? Ouais, je pense, 10 bonnes minutes, je pense. Si attends le temps d'aller le remplir, je sais pas, ouais. Mais sinon, attends. Oui, il y a une bonne partie à faire là. Ok. Bon, bah. On va faire des stomos là, on se fait chier. Ok. Ah, c'est stylé en vrai. Stylé. Ouais, ça rend bien. Enlève ton ordi. Ouais. On a fait toute la déco en vrai, nous aussi, on a pas avancé. Et Ah, elle est comme ça, votre bouche d'égout. Ah ouais, en fait, elle est pas comme ça, nous. Ok, bon. Allez, ça marche, à tout à l'heure. Vous venez me voir en vocal quand c'est good. Tout à l'heure, ok. Allez, ouais. Ok, ouais, mec. Bon, bah, du coup, ils finissent de semer et puis on est good. Ok. Bah, du coup, là, en partie agriculture, je sais pas vraiment trop ce qu'on peut faire. Hein. Je t'avoue. Parce que. Ils ont maintenant fini de semer ou pas? Bah, pas encore. Hein. Ah bon? Sinon, faut aller les aider, mais il faut aller au bout de la map. Fais chier quoi. Attends, je vais aller voir, puis on y va à deux. Ah ouais, mais fais chier quoi. On dit lui mettre à deux, terminé. Parce que là, on aurait pu commencer à presser avec Germain et tout. On aurait pu faire commencer à récolter des trucs. Attends, je sais pas où je vais là. Oula! Merde, attends, merde. Rentre là, oh c'est non, mais mec, viens, on va les aider. Hein. Attends. Je veux qu'on aille les aider. Attends, je regarde. T'es malade. Hop là, let's go. Bon, ouais, le temps qu'on fasse la route. Let's go. Le temps qu'on fasse la route, ils auraient déjà fini. Bah, ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais il faut qu'ils remplissent le smart aussi, il m'a dit. Ok, bon, en tout cas, là je suis bien. Là, je suis bien. Mais là, il dit d'enlever l'audi. Mais on met quoi? Le but, c'est pas. En fait, cet endroit-là, j'ai pas envie que ce soit. C'est juste un endroit de déco, pas un endroit où tu mets des choses en fait. Oh, bah, en fait, elle est gratuite la voiture. Ah, bah, elle est gratuite en fait, donc ça va, on perd pas de sous. Ok, bon, déjà, c'est une bonne nouvelle ça. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre, Germain, en voiture qu'on n'utilise pas? Parce qu'ils ont tous mis des 4L, on va pas mettre des 4L non plus. Moi, j'ai pas mis de 4L. Hein. Moi, j'ai mis une 2 chevaux. Hein. Bah ouais, mais bon... Moi, c'est une 2 chevaux que j'ai. Et y a pas des voitures... je sais que sur Star Mode, y a des voitures carrément que tu peux acheter. Des vraies voitures avec du vrai design pété et tout. Je sais pas. Mais... Oula, bon, t'as refait la... T'as toi qui a modifié le terrain, là? C'était déjà... Ah, ça. Non, au niveau des serres. Ah non, c'était de base. Ah ouais, ok. Voilà, par contre, les véhicules, c'est un peu le dawa là. Je vais essayer de. Voilà quoi. Ouais, non mais. Hop. Là, on a un tracteur qui traîne en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Ton site est trop bien. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci, mec. On vous fait des news bientôt là. On fait. Ah ouais, si tu le trouves bien là. Ouais, j'avoue, parce que. Si là, tu trouves bien le site. Très prochainement. Ouais, non, là, le site il va bien changer, les amis. Vous verrez, ça sera beaucoup. Même beaucoup de nos fonctionnalités. Oula. Mais t'as bientôt, vous allez pouvoir surfer en direct de la NASA. Non, vraiment, vous allez voir. Ça, créez votre compte déjà sur le site, les gars. Comme ça, vous l'avez. C'est gratuit. Même en sous-marin. Oui. Ah, merde. Quoi? Et même en sous-marin. Même en sous-marin. Ça s'appelle Star Mode. Oula. Attends, mais la fourche, je vais la ranger là. Ah, merde. N'hésitez pas à mettre le lien du site, hein, les abonnés. Enfin, les modos. Hop. Les modos d'eau. Voilà. Comme ça, on a un petit chargeur là. Ça, c'est les rangements. Là, ça vole là. Bah, du coup, faut. Ouais, avec encore photo, les gars. Mais bien sûr que oui, les amis. On vous prépare ça. Mais oui, mes grands. Et ouais, avec des cadeaux à gagner, des lots. Ah, oh Ah, ça, bon. Mais non, mais c'est Germain qui paye. Ah ouais, on ralasse nous pour les gagnants du concours photo, bien sûr. Préparer des beaux screens photos, je vous le dis.
Alors attendez, du coup là, bam, clac. Mais nous, si on participe, on a pas le droit, on gagne rien. On participe pas, nous. Non, tu gagnes une claque dans la nuque, c'est tout. Dans ouais, la nuque. Et moi, si je t'en mets une. Ah bah, je risque de voler, mais tranquille. Je risque de voler. Attends, du coup là, on prend la sélection là, bang, on la met là. Oula. Oh mec, arrête, arrête. Mais non, mais non. Tac. Tac. Oula, oula. Oh, je vais voir si... Mais... Pourquoi j'ai un bruit d'eau, là? Un bruit d'eau? C'est... Ah, c'est Germain. En fait, c'est quand il construit, ça fait un bruit d'eau dans mon casque. Ça fait cloui, cloui, cloui. Bah non, ça fait un bruit comme s'il y avait un robinet ouvert. Ah. C'est bizarre. Ok. Ok. Voilà. Bon. Le site a changé dans quelques semaines quand même. On vous en dit pas plus. On vous réserve. Oh, on a le temps. Bon, oh, peut-être pas tant que ça. Elle a pas une barre au pire de traction, on va faire un concours de force. Concours de force. Ouais. On va ranger le rouleau miteux. Oh là, mais c'est quoi cet arbre? Pourquoi on perd des sous là? Je suis fan, mais parce que là je mets des. Je plante des trucs dans le jardin. Ah oui, d'accord. Je suis pas un jardinier, je suis un jardinier. Par contre, tu peux te virer s'il te plaît. Le mec qui est dans le jardin là. Ah, c'est bon. Ah merde, c'est moi. Bon, on peut avancer le temps là, c'est pas tout, mais on a envie de travailler nous. Bah non, ils ont toujours fini avec. Ah là, ils en sont où là? Allez sur leur live et leur disent dépêchez-vous de semer. Oh mais mec, mais faut y aller là, je te jure, ça prend. Oh, enfin, on peut pas y aller, c'est trop long, mais. C'est joli là. Fais de la décoration miteuse au pire. Bah ouais, mais force à déco. Ah non, mais ils ont pas fini hein. Ah mais oui, je me dis, il y a de l'air par terre. Je me dis. Ouais, je pose ce que t'en penses, mais. Bon, ça fait réaliste. Ça fait, ouais, je viens de faire miteuse. Ça, voilà. Oula. Mec, les gars, le chat, vraiment une petite note là de ça là. Oui, mais on est pressé. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On va juste mettre la presse. Deux fois. Oula. La presse, on va la ranger dans le bâtiment. On veut transformer maïs. Bah pour le maïs. T'as des jugeotes toi? Non mais en vrai on le garde parce qu'en fait on voulait le vendre mais on le vend tellement peu cher qu'autant autant le garder. Ah ouais. Et oui. Faut savoir calculer les comptes. Regardez ça, bam, oula. Le chat. Alors celui qui a dit pas ouf par contre, il va se calmer. C'est pas bah après toi c'est la vérité quoi. T'es voix de fer mec, on dirait une sac à merde. Pardon. T'as vu ta tête toi? Non, après... C'est un sou de CP genre. Ah les abonnés vont croire que c'est vrai. Ta ferme, c'est des sacs à merde. Il m'a traité. Les poules d'Hugo sont miteuses. Oh. Quoi, t'aimes bien ou t'aimes pas? Je le dis vraiment. Je sais pas. C'est ce qu'on fait Nico, donc je me suis dit ça peut être sympa. Bah ouais, moi j'aime pas trop. Ah c'est vrai? Bah au moins y'a pas rien quoi dedans. C'est vrai que c'est mieux que rien, mais ouais. Bon, c'est ouf, tu sais. Mais là, j'aime bien. Là, je suis content. La ferme, là. Putain, elle est trop bien. Plus qu'à attendre, là. Plus qu'à attendre. Mais il faut mettre un petit banc, là. Je dis sur un, je trouve ta ferme super stylée. Bah ouais. Les moutons, il faut leur donner. Attends, au niveau des animaux, là. C'est Hugo qui passe, là. Ah, c'est Borom. Il a acheté un tracteur encore, Borom. Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait, Borom? Mais regardez. C'est quoi comme tracteur? Il a la ferme, il a la ferme là. Il s'est acheté un Ford. Non, il est pas bugué en plus, il est bien celui-là. Ok. Il s'est acheté un tracteur miteux. Ah bah là pour le coup. Ouais, regarde, tremplin, le Ford il fait les tremplins. Le Ford il a cabané, tu vois. Attends, je vais voir Borom. Ouais, Borom. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bah écoute, t'as encore besoin du rouleau? Non. Permets-moi de te dire que t'as un Ford bien miteux. Hein. Bah, excuse-moi, mais ton Renault il est bugué alors. Non, vraiment il est bugué? Bah, il fait buzzer, Ah putain, j'arrive pas à parler. Tu as payé 310€ par jour. Ah. J'arrive plus à parler, c'est un jeune. C'est un jeune Renault miteux alors. Il fait 300€ par jour. On a des baisses de FPS avec le Renault. On va le vendre alors si c'est 300€. Oh non, mais c'est tous les Renault comme ça. L'ancien il faisait ça. Non, mais toi il fallait pas le dire. Et les autres, c'est combien par jour? Il n'y a pas écrit les autres. Bah, sinon, putain, faut le modifier et tu mets gratuit. Ouais.
Non mais non, tu mets un vrai prix quoi. Mon rouleau. J'aimerais bien récupérer mon rouleau. Ah. Après, il est peut-être pas bugué chez vous, mais en tout cas chez nous. Et il faisait quoi en fait? Ouais. Il faisait bugué à Fès. Tu lui as dit pour les 300 euros par jour? Ouais. Ouais. Bah, t'es con, t'aurais dû rien dire. Ouais, mais je suis quelqu'un de gentil. On a l'éolienne qui rapporte. Bon. Non, bah voilà alors. L'éolienne. Non, pas l'éolienne. Là, vas-y, recule, tu peux pas la trancher. Ah, mais non, attends. Ah, bah non. Et du coup, niveau déco, on a mis un petit bâtiment à droite là, en bas. Par contre, t'as mis quoi comme pneus sur le case? Ils sont horribles, tes pneus sur le case. Sur le monde de case. Les gars, bah oui. J'ai un truc à dire. Oui. Ouais. C'est que. D'accord. D'accord, bon. Mais non, mais j'ai des bugs de son, mais je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Okay. Toi aussi, t'as des tracteurs, tu les entends plus par moment. Ouais, genre, il avait plus de bruit là. Je sais pas ce que t'as ajouté comme mode, mais depuis, je sais pas, il y a un truc qui va pas là. Bah là, c'est... là, depuis que t'es dans la ferme, je suis en 3 FPS. Hein. Je sais pas si vous c'est le cas aussi. Mais... Moi, 60. Ah non, c'est bon. Allez, salut les jeunes. Mais tu vas pas... tu vas y arriver. Mec, c'est bizarre l'ensemble là. Oh, c'est... l'ensemble il est tellement disproportionné, allez. Gros. Salut. Regarde. Oula, il y a une boss. Merci pour tout. Là, c'est clairement, beau. De base, il part en wheeling. Bah, tout droit, c'est un raccourci. Oh, non, mais mec, c'est trop drôle. Ah, quoi, ouais, tout droit. Allez, go. Non, mais. Pas à vous, non ça. Oula. Attends, je vais caler. Attends. Non mais mec, tu vas pas plutôt qu'en... Ah ouais, non mais là... Oh, t'inquiète. T'es à fond là? Non, mais c'est un manuel donc... Ah t'as un manuel. Allez. Ah par contre, il a pas fait de flexible sur le Ford, regarde. La moitié reste décrochée. Ah oui, y a pas tous les flexibles. Bah tu peux juste lever et baisser et tu déplies pas. C'est un détail ça. Et encore, je me demande si je peux déplier. Il change le flexible à chaque fois qu'il veut faire une action. Ouais. Je dois sortir du tracteur, changer le flexible. Ah là là. Bon ok. Mais le temps en fait on peut l'avancer bientôt ou pas? Ah mais écoute, je pense qu'il a bientôt fini notre. Ah il reste un quart du champ. Non mais attends, faut absolument qu'on finisse de semer là, sinon ça ressemble à rien. Bon bah ok. Bah. Voilà. Sinon, la déco. Sinon viens vous aider à semer hein. Non mais c'est bon, il est en train de finir de semer là mais. Ah le temps qu'on arrive, il sera déjà. Ouais, c'est ça, c'est que tu vas arriver pour rien. Ouais. Allez, mon grand. Ouais. Ça va être bientôt fini, mais. D'accord. Alors, on va en profiter. Ouais. Bah, ouais, mais on profite à quoi? Là, Germain. Bah, t'as vu les estomacs que j'ai fait, là, non? Ouais, je suis allé voir, enfin, j'ai regardé vite fait. C'est bien. Ok. C'est pas mal. Ok, bon, écoute, super. Bon, putain, on va faire un petit tour sur YouTube. Ouais, il a vraiment du mal, le machin, là. Allez, oui, mais là, vous avez galéré. Bon, vas-y, on revient. Roule. Ça va? Ok. Bon, bah du coup, pas le temps. Bah ouais, faut attendre, écoute, les gars. Faut attendre. On voit TFPS. Ah, mais non, mais moi, il fait pas bugger. Hein. Le seul problème, c'est qu'on est 300 euros par jour, mais soit on le modifie, soit. Bon, on a l'éolienne qui rapporte, on a. Enfin, tout rapporte, quoi. Ouais. Bah 300 euros par jour, s'il fait vraiment ça, c'est un peu inutile. Hein, pour le coup. Et c'est vraiment 300 euros par jour, ouais, pour l'instant. Après, ça affiche, il a de ses faux, mais je pense pas. Je disais, tu vois à l'entrée de la ferme côté mouton derrière, il y a une zone d'herbe vide. Je me dis, on a le temps, autant qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, faudrait qu'on voit avec le chat. Le chat, qu'est-ce qu'on y mettrait? Bah, déjà, ouais, des barrières pour. Ouais, déjà, pas con, ouais, des barrières. Ouais, enfin, les barrières, ouais. Bah, genre. Attends. Moi, je voyais genre tout le long, quoi. Attends, c'est ça. On va faire un truc comme ça. Moi je voyais un truc comme ça. C'est gratuit ou pas? Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc si jamais on se chie, on les vend. Et là, tu sais, tout le tour, je sais pas, tu mets des petites décos quoi. Ouais, là comme ça. Non, là c'est pas droit par contre, comme ça. Là. Attendez, on va essayer d'en mettre ça droit. Comme ça. Le chat, vous me dites un verger. Non, pas un verger. Des vaches, des poules. Bah non, mais c'est le problème, c'est que c'est l'arrière de la ferme. Genre. Je sais pas trop quoi mettre à l'arrière de la ferme. Ouais. J'avoue que je sais pas trop. Peut-être plutôt mettre dans les barrières dans le. Enfin, le poteau dans les barrières. Comme ça. Ok, ouais, c'est pas mal, ouais. Par contre, ouais. Oula. Ouais mais là et après là ça sert à rien là, faut pas trop loin. Lac, station de lavage, un silo, un lac, des pommiers, des vignes. Dans les pommiers on limite, on fait pas trop de pommiers hein, sinon c'est cheat.
Ah ouais, tu dis que là c'est peut-être trop là de mettre des barrières. Ah ouais, là je trouve ça. T'as... Regarde, va à pied, tu vas voir ça. Non mais je vois le truc, sinon. Ah ouais. Ouais, mais du coup on fait que d'un côté alors, c'est bizarre. Comment ça que d'un côté? Bah, je sais pas. Ah, t'as mis les panneaux. Ah, mais sinon on aurait pu faire une ouverture au niveau du deuxième panneau, genre là. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, juste pour enlever le panneau. Ouais. Ah, bah attends, c'est bon. Est-ce qu'on le colle au bâtiment là? Je sais pas trop. On fait une entrée miteuse? Je sais pas pourquoi ce mot il me fait rire à chaque fois, putain. Hey, c'est fou. Putain, ah, c'est trop. Par contre, là, ça manque de boue là. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Vas-y, là, y a pas assez de boue ici. Là. C'est... là. Ça dit quoi à pied là? Là, on arrive, bonjour. J'arrive par-ci, par-là. Là, t'arrives. Ah ouais, t'as les panneaux en face. Ah, parce qu'il y a manqué un de plus. Là, tu peux remettre les, ouais, les panneaux qui tournent. Impec. Même, tu pourrais peut-être en mettre un autre. Vu qu'on t'en a enlevé un. Tu sais, un panneau qui tourne. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, mais ok, attends. Là, c'est déco à la con. Moi, je disais, déjà, on peut en mettre un de plus là. C'est les mêmes ou pas? Moi, ouais, je verrais bien ces petits arbres comme ça là. Attends, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah ouais, mais par contre, je suis obligé de les couper si on peut pas les supprimer après. Ouais, une haie, mouton libre, des chevaux et qu'un étang. Bah ouais, c'est vrai que mouton libre d'un côté. Ouais. Alors, regarde là, si je te mets ça là, hop. Ouais. Si j'en mets 3, si j'en mets 3, genre enfin 2, encore 2. Genre, ouais. Pour un moment, ça peut être sympa. Si j'en mets un là. Et un troisième. Et un là. Ok. Hop. Ouais, franchement, je suis pas trop déçu. Enfin, ça va en vrai. Je suis pas trop déçu. Non, mais c'est vrai. Oh, vas-y, mais lui. Mais c'est. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, il a mis un sapin miteux. Non, 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 regarde le panneau. Pourquoi les tiens, ils tiennent et moi, ils tombent par terre? Je l'ai mis, il a fait poum. Quand on va revenir, ça va les enlever, hein, parce que waouh. Mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Attends, mais normalement, je peux le vendre, à mon avis. Ah, essaye, hein, mais vas-y, moi je le mets du coup. Vas-y. Alors, merci beaucoup, PSG72, merci pour ton sub. Mais ta maison est fait un coin sympa. Ouais. Attends, tu l'as mis où? Ah, tu l'as vendu? Ouais, j'ai réussi à le vendre. Bah, vends le. Ça marche du coup. Vends le panneau stop là. Bah, attends, je vais voir si je peux moi. Panneau stop? Ouais, ça bug là. Vous voulez vendre le panneau parking? Oui, voilà. Ok. Ah, ouais, le panneau parking, le... ok. Ok, et ouais, du coup là... Vas-y, on est bien, nickel. Il y a qui disent zone de lavage, mais zone de lavage, c'est trop loin de l'affaire, en fait, c'est plus dans l'affaire. Ah, je sais pas, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Bâtiment avec l'atelier. Ah oui, d'accord, celui qu'un Nico a mis, oui, pas con, parce que c'est vrai qu'il est bien. Le bâtiment, un petit panneau solaire, ça coûte cher, usine, non, des points de vente, ça sert à rien, des générateurs pour l'instant, non. Il y a pas un truc qui rapporte, les gars, qu'on pourrait mettre, hormis des pommiers, je sais pas, genre... Peut-être un petit, y a pas un petit champ de ouais. Je sais pas, de panneaux solaires ou de conneries. Bah, ça coûte une blinde. Hein. Décoration dans autre, on a des petites maisons, mais c'est pas fou. On a des rangements, ça faudrait les mettre. On a des panneaux, on a un panneau parking, mais t'as rarement des parkings chez toi. Ouais. Des pneus, on a abandonné. Des ruches. Ah, des ruches, vous dites? Ouais, mais des ruches. Mouton libre d'un côté, c'est pas con. Parce que du coup, ouais, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vende l'enclos. Mais en tout cas, Germain, il faut se dire qu'on va faire. C'est vrai que c'est pas con des moutons libres. C'est vrai qu'on va, en fait, on va faire une mission de moutons. Et nous, là, dans notre enclos, on l'a acheté. Et ça nous il fait que 15. Et si on met enclos libre, t'en mets 2 ou 3 comme Nico. Ouais. Mais du coup, si t'en mets 2 ou 3, ça copie. Enfin, ça fait un peu comme Nico. Et c'est pas pareil, tu vois, c'est pas le but. Et en gros, là, tu mettrais ça comme ça, là, comme un spam. Là, tu pourrais les nourrir. Ouais, ça pourrait le faire, en vrai. Ouais, bah ouais, pourquoi pas, mettre ouais, un enclos. Ouais, mais ça, faudrait le faire vraiment en vidéo, tu vois. Ça, c'est en live, on fait trop de trucs en live. Bah, au pire, on se réserve ça pour une vidéo. On rajoute des moutons et on lève pas eux. Genre, en vrai, on laisse quand même eux ceux-là. Et ouais, on peut en rajouter là. Moi, ça peut le faire, hein, parce que ça fait un peu de déco et je vois le truc. Tu recopies tout à la frame de Nico. Bon, on essaie pas de copier, justement, mais on essaie de s'inspirer, ce qui ferait qu'ils font des trucs. Bah, tu vois, les panneaux, c'est Nico qui a pensé mettre des panneaux. Là, le sol qui n'est pas normal,
Mais en même temps, quand on a refait la ferme, on a eu tellement d'idées ensemble qu'on s'est dit, vas-y, on va essayer de les faire. Et d'un côté, la ferme est tellement plus belle. Ah, t'as mis un peuplier là ? Ah, mais t'as mis beaucoup plus d'arbres qu'avant. Il y a un arbre là ? Ouais, ah. J'ai rajouté un arbre là. Ouais, c'est bien. Et le peuplier, ouais, ça fait l'arbre de la ferme. Oh, j'y parle, je crois que t'as mis un sapin. Non, bah écoute, si on peut avancer le temps maintenant, on le fait. Sinon, bah écoute, pour ce live, on sera bien. Hein. Ouais. Et du coup, faire des moutons. Je rappelle que du coup, la map, les amis, si vous la voulez, déjà le Renault sur Star Mode, bam, let's go. Deux détendances, merci beaucoup. Et vous allez sur mon profil, Stervio, déjà vous abonnez à mon profil. Et vous allez à la playlist des modes. Tous les modes qui a suivi, bam, vous l'avez. Sinon, je pourrais. Attends, au pire, je vous la mets dans le site dès que vous arrivez sur les playlists. Je mets trois fermes et je mets playlist. Merde. Tous les modes du live de ce soir. Voilà, comme ça les gars, ceux qui veulent, vous avez tous les mods, c'est publié, c'est sur le site, bam. Je vous l'épingle dans la playlist là, let's go. Voilà, comme ça si vous voulez, c'est publié. Ok, bon ben, plus qu'à attendre. Mais qu'enregistre. Eh, franchement les gars, j'aime bien. Hein. J'espère que vous aussi vous kiffez parce que, ben franchement, j'aime... ça donne bien. Ça donne bien et ça change et ça avance bien. Et ça fait vraiment ma française quoi, avec les fils électriques, les panneaux là qu'on a rajoutés. Moi j'adore, hein. Non, c'est vrai que j'adore. Dans 2 minutes, on accélère le temps. Ok, nickel. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront pas mis l'engrais. Donc, on pourra juste commencer à faucher, j'imagine. Donc, on peut commencer à hâter la faucheuse. Et c'est parti. Le petit JD, il va faucher. Et let's go. Hein. Let's go, let's go. Vas-y, je commence à faucher avec le JD. Dès que c'est mûr, il faudrait endainer ou en fan derrière. On n'a pas de fan. Ouais, non, on n'a pas de fan, mais ouais. On n'a pas de faneuse. Après, est-ce qu'il faut faner? Je ne sais pas. Oh, les poules, faut les donner à graille aux poules. Usine à chaud. Une usine à chaud? Tu peux partager la sauvegarde de la carte suivie. Dans tous les cas, demain, les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Épisode numéro. Je sais plus combien de la carte suivie. Et du coup, ça vide là ou ça vide dans le godet? Ah non, c'est bon, ça vide aux poules là. Nourriture. Attendez, nos poules, elles graillent ou quoi là? Bah, ah ça. Ah si, ça remplit. Ok, c'est bon, ça remplit, mec, les poules. Ok, nickel. Ok, c'est bon, ça fonctionne, nickel. Et ça a déjà produit un petit peu de palette de poules. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Oh, style de fou, pas mal. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est tout con, mais... Ah, merde, le godet, il faudrait qu'on le vide, il remplit. Merde. Oh, oh non. Ah. C'est bon. Germain Vlog, LSC. Ça va, Hugo? Ah, je sais pas si il est là, Hugo. Je sais pas, je le vois plus bouger, là. C'est plein ou pas, là? Ah, c'est pas plein encore. Hein. Vas-y. Allez, grailler. C'est bon ou pas? On peut pas récupérer avec le godet si tu vides, normalement, si t'inclines le godet... Attends, là, tu te mets devant et t'inclines avec la molette quand t'es devant l'auge. Bon, attends. Est-ce que ça marche, là? Là, tu fais ça. Mais là. Ah, sa mère. Comme ça. Ça marche ou pas? Non. Non. Bon, vas-y, on raccroche la godille correctement. Alors, mets ta maison et fais un coin sympa. Bah non, parce que la maison, elle y est déjà, donc on va pas en refaire. Attends, ouais, je vais voir Nico, eux de leur côté, où est-ce qu'ils en sont. Et celle de Nico, elle est quand même belle. Hein. Ah non, mais vraiment, moi j'adore. Hein. J'adore tellement. Là, les petits arbres, les petits... Pour au niveau des pommiers, attends, parce que une, je vais quand même compter combien ils ont de pommiers pour qu'on soit égalité, quoi. Ils ont un pommier. 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 pommiers. 5 pommiers, je crois. Donc, on pourrait en mettre un cinquième, je crois. Si jamais on veut. Là, ils font de l'herbe. Donc, ils ont bien avancé. Parce que l'herbe a été déjà poussée chez eux. Et là, leur champ, ouais. il est poussé. Ah oui, leur champ est poussé. Nickel, il finit de semer. Ok, bah, je vais voir Nico, j'arrive. Venez au pire. Ouais, Nico. C'est totalement ça. Ah, c'est bon, tu peux accélérer. Regarde, j'arrive, j'ai fini. Je vois ça. Ah, tu t'aimes vraiment sur la route, quoi. Non, ça va. Vas-y, ok. Et la route, c'est quand c'est bien collé. Il reste 50 cm d'herbe, quand même. J'ai le fort d'île élevé. Attends, il est où, Borob, là? Il est en train de presser. Je suis en train d'essayer de presser, mais le fort d'élevé. Oh, mais les mecs, t'as acheté un tracteur. Bah, ouais, mais bon, c'est 5000 balles, on va pas cracher dessus, quoi. Bon, les freins sont pas ouf, mais. Il fait un bruit, en plus. Putain, mais elle lag un peu, non? 40 FPS. Ah ouais, d'accord, ouais. Je vois la zone là. Ok, il vous vide en vrac dedans. Donc toi, ça lag là aussi. Bon, on va faire que je trouve ce que c'est. Bon. 47. Ouais. Bah, en fait, c'est les ombres. Moi, j'ai mon idée. Oh, mec, c'est trop beau avec les ombres des arbres là, des peupliers.
Là où je suis là. Tu trouves que c'est les ombres? Bah les ombres ils font pour quelque chose, mais y a pas que ça. T'as vu, j'ai fini l'estomac là. Ouais, j'ai vu, c'est joli, ouais, c'est joli. Non, j'en ai chié. C'est pas quand je regarde les ombres, c'est quand je regarde. Derrière la ferme. Bon, moi c'est le bordel que j'ai mis derrière. Ouais, pour moi c'est le bordel aussi que t'as mis derrière. Mais je vais en enlever là. Je crois que c'est les barrières que j'ai mis. Hein. J'ai mis les 3D les unes sur les autres. Ok, ok. Vas-y, parfait. Allez, ben on. Vous, c'est vous pouvez dormir plusieurs fois ou vous devez mettre de l'engrais, etc. Ah putain, j'avais pas fini de plomber ce champ là, merde. Écoute, on a de l'engrais qui est mis. Il fait nuit là. Il fait un peu nuit là. Oui. Il fait full nuit. Attendez. On a su mettre de l'engrais avec. Il a pas de phare le Ford. Il a pas de phare. Attends. C'est pas mal. Attendez, on dort. Attendez, allez, on dort. Accepté. Attends. En gros, le semoir mettait une couche d'engrais, donc on a déjà une couche d'engrais au moins. Ok, ok. Vas-y. Ok. Oh putain, j'ai oublié de mettre de finir de plomber. Attends, faut que je finisse de plomber. Bah sinon. Oh, t'accélères pas deux jours là quand même si. Ah, il me dit que c'est prêt pour la récolte l'herbe. Hein, quoi? T'accélères deux jours là? Ah non. Là, il faudrait qu'on accélère une nuit de plus, au moins pour que notre herbe soit bonne. Bah, quoi. Attends que je finisse de plomber le champ que j'ai là. T'en as pour longtemps ou quoi? Bah non, j'en ai pour deux minutes là, même pas. Le temps que je refasse le retour. Bah du coup. Mais le truc c'est que je sais pas si on peut plomber jusqu'à un certain stade, donc putain. Si ça a déjà germé, ça marche plus. Propre, moi j'aime bien. Bah si, là. Déjà germé? Ah, attends, doit être plombé. Ah putain, bah non, merde, ça marche plus tard. Oh, ça fait chier. Non, quand c'est peu. Ouais. Bah ouais, du coup j'ai pas pu finir, merde. Bah après plombé, je t'avoue que ça avait pas. Bon, c'est pas. Ouais, bon. Faudra ramasser les cailloux après, c'est ça qui casse couille quoi. Donc... Ouais, mais il est pas marqué. Ah, mais c'est pas grave, hein, les cailloux tu les vois. Mais qu'ils soient dans le sol ou non, ils y sont. Ouais, mais bon, ça aurait pu être évité quoi. Les... Sinon, ça sert à rien d'acheter un truc pour plomber. Mais au cas, non, y a pas grand. Y a votre Ben Reich en au cas si vous voulez. Mais non. Bon, du pas coup, on peut faire une nuit de plus. Ou pas, vous devez. Bah maintenant, vas-y, de toute façon, ça sert plus à rien. Ok. Perdu pour perdu. Ouais. Allez. Mais sinon, vous mettez 5000 balles de plus et c'est bon. Parce que attends, nous, par contre, nous, on a en niveau thune, faut qu'on revoie ses calculs, mais toutes les palettes qu'on avait en stock posé, on les a plus. Ah, vous les avez pas vendues avant Non, mais les palettes de. On avait des palettes de semences, on avait des palettes de fraises qui nous restaient, des palettes d'œufs aussi. Ouais. Ok. Mais venez voir, parce qu'en vrai, on a encore bien modifié, hein, si vous voulez venir checker. On a fait une zone derrière, on va essayer de mettre d'autres moutons, parce que. Notre enclos, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas, vous pouvez venir ou pas? Ah, Nico est parti. Bon. Je sais pas, bah écoute, ouais, je vais venir voir. Une petite déco. Tu vas aller voir Borom, il est en live. Attends, Borom. Où est-ce que c'est? Dis-moi tout. C'est la plus belle ferme. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, franchement, c'est la vôtre. Non, en vrai j'ai vu la vôtre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que. Bah, y a vachement plus de relief que dans la première map. Ouais, et du coup, regarde, on a mis. Donc, le petit bâtiment là, tu l'as vu, je crois, mais c'est celui-là. Ouais. Petit bâtiment, là, des décos. Ouais. Des petits arbres un peu pliés qu'il a mis Germain. Là, des petites décos qu'a mis Germain aussi. Allez. Germain, t'es là? C'est place comme ça. Ouais, Germain, il est là. C'est place comme ça, petit truc là. Ouais. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Là, du coup, à l'entrée, je sais pas si t'étais là, mais on a mis du coup des arbres des deux côtés. Ça va être une entrée un peu plus fermée. Et là, du coup, à l'arrière, regarde. On a fait une zone, tu vois là. Genre, on a clôturé le long, on a mis 3-4 peupliers. Ah ouais. Et en fait, dans cette zone là, on va essayer de faire des moutons en libre. Mais un peu votre style. Oui. Mais pas ça là, parce que celui-là, on l'a acheté 7 000 euros. On va peut-être le garder pour l'instant, mais il met pas beaucoup d'enclos, tu vois. Et en fait. C'est vrai qu'il coûte pas très cher, mais ouais. Oh, il y a un IMT en occasion, gros. What? Un quoi? Et un IMT. Choix. Ah bah nous, l'herbe, c'est bon, elle est bonne si on peut vous les faire. Ok, voilà. Voilà, en gros, écoute, pour ça. Nous, c'est bon. On a mis des panneaux aussi. Des petits panneaux de. Ah ouais, bah oui, toi aussi. C'est bien, ça rend bien. Voilà. C'est top. Nous, on va finir dans pas très longtemps, je t'avoue. Ok, ok. Ouais. Voilà. Vas-y, jamais parti. Bah, nous aussi, on va pas tarder de toute façon. On va prendre le petit Renault. Bon, allez, à tout à l'heure. Vas-y, ouais, à tout à l'heure, ouais. On va remonter là-haut de son. Allez, c'est parti. Bon, en vrai, les gars, nous aussi, on va pas tarder. Hein. J'avoue qu'on a quand même avancé. Nico réclame, mais tout à l'heure, il se peluchait sur la déco aussi. Ouais, mais la déco ça prend tellement longtemps que c'est vrai que ça. Moi, quand je fais de la déco, je veux pas passer, hein. Je vous le dis. Bah attends, eh, quoi, ça capte quoi là? Hein, je capte la serre d'ici? Ah oui, d'accord. Et niveau des serres. Bah, du coup, les serres elles nous rapportent des sous, du coup, ça veut dire. Impec. Ouais. Bon, on a pas de faneuse. Est-ce que on fan ou on s'en fout un peu de faner?
Bah pour l'instant c'est plus de la bouffe pour les moutons donc on s'en fout de faner ouais. Bah allez. Oula. Ouais là je suis frise. Ah le savoir crash. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Nico. Véhicule ah, shader. C'est bon. Ah. Moi je peux enregistrer c'est là si vous voulez. IMT. Qui a acheté un IMT? J'enregistre. Vas-y, non c'est bon juste. C'est bon. Ok. Mais il y a. Oula attends mais il y a un IMT. C'est l'IMT qui fait bugger. IMT 533 export. C'est bien celui-là. Hein. Ouais c'est lui. Je sais pas s'ils ont essayé de l'acheter ou faire un truc, mais il a fait crash le serveur. Hugo a quitté le serveur. Ouais, faut vraiment enlever tous les lives de tous les mods qui font bugger. Allô. Ouais. Ouais. Ouais, moi j'y vais. Bonne nuit. Vas-y mec, ouais, demain t'es là. Je suis mort là. Ouais, ouais, je suis là. On tourne. Bah début d'après-midi. Ok, vas-y. Ça ou le matin, je te redis. Vas-y. Bon bah allez, bonne nuit. Ouais, à plus mec. Ouais. J'arrive pas à pusher. Mec, en même temps, le terrain il est pas droit. What? Comment ça? Mais si, moi je vois que tu fauches là. Ouais, mais pas en bas. Regarde, pas tu vas bas. Voir. T'as vu, il y a un trou. Ah, mais c'est que c'est pas plat en fait, c'est que tu devais rouler trop vite. Et la fourchette a touché mal le sol. Ah, mec, par contre, c'est trop beau la zone. Oh, mais il faut qu'on coupe les arbres, hein, je rigole pas. Et le champ, faut qu'on fasse aller jusqu'en bas, ou je sais pas, faut qu'on trouve une solution là. Vas-y, essaye de revenir vers là. Là. Hop là, let's go, bonne nuit Hugo. Tant les gars, nous on va pas tarder à s'arrêter aussi, hein, je vous le dis. On va peut-être juste faire dans l'autre sens. Ou alors comme ça. On va faire comme ça, les gars. Là, les gars, il est quelle heure? Ça fait 1h29 de... 2h29 de live. Ah oui, ouais, faut qu'on s'arrête là. Ok. Bah, en tout cas, merci pour les 5100 pouces bleus, hein, parce que vraiment, ça fait grave plaisir. Et mon live est à 1440p parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité de live globale. Ça change le codec YouTube en fait. C'est pas le codec de base. Du coup, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est bizarre, ça marche pas là. Oula. Bah là, ça marche. Ah, comme ça marche. Ah, ah non. Ouais, mais en fait, c'est que t'as. Peut-être tu vas trop vite. Là, tu vas doucement, ça devrait marcher, non? Ah non. Non. Bon. Bah, sinon, à la zone au fond, on y fait un talus. Et voilà. Un talus miteux. Va voir sur Stamo, je t'ai envoyé un truc. Ouais, j'irai checker ça, les gars. J'irai checker. A plus. Ok, n'arrête pas. Non, mais on va arrêter ce soir parce que, les gars, on enchaîne. Par contre, je t'avoue, gros, je suis même pas claqué. Hein. Je pourrais live encore, je sais pas combien de temps. Ah ouais? Ouais. Mais en même temps, je suis. Mec, la ferme, elle est incroyable. Là, ça va, ouais, c'est cool. Voilà, ferme, mec. Bouge ton vieux Renault miteux, là. Il est bien, le Renault. On a ouvert l'entrée là. 3 balles par jour. Ouais, bah soit on le modifie. Attends, les gars, le Renault, est-ce qu'on le modifie et on le fait qu'il ne consomme plus 300 balles par jour? Ou est-ce qu'on change? Mais après, forcément, qu'il y aura des modes qui vont sortir. Ça. Après, ouais, bon, on peut le garder un petit peu. On a, mec, on a des pommiers, on a des éoliennes. Enfin, on a une antenne 4G. On la voit en plus de là, plus au niveau de l'arbre. Donc, voilà. Bon, allez, vas-y, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense. Vas-y. Pense que là. Ça marche. On va ouais. se mettre là, bam. Ok. On garde un peu de hype. Yes. Ben, Borom, il est encore en live, mais il va peut-être s'arrêter bientôt, j'imagine. Enfin, je sais pas, en tout cas. Ben, n'hésitez pas à aller voir. J'ai bugué, moi. J'ai prise là. Hein. Ah, c'est bon. Ah, j'ai save. Ah, c'est quand on save que ça fait. Ouais, bah attends, mais oui, d'accord. C'est qu'il doit y avoir un mode qui fait bugger. Ok, ok. LUA stack. Ouais, non, c'est le. L'IMT, il bug. L'IMT, il bug carrément. Faut le désactiver. Je fais ça direct après parce que l'IMT claqué. Change-le. Ah, vous voulez vraiment qu'on change? Attends, je regarde qu'est-ce qu'on a en tracteur. Alors, en petit tracteur qui soit potable, quoi. Mais si on peut avoir un mode, ça pourrait être bien aussi. On a du DUT, mais après, nous, on l'a acheté 5000, tu vois. C'est pour ça que ça vaut le coup. Le Celtist, il y a des. Non, c'est moche. Il n'y a rien de fou en petit tracteur. Hein. Ouais, on a rien de fou en petit tracteur pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va le garder, hein. Et puis faut s'arrêter. Bah, si on va dans ces cas, ça fait 2h30 de live, on va s'arrêter. On va faire pour ce soir, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, bah n'hésitez pas à aller checker live de Nico, enfin live de Borom, sa chaîne de Borom si vous voulez. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur starmode.com. Je vous remets quand même le lien. Mais les amis, on vous prépare du lourd vraiment pour le site très bientôt. Et bah, pour l'instant, il y a des modes tous les jours qui sortent. Je sais pas combien de modes. Je sais pas combien de modes on a en tout sur le site, mais on commence à en avoir rien. Bah attends, si c'est dans le dernier, on a 1053 modes sur le site. Voilà, ouais, avec des très bons modes qui sortent et tout. Par contre, Quentin, merci. Par exemple, je ne sais pas, moi, le top de la semaine, on a le mode GPS, il y a la petite liégeoise, le fameux Renault bah, qu'on s'est acheté, du coup, qui est en DL, si vous le voulez. Le Summer Alpego, des maps, en veux-tu, en voilà. Les maps, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, il y a... Attends, quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 maps en top de la semaine, déjà. Donc, un petit pulvé. Ah, un petit pulvé sympa, lui. Mais ah ouais, pourquoi pas s'acheter un pulvé comme ça ? Celui-là, il est sorti en plus. Ben, aujourd'hui, je crois en plus.
Mais ouais, pas mal. En tout cas, si vous voulez checker, tous les mods sont sur le site. Et puis ceux qui veulent les mods, vous avez directement, vous arrivez sur le site, bam, vous avez mon profil et vous avez les mods de la playlist. Comme ça, si vous les voulez, vous avez tout. Voilà, voilà. Bon. Ouais, c'est ça. Les amis, merci d'avoir vu ce live. Merci à tous d'être passés parce que c'était grave bien. Merci. Je suis quand même content de vous avoir présenté la partie quoi, la nouvelle partie, la nouvelle série, enfin la nouvelle map et de pouvoir vous montrer tout ce qu'on a fait. Mais clairement, on n'a jamais décoré autant. Ouais, c'est ça. Bah et là on va se recalculer tout bien propre et puis let's go après hein. Plus que nouvelle vidéo dimanche prochain, hâte que ça vous plaise, j'espère que oui en tout cas. Si merci pour les 5000 likes du coup, comme j'ai dit, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Borom s'il arrête son live maintenant, je sais pas s'il arrête maintenant ou s'il arrête tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à aller checker son live, ça lui fera plaisir, à vous abonner. Ouais. Et du coup les gars, c'était Starvio, la team Starvio en globalité, mais surtout Germain qui était là, qu'on a fait pas mal de trucs ensemble. Ouais. Rendez-vous demain, 18h, nouvelle vidéo, mardi nouveau live, mercredi live chaîne secondaire sûrement, et nouvelle map, all stream map sort cette semaine, donc je vous ferai pas une petite vidéo sur la chaîne StarMod peut-être, voilà, chaîne YouTube StarMod, le lien sera, je vous ferai une pub, t'inquiétez pas, mais vous verrez, sinon ce sera sur ma chaîne secondaire. Voilà, bonne soirée à tous les gars, c'était Starvio, merci d'être passé, ciao. Et à la prochaine, à plus. Ciao, les gars.